Et c'est... Tipar ! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue pour les joueurs du dimanche, alors que nous ne sommes pas... Dimanche. On est quand même des joueurs, ça nous fait... aucun sens, mais on va quand même jouer à des jeux de société et en l'occurrence à un jeu. Merci Larsina pour le resub. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un jeu qui s'appelle Flesh and Blood, dont vous avez déjà peut-être entendu parler ou peut-être pas. Bah, c'est pas grave, c'est l'occasion. Merci Finch Duval aussi pour ton resub. C'est un jeu de cartes et c'est pas n'importe quel jeu de cartes, c'est un jeu de cartes où genre. Je vais mettre la pression direct. Direct, vas-y. C'est un jeu de cartes où genre, la plupart des joueurs de Magic qui jouent disent « Ok, c'est trop bien, je vais y jouer. Mm-hmm. » Et quand tu regardes des tier list de jeux de cartes sur YouTube ou quoi, en général, il n'y a que deux jeux qui sont en S tier, c'est Magic et Flesh and Blood. Voilà. La pression. La base est posée. La pression pour notre homme. Moi, j'ai rien dit. La base est posée. Maintenant, on va vérifier ça. On va vérifier ça. Et pour vérifier ça aujourd'hui, je suis évidemment avec Rofelos, mon accueil de toujours, que vous connaissez très bien désormais. Mais nous sommes aussi avec Romain. Bonjour Romain, comment vas-tu? Salut Max. Salut Max, salut Rof. Ben, qui je suis? Je suis je sais pas comment me présenter, mais en gros, je suis streamer. Ouais. Concurrent. Je suis la concurrence. Concurrent direct. J'ai une petite chaîne YouTube avec mes deux acolytes Pedro et Aurélie. Qu'on embrasse. S'ils voient cette vidéo, je les embrasse très fort, évidemment. Moi aussi, parce que je les connais un petit peu. Et tu connais, ouais, évidemment. C'est voilà, Pedro Canelli et Aurélie Violette. Bonjour. Et voilà, et on a créé il y a deux ans une chaîne YouTube sur Flesh and Blood qui était pour nous le jeu qui nous a retourné, en gros. Ça nous a. Du jour au lendemain, on s'est dit, mais c'est fou. C'est l'avenir. J'ai absolument envie de passer mon temps et tout mon temps libre et toute mon énergie dans ce jeu. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a créé une chaîne il y a deux ans et maintenant, voilà, je suis commentateur aussi. Donc la chaîne, c'est L'œil d'Ophidia. Ça s'appelle L'œil d'Ophidia, ouais. Et maintenant, voilà, je fais du commentaire pour la chaîne officielle aussi, la chaîne Blood. Et puis, depuis 4 mois maintenant, un peu moins, je travaille au développement du jeu en France, au développement du jeu organisé notamment. Donc voilà, tout mon temps est passé à faire en sorte que les gens, tu vois, à propager la bonne parole, la à faire bonne en sorte que tout le monde ait envie de jouer. Tu es passé prêtre. Ouais, exactement. Ça, ouais. Et pourtant, cette émission, si vous vous posez la question, cette émission n'est pas sponsorisée. C'est simplement que moi, je me suis intéressé au jeu il y a un petit moment, mais on va y avoir une petite partie talk show dans cette émission où on va vous expliquer un petit peu pourquoi on ne vous parle de Flesh and Blood que maintenant, alors qu'en fait, il est disponible depuis genre 2 ans en France. C'est disponible depuis même 3 ans en France. Les gens qui s'y sont mis depuis le début, les premiers fous du jeu s'y sont mis à un petit moment, mais en fait, voilà, on pourra en parler, mais la traduction a mis un petit peu de temps à arriver. Du coup, voilà, l'adhésion en France a été un peu plus lente que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Mais en gros, le jeu est sorti en 2019. Plutôt, au début, c'est sorti en Nouvelle-Zélande et en Australie. Assez rapidement aux États-Unis, ça a été distribué, mais au tout début, en fait, c'est un jeu néo-zélandais qui a été distribué en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ok. Pas commun, hein, parce que généralement, les jeux de cartes viennent plutôt soit des États-Unis, soit du Japon. Et là, on est sur des gens qui étaient. Qui se sont dit, tiens, il n'y a pas que le rugby chez nous. Il n'y a pas que le rugby. Que les moutons, et les tournois du Seigneur des Anneaux. Voilà, exactement. On a des touristes qui viennent recréer le. Voilà. Il y a l'assaut du gouffre de Helm. Exactement. Alors du coup, c'est quoi donc vas-y. Ouais, est-ce que vous voulez qu'on revienne à la jeunesse? Voilà. Plein de questions. Histoire qu'on passe les choses un petit peu dans l'ordre. Le sommaire de cette émission, c'est qu'on va évidemment voir un petit peu ensemble déjà c'est quoi Flesh and Blood et quelle est la genèse du jeu et qu'est-ce qui fait qu'il est là aujourd'hui. Ensuite, on va vous expliquer pourquoi il a mis un petit peu de temps à arriver en France et surtout un petit peu de temps à vraiment se développer comme c'est le cas depuis, on va dire, la sortie d'Outsiders. On va expliquer ça après. Ensuite, on va vous expliquer les règles du jeu. Ensuite, on va jouer. Et dans tout ça, on va poser une chier de questions à Romain, puisqu'il est probablement celui qui a le plus de réponses. Voilà. J'ai pas mal de réponses. Parmi nous trois, oui. Parmi nous trois, il a gagné. Il a gagné. Je pense que j'ai pas mal de réponses, ouais. Il a gagné. Sans me la péter. Avant même de vraiment d'aller plus loin dans cette émission, je trouve ça cool de se dire, nous, ça nous a plu, ce genre de jeu. On a fait appel à un expert spécialiste. C'est ça. Si vous voulez qu'on fasse ça sur d'autres jeux, éventuellement, ça peut être intéressant. Cool.
Mais en tout cas, sur Flesh and Blood, je pense que le nombre de personnes moi, qui sont venues me voir sur mon live en disant « Oh, t'as testé, alors t'en penses quoi ?» Et j'étais en mode... J'étais, moi, pour information, avec Max, on avait testé il y a peut-être deux ans, je dirais, quelque chose comme ça, un peu sur un coin de table, ouais. Avec les cartes en anglais. Moi, j'étais en mode « Ouais, ok, c'est peut-être pas mal, mais on n'avait pas le temps de m'y intéresser à ce moment-là. » Mais c'est vrai que là, le fait d'y avoir rejoué deux, trois fois là, depuis quelques jours, je suis en mode « Ok, je vois pourquoi c'est un bon jeu. » J'ai l'impression que même avec les decks préconstruits, on peut avoir de la réflexion et de se dire « Ok, je vois où ça veut aller. » Et donc, clairement, c'est très cool. Ouais, je vais... Vous connaissez évidemment le bail de début d'émission. Avant qu'on parte dans le vif du sujet, vous pouvez tous me confirmer que le son, l'image, tout est bon et qu'il n'y a rien à corriger avant qu'on ne se lance. J'ai l'impression que tout marche bien. Donc je suis plutôt content. Personne ne se plaint, c'est bon signe. Hein. Personne ne parle, donc j'ai l'impression qu'ils sont là, qu'ils écoutent et que ça se passe bien. C'est tout ce que je veux. Donc, Est-ce qu'il y a des gens déjà ? Je sais pas. Ils sont un peu plus de 200, ça va venir, tout fonctionne très bien. Tu es très beau, Max, si après il y a Daron sur le chat, c'est cool. Super. C'est cool, il n'y a aucun problème. Il y a Night Crash qui est là. Night Crash ? Ah, Night. Le Magic qu'on a croisé souvent à Pain. Un énorme joueur de Flesh and Blood aussi. C'est un gros compétiteur. J'ai découvert le jeu. Grâce à lui ? Puis j'ai bouffé des vidéos. Puis j'ai retesté contre ma femme. Puis j'étais en mode, attends, il y a des trous. Enfin, il y a des trous, pas dans le jeu, dans ma tête. Ouais. Et du coup, j'ai vu que Play-In organisait régulièrement des soirées sur le jeu. J'ai fait, pour combler les trous, on va prendre des mecs qui, eux, n'en ont pas dans leur tête. Donc je suis allé à une soirée Play-In. Les mecs étaient en train de faire un draft. Sauf qu'il y avait un mec de trop dans la draft. Donc il y avait toujours un bail, on appelle ça, c'est un gars qui attend son tour. Et à chaque fois, je prenais le mec qui était en bail. Ouais. Viens là, toi. Viens m'expliquer le jeu. Et c'était très cool. Du coup, j'ai dû jouer contre trois mecs différents la même partie. C'est-à-dire que les mecs récupéraient le deck en cours et jouaient contre moi. Et j'ai gagné, évidemment. Voilà. Alors que t'avais trois adversaires en même temps. C'est comme ça. Hein. Ça fait partie des directives. Il faut toujours laisser gagner les influenceurs pour qu'ils s'intéressent au jeu. Ouais, effectivement. Bon, on va vous expliquer tout ça. Parlons. Parlons peu, parlons bien. Flesh and Blood, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, de qui a créé ça et pourquoi ? Alors, c'est toujours assez marrant quand on en parle, parce que le mec qui a créé ça s'appelle James White, c'est un mec assez charismatique, vous l'avez déjà vu, ça vous intéresse, tapez James White interview l'œil d'Ophidia et vous verrez les premières interviews qu'on a faites avec lui. C'est un mec assez brillant, qui a... En fait, tu comprendras assez rapidement de quoi je parle, mais en gros, c'était lui qui organisait les tournois de Magic en Nouvelle-Zélande. Voilà, il a travaillé avec Wizard pour Magic à l'époque. C'est un fan de jeux de cartes depuis toujours. Donc, c'était pas un game designer. À la base, c'est un mec qui est fan de jeux de cartes. D'accord. Il adore les cartes depuis toujours. Il nous en a parlé dans plusieurs interviews et c'est un mec passionné en fait. Il s'est jamais, ça a toujours fait partie de sa vie. Il a travaillé dans plein de secteurs différents. Il a eu plusieurs boîtes et tout, mais le fil conducteur en gros de sa vie, enfin la passion qui l'a toujours animé, c'est les cartes. Et il s'est toujours dit qu'un jour, il allait essayer de faire son propre jeu. Il nous rappelle quelqu'un, ça. Ça me rappelle des gens, mais après, on n'est pas en Nouvelle-Zélande, c'est ça. Peut-être. On a des trucs à faire ça, en fait, dans notre vie. Et donc, on ne peut pas créer comme ça des jeux de cartes. Mais voilà, et donc, il s'est décidé, alors je ne sais pas exactement en quelle année il s'est dit qu'il fallait qu'il se lance, mais probablement en 2012, puisque d'après la légende, il a passé 7 ans à développer son jeu avant le sortir. Donc, il a investi une grande partie de ses économies, de son fric. Il travaillait dans un studio avec des gens qu'il avait recrutés à droite à gauche parce qu'il était déjà dans le milieu des jeux de cartes. Donc il connaissait des mecs qui avaient déjà le truc. Parce que voilà, vous le savez, il faut avoir, quand t'es fan de jeux de cartes, t'as un truc en tête qui est spécifique, quoi. Tu peux pas dire. Et c'est difficile à expliquer. J'ai une copine qui est sympa, elle a jamais joué à un jeu de cartes, ou même un copain. Hein, tiens, vas-y, viens m'aider, on va écrire des cartes ensemble. Non! Faut déjà jouer à 18 jeux de cartes avant pour espérer commencer à en faire. Mais tu vois, je pense qu'il y a un syndrome qui doit pas être très loin de l'autisme, qui consiste à dire il y a un problème, il y a un micro-truc dans la vie, je vais essayer de tout faire pour essayer de le résoudre de façon optimale, alors que c'est pas utile. Oui. Non, mais c'est ça. Tu vois, il y a une sorte de. Tu vois, t'es obligé d'aller résoudre ce puzzle. Ils sont obligés. Et moi, ça me le fait dans plein d'autres trucs. C'est-à-dire qu'il y a des puzzles face à moi et je suis obligé de passer 20 minutes à faire que ça. Il y a un truc qui est à oublier les gens qui sont autour de moi. Symptomatique de ça, quand je suis allé jouer à Play-In à Flesh and Blood, je pose une question sur une mécanique. Je vous passe le détail, c'est pas important. Je pose une question sur une mécanique et en gros, je lui dis « Ok, du coup, ça ne sert à rien de faire ça parce que ça fait la même chose. » Il me fait « Oui, mais t'es censé le faire après. » Je fais « D'accord, mais ça ne change rien. »
Ouais, mais d'après la carte, j'ai compris. Mais voilà, serre-moi la main, on passe à la suite. Mais c'est effectivement, c'est un truc de joueur de cartes de dire non, l'ordre, c'est l'ordre. C'est pas ah bah, si tu pioches une carte avant de détaper à Magic, ça part bien. Ça part bien. Ça part bien. Et puis on parle pas des pires, les mecs qui mettent leur land devant. Oui. Alors ça, non, on en parle pas. Ouais. À l'ancienne, en fait. À l'ancienne, les gens mettaient les... Là, c'est nul. Les gens qui savaient pas, non, mais ça rend fou. Ou les j'engage, mais à 45 degrés. D'accord. Ça me. Okay. Le meilleur truc à faire quand tu joues à un jeu de cartes, c'est d'essayer de déstabiliser ton adversaire en faisant ça. Tu prends ses cartes, tu les remets n'importe comment, tu prends ses dés, tu pioches. C'est du roule shark, ça. Non, même pas roule. Parce que t'as le droit de le faire, mais t'es un enfant. D'accord. On parlera du championnat de France d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette émission, donc on parlera des roule shark. Bref, donc on était sur un mec qui est un peu matrixé par les jeux de cartes, comme on l'est. Qui est fan de jeux de cartes, mais depuis toujours, quand il en parle, il te parle de, tu vois, de ses parties de jeux de cartes quand il était avec sa grand-mère, qu'il était gamin, qu'il apprenait à jouer au bridge, tu vois, tous les jeux de cartes que tu apprends quand t'es petit. Et en fait, ça l'a vraiment marqué, il avait envie de faire son jeu, donc il a passé 7 ans à le développer en 2019. Flesh and Blood arrive, ça débarque de manière hyper confidentielle. Le jeu, il est sorti en mode alpha. Ils ont fait comme Magic, tu vois, il y avait une édition alpha qui était tirée en très peu d'exemplaires. Et au début, ça a été distribué quasiment exclusivement en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mmh. Et assez rapidement, ils ont décidé de le sortir aux États-Unis. Ils ont essayé de le sortir aux États-Unis. Donc il y a plusieurs distributeurs qui les ont suivis sur le marché américain. Il y a eu Canada et États-Unis. Ça a mis un peu plus de temps à arriver en France. Au tout début, c'était quasiment impossible, donc il fallait les prendre à l'import. Qu'est-ce qui fait que quand il sort son truc, qu'est-ce qui fait que ça arrive à convaincre des gens de le suivre? Des jeux de cartes, il y en a plein. Ouais. Des jeux de cartes qui se sont cassés la gueule, il y en a encore plus. Je pense qu'il y a un truc. Alors ça, c'est, tu vois, chacun a une vision personnelle. Tu vois. C'est la qualité intrinsèque du jeu. Pour moi, c'est 100% la qualité, c'est qu'il y a une idée de génie dans le truc, et on en parlera quand on verra un peu les règles, c'est le système de pitch, et donc le pitch stacking, c'est-à-dire que contrairement à tous les autres jeux de cartes, donc là, il y a plein de jeux de cartes où tu vas utiliser ta main comme ressource pour payer tes cartes, quoi. Sauf que là, la mécanique, c'est qu'à chaque fois que tu utilises une carte, tu la perds pas. Elle va revenir plus tard. Tu la remets plus tard. Et du coup, il y a une mécanique qui s'appelle le pitch stacking qui consiste en gros à recréer ton deck en cours de partie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la carte revient sous ton deck et tu sais, si t'es pas con, donc si t'es un joueur de cartes un peu aguerri, tu sais dans combien de temps donc tu vas si la repêcher. Donc si vous jouez pas aux cartes, vous êtes des cons. Non. Tu le sais, si enfin, moi je joue elles pas comme ça, mais il y a plein de gens dans cet ordre. Voilà. Elles vont revenir et tu sais l'ordre dans lequel elles vont revenir et tu recrées ton deck au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc vraiment brillant et c'est ça qui a retourné beaucoup. Alors ça, il faudra moi, c'est un truc qui m'a changé, qui a changé ma manière d'envisager le jeu de cartes. Quoi. Ça, il faudra me le prouver parce que c'est vrai que pour les preuves. On m'a expliqué ce truc-là, on y reviendra pendant les règles, bien sûr, mais pour le moment. Je suis jamais allé au bout de mon deck. Mais parce alors, que tu... je joue des blitz, voilà. je vois même pas la moitié du deck. Quoi. Ça existe quasiment pas en blitz, ce truc-là. D'accord. Ça existe dans certaines mécaniques, et c'est revenu d'ailleurs au goût du jour récemment, parce qu'au gré des bans et des errata et des sorties de nouvelles cartes, il y a eu en gros des stratégies plus contrôle qui sont revenues sur le devant de la scène. Du coup, c'était plus simple de faire des parties longues, et donc le pitch stacking, t'arrivais à ton stack en gros, t'arrivais au moment où t'avais stacké ton deck. Tu récupères. Voilà. Okay. Mais c'était moins le cas, et surtout dans les decks de blitz, ouais, c'est un deck, enfin c'est un format hyper rapide qui est censé, t'es censé enchaîner les parties, donc voilà. Mais bref, si on donc ça sort, on est aux États-Unis. Ça sort aux États-Unis et en gros, 2019, 2020, tu vois, le jeu fait son petit bonhomme de chemin tranquille, ça progresse tranquillement, mais vous le savez, il y a le Covid, quoi. Donc qu'est-ce que tu fais, comment tu fais pour convaincre les gens de jouer à un jeu de cartes en plein Covid? Et là, c'est là qu'il a eu une idée de génie. Ils ont décidé de mettre tout le trésor de guerre qu'ils avaient, tout le fric qu'ils avaient, dans juste faire donner le jeu, le mettre dans les mains des gens qui restaient chez eux et qui pouvaient jouer que chez eux. Et il leur a dit, on vous donne le jeu. Ils l'ont donné à des influenceurs, mais même à des gens, tu vois, qui avaient des... Ça veut dire qu'ils ont imprimé des trucs. Mais ils ont donné des cartes, non, ils ont envoyé des cartes. Ils ont envoyé juste des boosters, des starters, des decks préconstruits, mais aussi des displays, quoi. D'accord. Et ils leur ont dit, jouez au jeu. Et en gros, il y a occupez-vous, eu, je sais pas, si tu regardes, il y a une vague, il y a une explosion à un moment de contenu autour de Flesh and Blood à ce moment-là, parce qu'en gros, personne n'avait mieux à faire, en gros, tu vois, que tester de nouveaux jeux de cartes. Et le jeu était tellement cool que tout le monde a kiffé, en fait. Donc, à un moment, il y a une sorte de vague marée, voilà. Peut te permettre de faire ça. Et donc, ils ont fait ça. Le jeu a explosé à ce moment-là.
ça a commencé à être distribué un peu partout. Et on le sait, pendant le Covid, on a tous eu tendance, un peu, enfin moi en tout cas c'était mon cas, faire un peu n'importe quoi avec notre argent. Enfin voilà, on pouvait pas sortir, tu pouvais pas. Donc on achetait plus de cartes quoi. Moi j'ai eu. Je le sais, je le reconnais, ma femme le sait, donc je peux l'avouer maintenant en live. J'ai beaucoup dépensé dans des cartes. Et du coup, voilà, le jeu a explosé à ce moment-là parce qu'on avait beaucoup de temps libre, on avait un petit peu d'argent qu'on dépensait pas ailleurs. Et surtout, le jeu cartonnait, en fait. Le jeu était hyper efficace et il correspondait, je pense, à... Il est arrivé aussi à un moment où, on pourra en parler peut-être, je veux pas tirer dans les pattes de la concurrence, mais à un moment où Magic aussi commence à faire râler certains joueurs... Tu peux y aller, on a aucune race ici, on tire sur tout ce qui bouge. Non, je veux dire, c'est un consensus. Tant que c'est mérité. Non, mais voilà. Magic, moi, sur Magic, est vraiment un jeu de merde. Non, Magic, c'est un jeu incroyable. Et moi, j'ai commencé à jouer à Magic. Évidemment. Je dirais jamais que c'est un mauvais jeu. Mais il y a des décisions, en tout cas, en termes de marketing sur Magic qui sont discutées. Notamment depuis. Bon, il y a toujours eu des gens qui râlaient Magic. Ouais. Hein, le c'était mieux avant. Magic, c'est bien connu. Magic a 30 ans cette année. C'est évidemment encore un des meilleurs jeux ever, selon moi en tout cas, mais il n'est pas exempt de défauts, et surtout effectivement, je crois que de plus en plus ça donne la part belle notamment aux collectionneurs, ou bref, ça va dans des... J'ai l'impression que ça oublie un petit peu le jeu organisé, pour aller plus vers le côté... Ah, ça va vers ceux qui dépensent d'argent. Exactement, c'est ça, tout à fait. Le jeu organisé, les mecs, ils lâchent 400 balles, et ça va même pas dans les poches de Wizard, parce qu'en fait, ils achètent les cartes à l'unité... sur Card Market ou autre, donc en fait, ou chez Play-In. Du coup, ça leur coûte juste le prix de la carte et l'argent va dans les poches du mec qui l'a vendu et non pas dans les poches de Wizard. Et puis derrière, une fois qu'ils ont leur deck, ils le rentabilisent, c'est-à-dire qu'ils vont le jouer un certain temps. Alors que les mecs qui collectionnent, ils achètent juste des displays à chaque putain d'extension. Et en parallèle à ça, bon, on fait un petit peu comptoir, hein, ça se trouve. En tout cas, je pense que ça explique, ça fait partie des choses qui expliquent. Ils ont mis aussi beaucoup d'accent sur MTG Arena. Donc sur leur jeu. Ils en sont revenus, ça. Hein, quand ils en sont revenus, mais pendant un moment, il y avait ce côté. Quand c'est sorti, nous, on avait des deals avec Wizard à l'époque. Donc on jouait aux jeux de cartes physiques, on était très contents de faire ça. Et Arena est sorti, et ils ont fait. Ouais. Enfin, bon, c'est dommage quand même, c'est voilà. Rien. Tout le budget était parti chez Arena. Et 2-3 ans plus tard. Ils ont fait l'échec de la MPL qui était un super projet à la base, mais l'exécution était le principe d'avoir un certain nombre de personnes très très fortes qui sont payées, mais du coup si t'étais pas dedans, en gros t'étais un peu baisé, alors qu'avant les pros pouvaient grinder sur certains tournois comment on appelle ça, satellite. Oui, je crois ça. Alors, en gros, ils ont fermé le circuit. Ouais, ils ont un peu fermé ou en tout cas modifié le circuit qui, du coup, est devenu beaucoup moins fair pour les gens qui étaient semi-pro, on va dire. Et bref. En fait, ils auraient pu faire ça, mais il aurait fallu faire une ligue en dessous dans laquelle n'importe qui peut participer. Et si tu fais des bons résultats, ça peut te permettre d'y accéder et de gagner de l'argent. Ils l'ont fait, en fait. C'est un peu ça. Sauf que si la ligue en question. Enfin, si le truc se rebook tous les ans, par exemple, le mec, pendant un an. Il est même pas sûr de. T'es bon, tu montes. mais si pendant un an tu joues pour rien, bon déjà il faut tanker ça. Et que après ta boîte le meilleur, ça reste un jeu de cartes avec quand même de la RNG. Surtout Magic. J'avais envie de. On va partir dans un débat. Bref, en tout cas, tout ça fait que le jeu Magic se porte très bien. Franchement, en ce moment, avec les ils ont jamais, je pense, autant vendu. Donc eux, ils vont très bien. Seulement, il y a certains joueurs. Ne se reconnaissent plus trop dans le comme tu disais la direction du truc quoi et qui peut-être cherchent d'autres jeux en se disant bon il y a des jeux à licence qui sont peut-être pas trop mal mais qui mettent beaucoup sur leur licence, je pense à Dragon Ball, je pense à Final Fantasy qui sont faits par les Japonais et qui sont surtout dans une optique de regardez les gars on a Son Goku ou Cloud sur nos cartes et donc du coup c'est cool même s'il y a un jeu derrière. Je pense qu'il y a quand même la part belle qui est aussi faite à tout ce qui est collection, etc. Machin. Et regardez notre super carte qui brille et qui est légendaire et que vous ne pourrez jamais avoir. Et que, voilà. Et que là, du coup, ça s'adresse quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus à des joueurs, à des compétiteurs. Ouais. Et du coup, eh bien... On va y venir après, mais Flesh and Blood n'est pas ce qu'on pourrait appeler un jeu pas cher. C'est un jeu de cartes à collectionner. Alors attends. J'ai pas ça que j'ai dit. Ouais. J'ai dit, est-ce que tu dépenses ton argent pour avoir la carte dans un classeur et être content? Ou est-ce que tu dépenses ton argent pour jouer contre des gens? Dans ce cas-là,
Je vais voir qu'on va, on peut ouvrir des parenthèses. Oula, oula, tu sais pas pourquoi t'es tombé. Non, non, voilà, mais c'est juste, dans ce cas-là, je te trouve un petit peu dur, notamment avec Dragon Ball, qui est un très bon jeu. Dragon Ball est un jeu, dès le départ, où t'as du power creeping de fou, donc c'est l'extension 1, oui. Est beaucoup moins bien que l'extension 2, qui est... c'est les Japonais, ils savent faire ça, hein, Ikuyo, ils l'ont fait pendant des années. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même des cartes des premières extensions qui sont toujours jouées. Ok, il n'empêche pour ça qu'elles coûtent cher, d'ailleurs. Il n'empêche que, c'était sur Dragon Ball, c'était sur FF, où il y avait des cartes que tu pouvais avoir que... Ouais, certains trucs et que pendant certains tournois. Ouais. Oui, ça, c'était pas une très bonne idée. Et voilà, et en fait, le truc, c'est qu'il y a ça, et il y a le fait que maintenant, des tournois Dragon Ball, après, je suis plus trop dans le truc. Alors, mais c'est vrai en France, ça meurt un petit peu, parce que l'éditeur s'en occupe pas. Hein, voilà. Mais aux États-Unis, ça marche. Hein. Okay. Bref. Fin de la parenthèse Dragon Ball. Fin de la parenthèse. Je le défends un peu, parce que c'est un jeu favori. Non, mais on peut, moi, j'adore le jeu, mais je trouve qu'il y a un gros problème avec ce genre de jeu-là, et on le retrouve sur beaucoup de jeux japonais, comme tu disais, c'est que t'as l'impression qu'ils sont faits pour accompagner les gamins pendant leur durée de vie, enfin, pendant leur carrière de joueur en tant qu'enfant, quoi. C'est-à-dire que quand ils deviennent adultes, ils passent à autre chose. Donc, en gros, tous les jeux comme ça ont une durée de vie de 4, 5, 6 ans, grand max. Et après, ils le laissent mourir. Après, ils le laissent mourir. Et puis, quelques années plus tard, il y aura un nouvel avatar dans le jeu de cartes DBS qui sortira et qui sera hyper cool parce que le design est malin et parce que tu as les personnages que tu kiffes, que tu veux rejouer. Mais la durée de vie de ces jeux-là, moi, j'ai toujours... Enfin, je suis hyper circonspect. On en parlait tout à l'heure avant l'émission avec Rof. Je joue à Magic depuis que j'ai 15 ans. J'ai 42 ans maintenant. J'en ai vu mourir pas mal des jeux de cartes et t'as l'impression que tous meurent de la même manière en fait et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le jeu organisé commence à patiner un peu, ils sortent le power creep a rendu le jeu vraiment absurde et t'as plus aucune raison de collectionner les cartes du début et puis au bout d'un moment bah tu te désintéresses quoi parce que tu grandis, tu passes à autre chose. D'ailleurs puisque tu parles de ça, on va ouvrir une petite parenthèse sur Flesh and Blood que je trouve hyper intéressante. Pour ce qui est du changement de la méta du jeu et pour éviter le fait que on crée tout le temps des trucs plus puissants et du coup les trucs d'avant on les joue plus, on s'en fout, ou même à l'inverse on a créé un truc trop puissant et on est obligé de le bannir parce qu'en fait sinon vous jouerez jamais les nouvelles cartes. En fait ils ont fait un système qui est hyper malin mais que tu vas probablement expliquer mieux que moi, c'est que les héros peuvent devenir légendaires et quand ils deviennent légendaires vous ne pouvez plus les jouer, c'est-à-dire qu'ils sont devenus trop puissants pour participer au tournoi classique. Et un jour, peut-être, il y aura un tournoi réservé aux légendaires. Et là, du coup, tu joueras les héros légendaires. Et alors, du coup, comment ça fonctionne ? Une sorte de banlist automatique, c'est ça ? C'est ça. En gros, c'est une sorte de soft rotation, comme on dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu gagnes un tournoi avec un héros, il va gagner un certain nombre de points. En fonction du niveau compétitif du tournoi, tu vas gagner plus de points. Ça peut partir, ça démarre à 1 point de Living Legend et ça peut aller jusqu'à 200 pour les championnats du monde. Donc en gros, ça peut monter assez vite si les héros sont hyper compétitifs. C'est que le winner ou c'est aussi par exemple c'est que le winner. Ah ouais, donc c'est deuxième au championnat du monde. C'est aucun point de Living Legend. D'accord. Et du coup, voilà, quand tu arrives à un certain palier, donc en l'occurrence pour le Blitz, il y a plusieurs formats à Flesh and Blood. Le format le plus rapide, c'est le Blitz. On en reviendra tout à l'heure. Et le format le plus long et le format un peu roi de la compétition, c'est le Classic Constructed. On appelle ça le CC parce que classique constructif, c'est un peu long. Dur à dire. Voilà, et c'est 1000 points. Donc en gros, tu peux à partir de 1000 points, tu peux plus jouer le deck, jouer le héros en question dans le format en question. Et le classement est en ligne et tout le temps disponible. Voilà. Donc quand vous dites je vais jouer tel perso, allez regarder la liste avant parce que si vous voulez jouer un perso qui a 940 points, là il y en a un qui a 998 depuis 3 mois. Donc laisse-moi dire que les joueurs de Braia en ce moment ils serrent un peu des fesses parce qu'il y a des championnats de France, enfin il y a tous les championnats nationaux le week-end prochain, enfin dans les prochains week-ends. Du coup, il y a de fortes chances pour qu'elle passe en Living Legend et qu'elle soit plus jouable. Voilà. Et une fois qu'elle est passée en Living Legend, on attend dans les 2-3 prochains héros Living Legend, il devrait y avoir un format Living Legend. Il a pas été confirmé officiellement, mais on sait que ça va arriver un jour ou l'autre. Au-delà de ça, du coup, il y a des cartes qui ont été bannies, erratées, etc., comme Magic ou pas ? Il y a des cartes qui sont bannies, il y en a très peu. Il y en a un peu plus en Blitz, parce qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Le Blitz, c'est un format un peu impitoyable où c'est très rapide. D'accord. Et du coup, comme tu as très peu de points de vie, tu commences à 20 points de vie, alors qu'en CC, c'est 40 points de vie, les parties sont assez rapides. Et du coup, les cartes qui sont un tout petit peu déséquilibrées, sont un peu plus fortes que les autres, deviennent trop tu fort. Le ressens vraiment en Blitz, tu prends très très cher quand tu passes le jeu. Le jeu est donc équilibré pour le CC, quoi. Il a été équilibré pour le CC, et en fait, pour la petite histoire, le Blitz, c'est un format qui a été créé par des joueurs.
à la base. D'accord. Et en fait, les héros que vous voyez dans les decks de Blitz qui ont 20 points de vie, à la base, ils ont été designés pour être des héros de limité. Mais des joueurs qui avaient envie d'un format un peu plus rapide ont dit « Ah bah c'est cool, on n'a qu'à jouer avec moins de cartes, on va jouer à 40 cartes, deux exemplaires de chaque carte au lieu de 3, pas de sideboard, maintenant ça a un peu changé, mais à la base il n'y avait pas de sideboard, à part les sideboards d'équipement. Et du coup, on va jouer avec les héros de Scellé ou de Blitz, ou de Drake. Les jeunes, quoi. Voilà, les héros jeunes. Et au début, évidemment, comme ça n'avait pas été designé pour ça, le format était un peu instable, quoi. Il y avait des decks qui étaient beaucoup plus forts que les autres et qui auraient pas dû... Si les cartes avaient été designées pour le Blitz, avec le Blitz en tête, elles auraient été un peu... Et ça, du coup, très rapidement, parce que je sais pas combien de temps Magic a mis à faire entrer le format Commander comme un format officiel, parce que le format Commander sur Magic, ça a été aussi créé par des arbitres. Ouais. Combien de temps ils ont mis à se dire... Ah, ils veulent jouer en Blitz ? Ok, on crée le Blitz. Ça s'est fait en quelques mois, en fait. À l'époque, le jeu était tout jeune, et c'était le nombre de joueurs compétitifs réguliers, ça se comptait en centaines, donc c'était pas très impactant, parce qu'en plus, le circuit de jeu organisé tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. Il n'y avait pas d'enjeu pécunier derrière tout ça, donc voilà, c'était moins important. Enfin, ça comptait pour les joueurs, mais c'était un changement qui était un peu indolore pour tout le monde. Mais pour moi, un peu à l'instar de le DH, qui s'appelait comme ça avant, le Commander, le principe des joueurs font leur propre format, et ce format commence à avoir une popularité, et du coup, l'éditeur en profite. C'est, je trouve, signe. Ça peut être signe de « Ah bah les mecs, qu'est-ce que vous foutez ? Vous auriez pu y penser avant. » Mais c'est aussi signe de « Le jeu est tellement bien que les mecs se disent « Bon, ça s'adresse au grand public, c'est machin. » Dense que tu peux faire un jeu dans le jeu. Voilà, on essaye de faire un jeu dans le jeu, de créer notre propre truc et avoir nos règles, un truc qui se tient et qui fait en sorte que, avec les cartes qu'on aime bien, on peut rejouer. Qui de mieux que les joueurs pour décider de ce à quoi ils ont envie de jouer. Oh, c'est beau ce que tu... Mais c'est ça, mais tu vois, dans tous les jeux, il y a des centaines de variantes. Même à Flesh and Blood, tu vois, il y a des variantes qui sont officieuses, qui existent. Personne n'aurait pu y penser, en fait, à part le mec qui y a pensé, tu vois, qui est un petit designer du dimanche, quoi. On est les joueurs du dimanche, là. Mais tu vois, c'est des mecs qui sont improvisés des game designers, qui ont eu une bonne idée, et finalement. Ils l'ont testé, les mecs ont fait, mais c'est bien. Ouais, c'est ça. En fait, ça marche bien, on va jouer comme ça, ok. Et donc là, actuellement, le format Blitz est quand même pas le format principal, c'est ça ? Mais il y a quand même beaucoup de tournois. T'as des tournois de grande envergure. T'as des Battle Hardened. Alors, on va pas rentrer dans l'organisation du jeu organisé Flesh and Blood, parce que ce serait hyper long. C'est une émission à part. Mais il y a des tournois, y a de gros tournois. Et pendant le championnat du monde, il y a toute une portion qui est dédiée au Blitz, en fait. D'accord. Pour être le champion du monde de Flesh and Blood, il faut être bon en Blitz, il faut être bon en limité et il faut être bon en CC, qui est le format principal, quoi. Nice. Ça fait combien de temps qu'on est en live ? Ça fait même pas 30 minutes, on a dit. Ça fait bientôt 30 minutes, on a déjà dit pas mal de choses. Est-ce que tu peux allumer le ventilo ? C'est possible. On va avoir chaud. C'est très possible. C'est très très possible. Vous savez, saviez-vous, il fait chaud. Ouais, revenons à. Et encore, moi ça va, je m'en sors bien. Revenons à nos moutons, à savoir. On parlait donc de Flesh and Blood, de sa création, du fait que, il s'est développé aux États-Unis, qu'après il y a eu le Covid, qu'ils ont envoyé les cartes, ils ont été assez malins pour faire ça. Je peux ouvrir une autre parenthèse en disant que d'ailleurs, combien de jeux de cartes en vrai pourraient se développer quand même beaucoup plus facilement s'ils jouaient le jeu de l'influence, et putain, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils le font pas, et ça me rend ouf. Ouais. Bref, ça c'est autre chose. Non mais si, je peux vous le dire. Non mais si, ça dégoûte, non, là, vas-y, allez, on aime bien le cultural. Là, vous le voyez, il y a une putain de display Lorcana. T'attends toujours l'appel de Ravensburger, c'est ça ? Non, on s'entend bien avec Ravensburger, et je crois vraiment que c'est pas de sa faute, je crois qu'il voudrait pouvoir nous enfiler plus pour qu'on fasse des openings, des tournois, des machins. Je crois juste qu'il en a pas, quoi. Et je suis en mode... Aidez-nous, merde. Chier. Voilà, ça c'est dit. Parce que bon, moi, si je dois me foutre 500 balles de display à chaque fois, bon, c'est plus rentable, donc ça marche pas. Ça c'est dit. Le dernier truc, c'était... Le jeu marche. Le jeu marche. Comment est-ce qu'il arrive en France ? Le jeu arrive en France parce qu'il y a des mecs qui sont passionnés. Sur le Discord français, il y a des mecs qui sont démenés pour faire en sorte que la communauté grandisse, alors que le jeu était très distribué de manière un peu chaotique. Enfin, avant que les gros distributeurs commencent à s'en occuper, c'était hyper difficile de l'avoir. Mais le jeu a commencé à prendre. Il y avait déjà des tournois en ligne qui
qui ont démarré dès 2020, je crois. S'il y a des gens qui sont dans le chat et qui étaient là dès les débuts, ils peuvent me le dire. Mais 2020-2021, ça commençait déjà à jouer. Enfin, 2020, ça commençait déjà à jouer. Moi, j'y suis arrivé en 2021. En gros, à partir du moment où ça a été distribué de manière un peu plus large et à partir du moment où tu as pu, en France, par exemple, je ne sais pas si on peut parler de boutique en particulier, mais il y a une boutique, tu peux dire ce que tu veux. Il y a une boutique qui s'appelle Ludiworld qui a beaucoup participé au développement du jeu. Ludo, si tu vois un jour. Je l'ai vu faire des vidéos, il explique un peu le truc. Ouais. Mais voilà, et il est passionné par tous les jeux de cartes. C'est un vrai. Enfin, c'est un mec extraordinaire. Et il a vraiment poussé le jeu parce qu'il y croyait à mort. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu les premiers gros tournois en France, quoi. Donc il a beaucoup participé au développement. Après, il y a vos amis de Play-In qui s'y sont mis aussi. Et ça, évidemment, on connaît la force de frappe de Play-In. Quand ils se mettent sur un jeu, quand ils font du jeu organisé, le jeu, il explose, quoi. Donc assez rapidement. Pour le coup, je crois que c'était un peu plus. Du business que. Alors, ouais. Je pense qu'ils aimaient le jeu, mais c'était quand même un pari. Ouais, alors pourquoi je te dis ça? Je crois qu'en fait, il y a certaines boutiques aux États-Unis qui dévoilent en fait leur chiffre d'affaires et la proportion du chiffre d'affaires en fonction de quel jeu. Ouais. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait une grosse boutique américaine qui faisait genre quasiment autant avec du Flesh and Blood qu'avec du Magic. Ils ont fait. Allez, on va en acheter un. Voilà. C'est Star City, non, qui Star City Game qui était aux États-Unis. Non, c'est pas Fireball, je sais pas quoi, un truc. Ah, Fireball. Je sais pas si c'est une boutique ou quoi, mais c'est ça qui me revient. Leader du marché. Derrière, après, il y a ce côté. Tu mets sans feu. Si ça se vend beaucoup. Si ça se vend, c'est que c'est bien. C'est que le jeu est cool et donc que ça vaut le coup de le. Mais tu vois, on pense qu'il y a quand même un peu d'amour pour le jeu, parce que moi, c'est Jérémy de Facebook qui a joué. Ouais. Non mais ils y croient à mort, ils adorent le jeu et la raison pour laquelle je dis que c'est un pari, c'est qu'à l'époque le jeu n'était pas du tout sorti en français, donc tu vois quand même s'intéresser à un jeu qui est uniquement disponible en anglais, c'est quand même un pari. Je trouve que il y a aussi l'idée de se dire en même temps si on n'y joue pas, il sera jamais traduit. Donc il y a un moment, faut y aller. Quoi. Absolument. Parce qu'il n'y avait pas la volonté à la base de le sortir en Europe. Au départ, c'était non, on le fait en anglais et puis. Non, à la base, ils se sont pas posés. Enfin, c'est quand même hyper audacieux de se dire je vais le sortir dans le monde entier et ça va cartonner. Tu sais pas comment ça va sortir, on le sait, la durée de vie d'un jeu de cartes, elle est tellement. Donc, ils ont été assez. Tout en restant optimistes, ils sont restés humbles et ils se sont dit on va faire les choses petit à petit, on va essayer de faire grandir le jeu de manière organique, c'est-à-dire de ne pas forcer le succès du jeu. On va essayer de sortir un bon jeu et si ça marche, les gens viendront. Quoi. On en parlait aussi un petit peu en off. Quand tu dis, quand tu es néo-zélandais et que tu dis tiens, il y a des Américains qui pourraient être intéressés par le jeu, tu as juste à réimprimer des trucs tel quel. Quand tu commences à te dire tiens, on va s'attaquer au marché européen, en fait, souvent, on disait ça aux distributeurs. Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ce jeu en français? Ça se vendrait mieux chez nous. Et les gars disaient, mais en fait, si on sort le jeu en français, il faut aussi qu'on sorte. C'est pour l'Europe, en fait. Il faut aussi qu'on sorte en allemand, peut-être en espagnol aussi, peut-être en Italie, etc. Enfin, en tout cas, ça va demander des coûts de traduction. Ou est-ce que du coup, ça va fonctionner derrière? Il y a un risque. Il y a un risque, il y a effectivement un gros risque. Pareil pour les marchés asiatiques. Donc effectivement, ça a dû être un pari de dire, vas-y, go, on le fait. Il est traduit en français, en espagnol, en italien et en allemand. Et en allemand, ouais. Ça, c'est depuis l'année dernière. Voilà. Donc après, le jeu a commencé. Il a commencé vraiment à bien marcher à partir du moment où des boutiques comme Ludo, comme Play-In s'y sont mises. Et puis après, progressivement, ça a fait, tu vois, comme une traînée de poudre, quoi, un peu dans toute la France. Et puis au niveau ça s'est développé. Le jeu organisé s'est développé aussi. Ouais. Et il y a eu un vrai circuit professionnel qui a été annoncé aussi à la fin 2021. Donc il y a eu. Il y avait $1 million de dotation sur la première saison compétitive du jeu. Pas mal. Ce qui est, c'était l'idée, en fait. Enfin, pas mal, énorme, en fait. Ouais. Et l'idée, c'est de faire en sorte que, à terme, les gens qui jouent à Flesh and Blood et qui veulent en faire un métier puissent le faire. Ouais. Alors là, je vais te poser des questions que tu développer pourras l'aspect peut-être pas. Tu pourras peut-être pas répondre, peut-être même parce que tu sais pas toi-même. Legend Story Studio, qui est donc le créateur de la société qui gère Flesh and Blood, aujourd'hui, financièrement, ils en sont où? Alors, évidemment, je ne te demande pas financièrement par rapport à Wizard, parce que le mastodonte Hasbro est derrière. Quoi. Mais s'ils sont capables de lâcher $1 million pour le circuit pro, ça s'est bien vendu quand même. Ah non, mais sans aucun doute, ça s'est bien vendu. En fait, ils ont fait. Je pense que le créateur, maintenant, il a une petite maison avec jardin. Non, ils sont hyper contents, mais en fait, tout est réinvesti dans le développement du jeu, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, est-ce tu que. Vois, tu le vois, c'est une start-up qui fonctionne. On est 55, je crois, au dernier chiffre.
Et c'est une start-up qui fonctionne comme ça, en fait. Tout ce qu'on gagne, c'est réinvesti pour faire en sorte que le jeu continue à progresser. Et que... Ce qui ne m'étonne pas de quelque chose... Je ne sais pas si, du coup, le studio appartient directement à celui qui a créé le jeu. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Est-ce que c'est un truc... En plus, je sais pas si t'as... C'est une start-up qui appartient à lui, ouais. D'accord, c'est, un truc, okay. c'est lui qui a complètement indépendant. Donc c'est si... le plus gros studio de jeux indépendants donc, au si monde c'est... maintenant. Donc si c'est un mec enfin, qui, à la base, est un passionné qui a mis 7 ans pour faire son jeu, je pense qu'il... Je le vois bien dire. Évidemment qu'un début d'une boîte, c'est de gagner de l'argent. Bien sûr. Mais il y a aussi ce côté, j'ai fait ça pour ma passion, et en fait, et j'en suis on va réinvestir une bonne partie des thunes qu'on a gagnées en la refilant pour peut-être faire remonter le jeu. En fait, tu vois, dès le début, le concept pour lui, l'idée... c'était de faire en sorte, ça s'appelle, le jeu s'appelle Flesh and Blood, et c'est pas pour faire un jeu, tu vois, avec du sang, pour faire un jeu pour les adultes, ça faisait partie du truc dans le marketing global du jeu, mais l'idée pour lui, c'était de remettre les gens face à face, tu vois, comme vous l'êtes là, en chair et en os, pour qu'on joue les uns avec les autres, dans des boutiques, et faire en sorte de faire grandir le jeu, tu vois, de manière un peu... de manière un peu intelligente, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas faire un jeu de cartes sans boutique de jeux de cartes. Donc, pour que les boutiques de jeux de cartes marchent, t'encourager les gens à aller jouer en boutique et pas à jouer en ligne. C'est aussi pour ça qu'il n'y a ça pas de clients en ligne. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de clients en ligne ? Pour ça, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de clients officiels en ligne. On peut y jouer en ligne par des moyens détournés. Enfin, il y a plein de manières d'y jouer. Mais en tout cas, l'accent principal est mis sur le jeu. Le carton. Le carton. Ouais, mais parce que c'est ça qui est kiffant. Parce que quand tu as des cartes en main et qu'elles sont brillantes et que tu as l'impression d'avoir des trésors. Et à moins d'avoir. Enfin, nous, c'est un peu ce qu'on a observé. À moins d'avoir un jeu numérique. Qui a été créé pour le numérique, je pense à Marvel Snap, je pense à Hearthstone, et qui ont des spécificités qui font que ça ne pourrait pas fonctionner en carte physique. Mettez une carte aléatoire, voilà. Ouais. Un truc. En général, quand tu as un jeu physique qui devient numérique, et c'est le cas, le meilleur exemple c'est Arena, c'est cool d'avoir Arena parce que t'as ce côté, je peux faire une game à 4h du matin si je veux, je trouverai toujours un adversaire, je peux jouer plein de decks, machin, c'est cool. Mais le plaisir de jeu sera jamais le même que autour d'une table. Comme jamais. T'as pas le regard du mec, t'as pas le petit sourire. T'as pas le mec qui prend une carte et qui arrive pas à poker face et qui a le petit sourire en coin. C'est... Tu t'as du bluff. T'as des... comme disait l'ancien CM de Wizard of the Coast, le jeu de cartes en ligne, c'est un peu comme le porno. Et le jeu de cartes physique, c'est un petit peu comme l'amour. Ouais. C'est plus facile de consommer du porno, mais quand même. Quand même. Une bonne petite baisse de temps en temps. Non, c'est hein, non, ça, quand même, non, ça remplace pas. On est d'accord ou pas? Je peux pas dire le contraire. Est-ce qu'il nous manque ce CM? Oui, c'est vrai, bah voilà. C'est vrai. 100%. Bref, donc ça arrive en France, mais il y a un souci. Parce que je vais pas faire souci. Que te sucer pas... la queue pendant 3 heures. On va pas faire semblant. Il y a eu un petit souci au niveau de la traduction. Et ça, je pense qu'on n'aura jamais d'explication concrète. Mais en tout cas, voilà, la traduction a été un peu chaotique. Et y a qui eu est quelques... coupable? Qui a traduit? Ouais, on veut pas... Non, mais peu importe finalement. Parce Google. Que voilà, ça a été... on sait pas. Voilà, il y a eu des problèmes de traduction. Il y a des cartes qui étaient mal traduites. Il y a des traductions même qui étaient grotesques parfois. Tu vois, il y a une carte qui s'appelle... C'est des équipes, c'est des jambières qui sont censées être en cuir. Et ça s'appelle des croûtes de cuir. Il y a eu des problèmes plus graves, par exemple des équipements, des équipements de rangers. Au lieu d'appeler ça le ranger, en français ils avaient traduit par coureur. Donc tu vois, les rangers qui sont des archers cartes, dans le jeu, rangers, c'était des cartes coureurs dans la première traduction du jeu. Donc voilà, il y a eu des problèmes comme ça qui étaient assez. Bizarre, parce qu'en anglais, ça changeait c'est pas runner, vraiment. En plus. Non, ça en avait. Ça, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Tu vois, parfois tu peux te dire, ça c'est clairement une IA, ça c'est clairement un mec qui joue pas à des jeux de cartes ou qui a aucune idée de la fantasy, donc on sait pourquoi il s'est planté. Là, c'est juste, là, c'est juste que ça n'a pas de sens, quoi. Il y a eu une carte IA, on vous expliquera le gameplay, mais il y a une histoire évidemment de chaîne de combat, et chaque attaque que tu fais représente un maillon de cette chaîne de combat. En gros, on a une carte qui dit, il faut que ce soit la dernière attaque de ce maillon de chaîne. Et ben, en fait. C'est si le c'est le maillon en cours, ça peut c'est pas. La dernière attaque, et donc elle est juste mal traduite, puisqu'il faut juste que ce soit la dernière carte de la chaîne et non pas du maillon de chaîne. C'est des conneries, mais du coup, bah, nous déjà qui savons un peu jouer au jeu de cartes, on s'est quand même posé la question pendant quelques minutes à dire attends, est-ce que c'est vraiment ça? Alors, imagine un mec qui est un peu moins habitué. Non, mais au revoir. Ça a été, du coup, ça a été chaotique au début, et en plus, on en parlait tout à l'heure avec Rof.
au tout début, il y a uniquement 3 sets qui ont été traduits. Il y a ce qu'on voit là, ça c'est des decks History Pack 1. Et History Pack 1, c'était un set d'anthologie. En gros, ça reprenait les 3 premiers sets du jeu, ça les traduisait et ça les a lancés, sur le marché en disant, regardez, vous avez les 3 premiers sets qui sont traduits. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait 8 sets qui étaient sortis et du coup, la plupart des sets n'étaient pas accessibles en français, quoi. Donc on avait une vision très parcellaire du jeu en français qui était disponible et du coup ça suffisait pas évidemment pour s'y mettre de manière concrète. Donc ça a pas vraiment apaisé la colère des joueurs et ça a pas aidé à faire grandir le jeu en France au tout début, quoi. Heureusement, mais ils ont corrigé le tir. Voilà, heureusement assez rapidement, ils ont envoyé je pense que dans la semaine qui a suivi la sortie en français du set, ils ont fait un communiqué en disant ok, on s'est planté, faites-nous confiance, ça n'arrivera pas sur les suivants. Et effectivement, ils ont repoussé un peu la sortie du History Pack 2 qui retraduisait les 3 sets suivants. Et History Pack 2 était nickel. Et à partir d'Outsiders, qui est le premier set qui a été traduit en français dès la sortie, si vous avez des cartes Outsiders chez vous, si vous les avez vues, les traductions sont nickel. Il n'y a plus aucun souci. Et là, ils ont fait appel à une vraie équipe de traducteurs qui sont aguerris, qui sont fans de fantasy. La traduction est juste excellente, c'est très inspiré, c'est malin, il y a des jeux de mots. Enfin voilà, c'est des gens qui comprennent le jeu et qui comprennent même le jeu de cartes de manière plus large, quoi. C'est bien, c'est bien. Donc voilà. C'est très bien de se dire, et c'est là où on voit aussi que peut-être que c'est comme c'est une plus petite boîte, à échelle plus humaine, de se dire ok, mea culpa, on a fait une petite bêtise, et du coup on va essayer de corriger ça et on l'a fait. C'est ça qui est cool, c'est que depuis le début, il y a toujours eu ça. Je veux dire, alors, tu vas dire qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé sur History Pack 1, mais du coup, à partir du moment où tu vois le problème et que tu dis « Ok, il faut qu'on le règle », quelle a été leur manière de le régler ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont du coup pris des gros joueurs français du jeu pour dire « Corrigez-nous toutes les cartes ?» C'était quoi le choix ? Les joueurs n'ont pas été consultés, parce qu'à l'époque, moi je ne travaillais pas pour LSS, mais je leur avais proposé de le faire, parce que je suis journaliste à la base et j'ai été aussi traducteur à une période dans ma vie. T'aurais été un bon candidat, quoi. Mais j'avais proposé à plusieurs personnes qui sont des joueurs, qui sont aussi traducteurs dans la vie, je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'on leur propose, quoi ? Et je leur ai proposé à l'époque, ils ont dit non, on va s'en sortir. Ils ont voulu développer ça en interne et ils ont fait appel à des cadors de la traduction de jeux de cartes, quoi. J'ai pas les noms en sous les yeux, mais voilà. Ils ont demandé à des mecs qui sont chauds. Voilà. Et du coup, sur les derniers sets, on s'est rendu compte que non seulement il n'y a plus de plaintes, de complaintes des joueurs, mais en plus, tout le monde est hyper fan de la traduction et ça fonctionne bien, quoi. Bon, et c'est vrai qu'une bonne traduction, on s'en rend compte, hein, ça apporte quand même quelque chose à un jeu. En français, en plus, on est une langue hyper riche, c'est assez facile de faire des jeux de mots brillants qui fonctionnent bien. En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois la rigueur dans les règles, qui est de dire, quand tu veux faire un effet, tu le dis toujours de la même putain de façon, pour pas qu'il y ait de « tiens, c'est bizarre là, c'est pas dit pareil, alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ?» Embrasse Yu-Gi-Oh. Magic aussi. 40 cartes qui font le même effet, 40 façons différentes de le dire. Mais en fait, tous les jeux de cartes ont eu leur coquille. Il n'y a pas de Magic. Yu-Gi-Oh plus que les autres. Yu-Gi-Oh, vraiment, tu te sens en mode frérot. Donc à la fois, dans les règles, tu veux de la rigueur, le côté, ok, ça fait cet effet-là. Tu pourrais, limite, moi, je m'amusais à faire ça des fois. J'avais une carte en anglais de Magic, et je me disais, si je devais la traduire, ça ferait ta-da-da-da-da-da-da-da. Tu regardes la carte en français, normalement, à la virgule près, c'est ça. Donc ça, c'est cool pour les joueurs et pour le côté un peu règle. Et t'as les textes d'ambiance, les noms, etc., où là, t'as envie, effectivement, que des gens qui connaissent vraiment bien la fantasy et compagnie, le lore du jeu et tout ça, face à un truc un peu carré. T'as envie de la poésie, quoi. C'est ça, pareil. Jusque-là, je ne sais. Non, oui, mais t'as raison, osons le mot. Osons le mot, poète. Non, mais parce que là, tu vois, il y a Wilds of Eldraine qui est en train d'être spoilé, le prochain set de Magic. Ils ont fait un effort incroyable et les traductions françaises sont brillantes. Il y a des trucs. Enfin, c'est inspiré des contes de fées, c'est hyper malin. Ouais. Et mettons un peu plus de poésie, dans le jeu de cartes, quoi. T'as raison. On est donc, on en est où ? On est sur Flesh and Blood qui est dispo en français et maintenant il est même bien dispo. On va terminer sur la mise à dispo du jeu puisque Outsiders, tu l'as dit, maintenant il n'y a plus de soucis de traduction et surtout Outsiders est sorti en tant qu'extension comme elle est sortie aux États-Unis. Ouais. Là où précédemment c'était sorti en History Pack 1 qui avait les 3 premières extensions et après History Pack 2 qui avait le reste. Et maintenant il y a Outsiders qui est
vraiment dispo en tant que boîte d'extension solo. Et donc, vous pouvez prendre un display d'Outsider et faire un draft de Flesh and Blood, ce qui n'était pas possible avant. C'est ça qui a tout changé, ouais. C'est-à-dire que l'accès au draft pour les joueurs un peu, pour les joueurs anglophobes de Flesh and Blood, ça a changé la donne. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pouvaient juste venir faire un draft, tester le jeu et repartir avec les cartes qu'ils avaient draftées, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant si tu parlais pas anglais, si tu étais un peu rétif à l'apprentissage ou du jeu. On peut comprendre aussi parce que, pour le coup, comme le jeu n'est pas très simple, tu vois, jouer c'est à l'arcana, hein. Jouer à l'arcana en anglais. Doigt dans le nez. Bah, t'as la moitié des cartes, y a pas de texte. Donc Voilà, Flesh and Blood en anglais, faut être à l'aise, quoi. Voilà. Faut s'accrocher un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc maintenant, toutes les prochaines extensions vont sortir de la même manière. Voilà. Alors depuis Outsiders, il y a une autre extension qui est sortie, mais c'était une extension qui était designée pour ne pas être draftable parce qu'elle apportait des cartes à tous les héros du jeu. D'accord. Du coup, c'est pas possible. C'est pas un set qui est construit pour être drafté. C'est un set, on appelle ça un set d'expansion, qui est censé apporter de nouvelles stratégies à tous les héros du jeu, en gros. Voilà. Okay. Et c'est ce qu'il a fait. Il a changé le metagame de manière assez importante, pas fondamentale non plus, tu vois, c'est pas l'idée. Mais ça a changé le metagame. Mais du coup, il y a pas d'extension draftable qui est sortie depuis Outsiders. La prochaine qui a été annoncée, qui s'appelle Bright Light, sera complètement. Voilà, il y a que des mécanologues. Il n'y a qu'un type de héros dedans, il n'y a qu'une classe. Ça va être une extension la plus futuriste du jeu. C'est un monde d'heroic fantasy, mais c'est plus du neon punk. D'accord. Ouais. Et on a posé la question à James White, pourquoi tu as décidé de te lancer dans le cyberpunk, dans le neon punk, alors que l'esthétique, trucs moyenâgeux là. Non, mais là, tu vois, le héros le plus futuriste, c'est elle, Dash. Vous voyez, c'est une mécanologue et c'est plus steampunk complètement. Et sa réponse était extraordinaire, j'ai trouvé ça génial. On lui a demandé donc pourquoi il avait décidé de partir dans un truc beaucoup plus extravagant en termes de futurisme, quoi. Et il a dit parce que c'est plus fun. Okay. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux dire à ça ? C'est plus fun. J'ai vu le trailer ça. Et j'étais en mode ah oui ? C'est extrêmement j'ai envie de jouer à ça. Donc il y a des gros robots, il y a des armures. En gros, le principe dans le prochain set, ça a déjà été annoncé, c'est que les mécanologues vont pouvoir mettre des éléments d'armure qui vont pouvoir améliorer dans le jeu. Un peu comme Iron Man, si vous avez vu Tony Stark qui récupère des éléments d'armure, qui les bidouille et qui fait de meilleures armures. Donc voilà, c'est ça le principe, c'est qu'on va avoir des mécas, on va pouvoir piloter des gros robots. Enfin voilà, okay. T'allais dire un truc ? Je vais poser la question de pourquoi History Pack n'était pas draftable, j'ai eu ma réponse. Ouais. Voilà. Et je disais que ce soit Magic, Snap, etc., en ce moment, ils se disent allez fuck, on s'en fout. Et moi je trouve ça bien parce que. Casse les codes. J'ai vu des jeux où, alors c'était plutôt dans des MOBA notamment, où dès que tu commençais à faire des trucs un peu. Qui sortent de l'ordinaire, genre j'en sais rien, un personnage qui a tendance à mettre des coups de poing d'un coup, tu lui mets un déguisement de boxeur. Les mecs font oula, ça devient n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est bien d'habituer très vite les joueurs à dire on peut tout faire, comme ça ils arrêtent de s'offusquer dès que tu sors un truc. Parce qu'en fait, si t'étais resté en mode Moyen-Âge pendant 6 ans, t'arrives à la 7ème année, tu fais du cyberpunk, ils font wow, ça y est, les sirènes de l'argent, c'est ce qui s'est passé un peu avec Magic. En vrai, ils l'ont plutôt bien fait, ils ont quand même. Ils ont été malins. Derrière. Et puis ils se sont fait petit à petit, tu vois. Ah, au fait, on a des monstres un petit peu à la Godzilla, donc du coup t'es en mode ok, ça peut passer. Et puis bon bah maintenant ça va être un petit peu Si t'as pas deux fois par an un truc qui va avec une grosse licence autre, ils ont annoncé là va y avoir des cartes Doctor Who, Assassin's Creed, Final Fantasy. Jurassic Park. Fallout. J'avais promis que j'achetais plus rien. Attends, ils vont faire un truc Final Fantasy alors qu'il y a un jeu de cartes Final Fantasy. On n'a rien à foutre. Square Enix, ils ont fait le tech. Ouais. Allez, d'accord. Bon, allez, go. Allez. Attends, j'ai tellement hâte. Bah ça, pour coup, je crois que c'est 2025. Non, mais on a le temps. Mais c'est aussi pour dire que jouer à Flesh and Blood n'empêche pas de jouer à d'autres jeux de cartes. En l'occurrence, enfin, moi, je pense que je vais continuer à jouer à l'Orcana, je vais continuer à jouer à Magic. Enfin, il y a pas de souci. Mais ce que je trouve cool, et c'est là qu'on va commencer à arriver dans le vif du sujet, parce qu'on parle, on parle, on parle. Mais à un moment, on va jouer. Bien là. Regardez, je ça. C'est que. Flesh and Blood a cette grande qualité qu'il ne ressemble à aucun autre jeu de cartes. Il a une manière de se jouer, un gameplay, une philosophie de jeu qui ressemble à aucun autre jeu, parce qu'en fait sur je les ai peut-être pas tous faits dans ma vie, donc on va dire 95% des jeux de cartes, t'as ton héros ou c'est toi qui commandes des créatures, mais globalement tu poses des monstres et t'attaques des trucs et t'attaques les monstres adverses jusqu'à percer ses défenses, etc. Est-ce que c'est ça qui se passe?
Dans Flesh and Blood, c'est pas du tout ce qui se passe. Vous avez un héros et toutes les cartes que vous jouez, c'est les actions de ce héros. Donc en fait, si tu joues un mec qui fait du karaté, eh ben ses attaques, elles s'appellent kata, elles s'appellent coup de poing dans la gueule, dans la gorge. Il y a littéralement une carte qui s'appelle coup de pied. Hein. Ben voilà, en français. Voilà, c'est tu joues pas des créatures, tu joues. Éventuellement, tu peux jouer des attaques de créatures qui sont des trucs qui viennent, qui attaquent, qui repartent. Il y a des early games maintenant dans le jeu. Ouais. Et bien moi, en général, tu joues les actions. Quoi. Je serais un peu réservé vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Overall, c'est un avantage d'avoir un jeu qui est original. Peut-être qu'effectivement, il s'est inspiré d'un truc qu'on ne connaissait pas. Mais en tout cas, c'est bien différent de Magic, c'est bien différent du Yu-Gi-Oh, c'est bien différent de beaucoup d'autres jeux dont j'ai de Snap, etc. Cependant, moi, c'est ce qui m'avait fait un petit peu bizarre au début. C'était que comme tu la mécanique était... Tu perds tes repères. L'Orcana, c'est arrivé, ok, d'accord, c'est Magic, c'est le petit frère de Magic, quoi. Était en mode, bon, bah, j'ai pas des terrains, mais j'ai des cartes que je peux poser en tant que terrain. J'ai pas des créatures, mais j'ai des trucs qui ressemblent un peu aussi à ça. J'ai pas des... Tu peux en tout cas dire dans ton schéma de pensée, ok, mais ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, etc. Là, c'est vrai que, et c'est pour ça que la première partie était un petit peu délicate, j'étais en mode, attends, je vois pas trop où ça veut aller cette histoire. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien me dire, c'est très bien quand un jeu est nouveau et apporte de nouvelles cartes, mais au moins je veux assez vite savoir un peu où je vais, quoi. Tiens, est-ce que c'est mieux de faire ce truc-là ou est-ce que c'est mieux de faire ce truc-là ? Quand t'es en mode, je pousse mes œufs et puis bon, on verra bien ce qui se passe, ouais. Ça a tendance à. Là, au début, t'as tendance à être un peu perdu, et on l'a vu, on a fait une game tout à l'heure hors live pour tester d'autres decks. T'as joué une stratégie en disant putain, j'arrive pas à faire ça, je comprends pas, ça c'est trop dur et tout, c'est le bout du monde pour réussir à faire ça, nanana. Puis après la game se termine, il regarde un peu les cartes qu'il a pas eu le temps ou qu'il a pas pu jouer, il fait ah d'accord, c'est parce que ça qui va avec ça, qui fait ça, qui fait ça. Et c'est aussi un grand plaisir de dire ah. Et c'est en général quand tu fais que tu dis viens, on rejoue. Et une fois que t'as ça, t'as gagné. C'est ça. J'avais le deck combo donc, qui te demande de jouer une carte spécifique. Et je suis en mode, bah, bien jouer les cons quand j'ai pas la carte spécifique, du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est pas un jeu où tu tutos beaucoup. Justement, avec ce principe de je mets la carte à dessous. À part avec. Il est où ? Il y est pas Katsu ? Bah, lui, c'était Benji. C'est lui que j'avais. Il est là, Katsu. Et bon, Katsu, tu peux. Il se trouve que je n'ai pas eu trop de chance. La plupart des cartes qui combotaient étaient effectivement en dessous de mon deck. Mais surtout, j'avais des cartes que j'avais pas eu touchées qui disaient tu peux avoir le nom que tu veux. Et donc, du coup, tu peux comboter de ça. Bref, donc le jeu, en tout cas. Après quelques games, et même avant ça, hein, comme je le disais en off, à partir du moment où il y a des gens aussi doués dans Magic qui sont en mode « c'est un bon jeu », pour moi, ça valide en tout cas le jeu. Et je savais très bien qu'on avait une expérience qui n'était pas forcément la bonne la première fois qu'on a testé le jeu, mais qu'il y a un très bon jeu derrière. On ne va pas tarder à expliquer les règles du jeu et à faire une game pour que vous puissiez voir ce que c'est. Juste avant ça, si vous avez des questions... sur le chat, et eh bien c'est le moment. J'ai l'impression qu'on a quand même, on en a posé beaucoup, mais on va continuer évidemment à en poser. Je vois quelqu'un qui dit quoi, nanana. Est-ce qu'il va y avoir de l'opening? Pas là pour le moment, mais j'avais fait un live il y a pas très longtemps où j'avais ouvert des cartes de Outsiders. Non, mais on va s'arranger pour qu'il y ait un opening dans pas trop longtemps. Ah oui, t'avais une légendaire. Mais parce que du coup, quand est-ce que sort la prochaine extension Draftan? La prochaine extension, les AP sont le 29 septembre et elle sort le 6. D'accord. On est à peu près sur quelle fréquence de sortie? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, d'accord. Okay. Donc la dernière est sortie en juillet, Dust Till Dawn, qui est l'expansion dont je parlais tout à l'heure. Et la prochaine, qui est donc l'extension draftable, qui s'appelle Bright Lights, sort donc en octobre. Ok. Et voilà, la fréquence c'est ça. L'idée c'est de faire en sorte d'avoir au moins 3 sets draftables et peut-être un set non draftable. D'accord. Ouais, ok, d'accord. Ça vous rappelle un petit peu le principe. Mais extensions d'édition de base, à la base. Ça aussi. Alors en vrai, ça aussi, pour finir un peu là-dessus, Magic a. On peut aussi faire grincer des dents. Par la fréquence de sortie. C'est ça, c'est qu'il y a des. Et qu'en fait, on a eu. Après, c'est tous les combien chez Magic? Là maintenant, tous les mois, il y a jours. Un truc. Tous les mois, il y a. Tous les mois, il y a. Alors pas forcément. Ah ouais. C'est pas. Si. C'est pas toujours. Après, le format standard n'a pas changé. Ça reste tous les 2 ans. Donc. Je crois que ça a changé parce qu'ils se sont aperçus que du coup il y a moins de gens qui jouent au standard. Je crois qu'ils sont un peu. Ouais. Standard. Ah. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, il faut des. Moi, ça me va d'avoir des cartes un peu nouvelles tout le temps, si tu veux. Mais derrière, des gens qui, du coup, jouent à tel truc, etc. Ouais. Ont une vie.
c'est bien soit quand t'es influenceur, soit quand t'as du pognon. Ou soit si quand t'as ni l'un ni l'autre. Ou tu peux avoir. Ouais, c'est choisir un des trois, il faut aussi avoir du temps. Parce que t'as beau avoir, si t'as du pognon et que juste tu t'as peux pas suivre, t'es un peu baisé. Donc le fait d'avoir une extension tous les 3 ans, c'est ce que d'ailleurs fait l'Orcana. Tous les 3 mois, pardon. C'est ce que faisait Magic à la base. À la base, t'avais 4 extensions par an. Et maintenant, t'as toujours des trucs, des machins qui viennent se rajouter. Donc ça ne s'adresse pas forcément à tous les mêmes profils. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à suivre. Après, s'ils ont... rajoutent à ça les boosters collecteurs qui coûtent un bras. Imagine qu'ils. Enfin, tu vois, ils ont une équipe démentielle qui gère ce jeu. S'ils le font, c'est que ça marche. Oui, mais c'est ça. C'est que ça marche, c'est quelque chose qui est assez. Ça fait chier les trois pelés qui sont en mode oui, mais vous êtes en train de changer notre jeu. Mais bon, la majorité achète, quoi. Je pense qu'effectivement, Magic s'est jamais aussi bien porté que maintenant. D'autant plus qu'il y a eu Seigneur des Anneaux il n'y a pas longtemps et que ça a dû. Ça, c'est en rupture de stock. Bah oui. Bien joué les gars. Il n'empêche qu'il faut faire attention. Et même, je crois même qu'Hasbro avait un peu tiré la sonnette d'alarme en disant faites attention parce que c'est bien d'avoir des résultats positifs et en croissance sur une année. On aimerait bien que ça dure. Mais si c'est juste, on fait feu de tout bois et puis finalement au bout d'un moment les gens décrochent et voilà. Faut aussi faire attention à ça quoi. Bref. C'est revenir à. Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, attends, j'essaie de dire qu'on a des questions. Alors, ce qui m'a fait chez Magic, c'est la vitesse de sortie, ouais, t'en as parlé. Ah. Le porte-monnaie va faire un AVC, machin. Ah ouais, tiens, on peut parler un petit peu de ce que ça peut coûter éventuellement Flesh and... Non ouais. On va peut-être se la garder pour plus tard, cette question. On va se la garder pour quand on va parler du CDF. Et du coup, qu'on va parler un peu de deck compétitif. Mm-hmm. D'accord. Parce que là, ça aura du sens de dire combien ça coûte un deck compétitif de Flesh and Blood. Et peut-être que là, tout de suite, maintenant, si on veut parler un peu dessus, on peut peut-être comparer le prix des boosters. Moi, je sais que l'Orcana est à peu près à 6 balles, le booster. C'est du Pokémon level en termes de c'est prix. C'est plutôt Pokémon level. Les gars, il y a la licence. Il y a la licence derrière. Magic, Blood, il n'y a pas de licence. Je crois que Magic, c'est maintenant aux alentours de 3,54 balles. Un booster de draft, on va dire. Mm. On est sur... C'est pareil, c'est 3,50. Ok, est-ce qu'il y a une volonté, d'ailleurs, puisqu'on parle de licence, est-ce qu'il y a une volonté de la part de Legend Story de faire de Flesh and Blood une IP cross-média? De dire on va faire des BD, on va faire des films, des c'est séries. C'est la question qu'on pose tout assez souvent parce que à chaque fois que j'interviewe James Whale, je lui pose la question parce que c'est une question qui revient souvent aussi. Nos viewers se la posent aussi parce que quand tu commences à devenir fan du jeu, c'est vrai que les persos sont plutôt charismatiques. Enfin, le lore est cool, il y a du lore régulièrement sur le site officiel. Il n'y a pas traduit en français pour le moment, mais ça va venir. Mais voilà, il y a l'histoire progresse de manière assez mystérieuse, donc on a envie d'en savoir plus. Et on lui pose la question, en fait, bah, juste développer l'IP pour en faire une série ou pour faire des bouquins ou pour faire quoi que ce soit d'autre, un jeu vidéo, peu importe, ça prend vachement de temps. Ouais. Ils ont juste envie de se focaliser sur le fait de faire le meilleur jeu de cartes possible. Bah, donc quoi, pour c'est le moment, bien. C'est pas à l'ordre du jour. C'est mais très bien. Ils disent pas non parce que évidemment ils ont envie, tu vois, c'est ton bébé, t'as envie de le voir, de l'exposer au monde entier. C'est pas impossible qu'un jour un fan qui arrive en disant les gars j'ai créé un jeu de rôle autour de Flesh and Blood. Ouais c'est ça. Et non, mais, puis t'es en mode bah. Il y a des mecs, les créateurs de contenu qui l'ont fait, ils ont fait une partie de, ils ont adapté Donjons et Dragons, je crois c'était la 5, et ils ont fait une partie de Flesh and Blood, enfin dans un monde inspiré de Flesh and Blood la semaine dernière. Si tu dis bah j'ai tout fait, file un billet et puis on en parle plus, bon. Mais voilà après le lore est là. Ouais. On en fait, enfin les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent quoi. Pour le moment en tout cas il y a rien d'officiel. C'était une question dont je me doutais de la réponse, mais c'est assez logique. Je veux dire Magic avant de commencer à dire on va faire une série sur Netflix, le jeu a 30 ans, hein, donc. Ouais c'est ça. Chaque chose en son temps. Ouais. On va jouer et pour jouer on va expliquer les règles du jeu et vous le savez. Alors, attendez parce que là regardez-moi ça. Il y a pas grand chose sur cette table. Regardez, c'est dégueulasse. Un super téléphone. Alors, et vous-même le chat. Etc. Regardez, je suis venu avec des petites surprises parce que normalement je devais venir. On en a parlé tout à l'heure. Je devais venir avec mon ami Pedro. Oui. Mais qui n'était pas dispo parce qu'il est parce qu'il avait plein de rendez-vous aujourd'hui. Parce qu'il nous aime pas tout simplement. Non. Parce qu'il était ancien champion de France de Magic, je crois. Ancien champion de Pro Tour de Magic. Pro Tour winner de Magic. Et du coup bon, il y a un tapis que je peux pas vous donner parce que parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Mais regardez, je vous donne ce magnifique tapis. Je sais pas si vous êtes fan de Salvador Dali. Everfest Flesh Blood. C'est reprend le. Toi, tu vas pouvoir jouer avec celui-là. Alors, je te le prête. J'ai pas la ref. Ça, c'est le tapis du Pro Tour. Oh là là. Alors, c'est le premier Pro Tour que j'ai commandé avec l'œil de Fidia. Voilà, c'est mon tapis voilà. Un peu fétiche. Et ça, c'est le tapis. C'est le tapis d'une carte. Qui est manifestement inspiré des montres molles de Dali, mais que j'adore. Alors voilà, c'est pas au goût de tout le monde. En tout cas, le tapis est un peu rare et tout le monde me,
tout le monde le veut, mais je te l'offre. Oui, voilà, cool. Max, tu as ton premier tarot de Flesh and Blood. Ce qui est très bien, et on te remercie, c'est qu'en fait, il y a... Il y a les emplacements. Il y a les zones. Alors qu'on n'a pas sur celui-là parce que c'est un tapis de. C'est un tapis de pro. C'est un tapis de mec qui se la pète. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'avoir. De pro. Ça, c'est un tapis de mec qui se la pète. Mais ce qui est bien avec les emplacements, c'est notamment pour les cams. Enfin, c'est plus facile en tout cas de faire ça pour présenter le jeu. Donc, c'est très cool. Merci à toi. Et on peut s'arrêter là, c'est magnifique. Et on prend les tapis, on se casse. Fin du buzz. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle rapidement des archétypes? Parce qu'il y a plusieurs manières de jouer à Flesh and Blood et on. Ouais, mais je crois que j'aime bien expliquer la base. Okay. Parce que pour qu'ils comprennent les archétypes, c'est bien qu'ils sachent où va le jeu. Soit. Donc, j'ai un petit ordre un peu dans ma tête, mais on va carrément aller là-dessus parce que c'est vrai que ils ont. C'est ça aussi qui est très intéressant dans le jeu. Ils se jouent presque tous de manière très différente. Et quand tu commences à t'habituer à jouer avec un deck, t'en prends un autre, tu fais bon, les mêmes règles. Pas du c'est les mêmes règles, mais. Pas du tout, parce que laisse-moi te dire que quand tu te retrouves avec ça, c'est pas du tout le même jeu. Bah, devine pourquoi la boîte est vide. Ouais, tu l'as suivi directement. Ouais, on l'a acheté directement. En fait, j'ai vu que c'était le plus dur. J'ai fait ah ouais, et bah, je vais apprendre à jouer le plus dur. Si je joue le plus dur, je peux tout jouer. Je le prends, je le sleeve. Bon, déjà, je me rends compte que du coup, ça rentre plus dans la boîte. Je suis en mode. Bah oui, pour con. Et je commence à lire les cartes et je fais. Mais attends, comment t'attaques du coup? Et je fais. Ah putain, du coup, ça marche pas du tout pareil. Voilà, d'accord. Bon, on va vous expliquer un petit peu. Vous inquiétez pas, on a le temps. Hein, c'est l'avantage de cette émission. On a le temps. Je vais vous expliquer la base du jeu avec le deck que je connais le mieux, puisque c'est celui que j'ai le plus joué. Vous voyez, c'est pas forcément le plus facile. Azalea, que je trouve très intéressante. Hop, mais c'est surtout une manière pour moi de dire je vous montre le jeu avec des cartes que je connais, comme ça je sais ce que je vous montre et je sais comment je vous les montre. Hop, on va d'abord zoomer. Pendant que tu fais ça, j'ai une question. Là, c'est donc des decks préconstruits en Blitz. Ouais. Est-ce qu'il existe des decks préconstruits en CC? Non. D'accord. La raison. Alors, au tout début, il y a eu des decks qui étaient préconstruits, qui étaient en 60 cartes, mais c'était pas des decks compétitifs. D'accord. Tous ces decks-là, tous les decks que vous voyez là, ceux qui sont sortis depuis Outsiders, enfin en même temps, les HP1 sont sortis en même temps qu'Outsiders. Ils s'appellent History Pack 1, mais ils sont pas sortis en même temps que le History Pack. Ils sont sortis après, un peu après. C'est pour ça qu'ils sont mieux traduits d'ailleurs. Et du coup, ils sont sortis en même temps que les decks de Blitz d'Outsiders. Et tous ces decks-là ont été designés pour être utilisé en compétition, pour être utilisé dans un format qu'on appelle le Blitz préconstruit. D'accord. C'est le format un peu d'appel pour les nouveaux joueurs. T'arrives, tu fais ton premier tournoi de Flesh and Blood, tu prends un deck comme ça. Et go. Dans la PAF, il y a le prix du deck qui est inclus, tu vois. Et du coup, tu pars avec ton deck. Et en fait, la raison pour laquelle ils sont intéressants, je trouve, ces decks, et pourquoi la raison pour laquelle moi, dès que j'ai une occasion de faire un tournoi de Blitz préconstruit, alors que je joue depuis 2 ans et demi maintenant, je le fais. C'est qu'ils sont hyper bien designés. Ils ont été designés par le lead designer du jeu. Uniquement, il a travaillé uniquement là-dessus. Il a fait en sorte qu'ils soient équilibrés entre eux et qu'ils soient intéressants à jouer aussi. Et que les cartes qu'il y a dedans, tu les jettes jamais. La plupart des cartes que tu vas avoir dedans, c'est des core cards de la plupart des decks compétitifs. Donc tu peux l'améliorer, mais... Tu peux l'améliorer. Tu vas en virer, évidemment, parce qu'il va te falloir des cartes mythiques, enfin, des cartes majestiques, des cartes légendaires. Tu vas avoir envie de l'améliorer avec d'autres cartes. Mais la base du deck... Ça va rester la même chose, ça va rester plus ou moins le même archétype et tu vas améliorer avec des cartes qui font pareil en mieux en gros. C'est assez cool parce que c'est vrai que, encore une fois, je compare avec ce que je connais le mieux. Hein, sur Magic, les decks préconstruits sont très bien pour apprendre à jouer. Mais après, vite, tu les fous à la poubelle et tu les dégages. Là, tu vois, par exemple, on peut regarder ça, cet équipement-là, c'est l'équipement decks compétitifs qui jouent Dash, donc ce héros-là, ce mécanologue, ça s'appelle, c'est un équipement. Cette carte-là, tous les decks la jouent. Mais genre, il n'y a aucun deck qui ne l'a il pas. Il y a ton action avec ce qui est spécialement si vous avez bossé sur ci. Bah oui, c'est trop bien, ça fait gagner. C'est extraordinaire. Cette carte-là. Attendez. Voilà, cette carte-là. Ça rappelle les jongleurs d'éclairs. Charge éclair. Elle est dans tous les decks aussi. La carte, alors elle peut être en version rouge et en version jaune. On va expliquer après la différence. Accélérateur aussi, elle est dans beaucoup de decks compétitifs. Enfin voilà, la plupart des cartes, tu vois, tu les vois, elles sont dans plusieurs versions. Mais en gros, ces cartes, toutes les cartes. Tu vas les garder. Tu parles, attends, juste pour finir, tu parles de deck compétitif Blitz ou même CC? CC. Même CC. Ah, tu les gardes vraiment. Tu les gardes vraiment. Et je vais... Mais tu vas vous expliquer le mieux possible les règles du... Alors vas-y, coupe-moi. Ouais, dernière fois, le prix d'un deck à peu près? 12 euros en moyenne. Ça peut être 10, 11, 12. C'est rarement plus de 12. Quoi.
D'accord, entre 10 et 12 voilà, c'est, balles, et surtout, voilà, c'est un deck avec lequel tu peux faire des tournois, en fait. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'il y a un format officiel de compétition qui s'appelle le Blitz préconstruit. Tu peux aller à un tournoi et gagner des lots, quoi. Et tu y vas avec uniquement le deck préco. Avec ça, et comme tu n'améliores rien. Et perd tout le monde et à armes égales, en gros. Je ne te coupe plus jamais de ma vie, Maxilda. C'est ça que je vais vous demander, c'est pour avoir des règles qui se tiennent un peu de manière courte. J'avais mes questions avant que tu te lances. Je vais expliquer les règles, je m'évertue à le faire de la manière la plus claire possible. Coupez-moi uniquement si je dis une grosse connerie. Si je dis une petite connerie, vous me couperez plus tard. Je corrigerai plus tard. Pour que ça reste clair pour vous qui regardez. Vous êtes prêts chez vous, je suis prêt ici, en tout cas je crois. On va partir là-dessus. Du coup, quand vous ouvrez votre deck préconstruit, vous avez une petite carte qui vous rappelle un petit peu la base du personnage et comment le jouer. Et ça vous donne une évaluation, une estimation de sa difficulté de jeu. Donc celle-ci est un petit peu plus complexe, mais vous allez voir que il n'y a pas de quoi non plus s'arracher les cheveux. Il se trouve qu'on a ici des petits tokens qui sont biface et que vous allez mettre de côté. Ça va juste vous servir à appliquer les effets de certaines de vos cartes. Et derrière, vous avez votre deck. Alors attention, ne le mélangez pas tout de suite, votre deck, puisque quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez directement avoir votre héros qui est ici. D'ailleurs, on appelle ça un héros. Oui, c'est ça. Je me demandais si c'était un héros ou si c'était autre chose. Non, c'est bien un héros. Et là, vous voyez que c'est un héros ranger, donc c'est normal parce que c'est une boîte de ranger, et qu'il est jeune. Donc ça change quoi? On vous l'a un peu expliqué tout à l'heure. Il est jeune parce qu'il a en fait 20 points de vie, et que donc il est fait pour jouer en blitz, en draft ou autre. Quand vous faites un deck donc construit, avec le format plus long, vous avez en fait le même héros, mais qui a un design un peu différent, qui a 40 points de vie ou autour, puisqu'en général les points de vie peuvent varier en fonction des pouvoirs du personnage. La plupart du temps, l'effet du personnage entre le jeune et l'adulte est le même, mais il arrive que ça change et ça va arriver de plus en plus, de ce que j'ai compris. Non, il y a des versions en fait du même héros qui sont différentes, qui n'ont pas le même texte, mais entre la version adulte et la version jeune, c'est le même pouvoir. Ok. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est vos points de vie. Donc là, le but du jeu, évidemment, pour Rofellos, va être de péter les 20 points de vie d'Azalea. Sauf que ce que vous avez en face, le 4, eh bien, c'est le nombre de cartes que vous allez avoir en main. Particularité du jeu, c'est l'intelligence. L'intellect. La particularité du jeu, en fait, c'est que c'est pas un jeu où vous allez tenter, alors c'est peut-être le cas de certains archétypes, hein, mais c'est pas forcément un jeu où vous avez besoin de créer un moteur de pioche particulier, puisque à la fin de votre tour, vous allez refill votre main. Donc vous allez de toute façon piocher des cartes jusqu'à revenir à ce chiffre. À la manière d'un jeu de deck building assez exactement classique, hein, on va être sur on se refill nos cartes plutôt qu'on pioche une carte au début de chaque tour, c'est pas le cas. Pour vous expliquer les règles, je ne vais pas vous lire les effets de la carte en particulier, puisque ce serait trop long et surtout que ça ne servira à rien, puisque chaque héros se joue complètement différemment. Je vais juste vous montrer les différents types de cartes qui existent et du coup comment ça fonctionne. Ce héros, on va reculer un petit peu. Hop hop. Quel beau tapis. Ouais, je vais reculer et surtout je vais descendre un petit peu pour rester sur. Tant que tu es sur la cam, mon cher Max, est-ce que tu veux pas te recaler toi? J'ai l'impression que c'est quand t'expliques. Oui, parce que je me penche. Ouais, parce qu'en fait, quand je vais jouer, je vais être comme ça. Et du coup, on voit pas ta belle tête, mais comme tu veux, mec. Ouais, alors regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me dézoomer, comme ça je me prends moins la tête. Ça, c'est pas con. Ça. Hein voilà. Comme ça, je me. C'est un peu. Voilà. Professionnel, c'est beau, hein. Je me penche ou pas, c'est pareil. Penche-toi, Max. Penche-toi bien, c'est pas. On est bien. Voilà. Votre personnage, vous allez du coup le mettre au centre de votre plateau de jeu. Moi, je dis plateau de jeu, c'est un jeu de société. Puis vous allez avoir tout de suite après dans votre deck vos armes. Donc ce personnage là en l'occurrence, c'est un archer et une archère, et du coup elle a son carquois et elle a son arc. Alors vous n'avez pas forcément une arme en main gauche, une arme en main droite, ça dépend des personnages, certains en ont qu'une, certains en ont deux. Voilà, vous faites avec ce que vous avez. De toute façon, en général, c'est décrit ici, l'arc est spécifié comme étant une arme à deux mains. Ensuite vous allez avoir un équipement. J'ai un équipement de tête, j'ai un équipement de torse, j'ai un équipement de bras et j'ai un équipement de jambes. Si ça fait sens, on imagine bien notre personnage avec tout son barda autour de lui. Toutes les autres cartes, c'est les actions que je vais jouer. D'accord ? Donc vous allez mélanger votre putain de deck. Voilà. Donc c'est ça qui fait 40 cartes, c'est ça, à la base ? Ouais. On peut en mettre plus ou pas ?
Alors là, il y a de nouvelles règles de Blizz qui ont été introduites lors de la dernière saison compétitive qu'on appelle les skirmishes. Alors je vais pas compliquer le truc, mais lors de la dernière saison compétitive, on a tenté un nouveau système. Et du coup, maintenant, tu peux jouer avec 52 cartes au total, avec ton équipement inclus. Donc l'équipement, l'armure en gros et les armes. Et tu peux avoir un peu plus de cartes et tu peux avoir une sorte de sideboard. C'était pas le cas avant, en Blitz, normalement t'avais pas de sideboard. La différence de Flesh and Blood avec tous les autres jeux, c'est que tu sideboard au début de la partie. Comme c'est en BO1, quand tu regardes le héros de ton adversaire, tu sais. Pas pré-sideboard. Ok. Donc tu joues en 80 cartes en CC et en 52 cartes en Blitz. Et donc comme t'es censé avoir 40 cartes max en Blitz, t'as donc 12 cartes de side avec ton équipement inclus. Et en CC, c'est 80 cartes équipement inclus et tu dois jouer en 60 minimum. Mais tu peux en mettre plus si tu veux. Très intéressant. En Blitz, tu peux pas. Le fait d'avoir un BO1 pré-side, intéressant. La mise en place est faite. Vous allez donc commencer en prenant 4 cartes ici, puisque c'est ce qui est inscrit sur mon personnage, c'est son intellect. Je vais prendre mes 4 cartes et en fait, qu'est-ce que je vais faire avec ces 4 cartes? Et là, vous allez voir que c'est assez intéressant. Je vais pas rentrer dans le gameplay de ce personnage-là en particulier, donc je vais sûrement dire des choses qui ne fonctionnent pas avec ce personnage-là. C'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Pendant votre tour, vous allez avoir dans vos mains, globalement, des actions. Quasiment toutes les cartes sont des actions. En tout cas, moi, dans les decks que j'ai joués, c'était plutôt le cas. Et vous allez jouer ces actions pour leur coût de mana qui est indiqué en haut à droite. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ça. Juste avant ça, je vais en profiter pour sauvegarder un petit peu ce preset-là. Ça va être celui-ci, hop, et je vais zoomer sur la carte. Là, par exemple, voilà, je vais vous montrer cette carte, Faiseur de Veuve. Elle coûte... te plaît, cette carte, hein. Salaud. Ah, gardons comme ça. Elle t'a bien baisé. Elle coûte 1 de mana, d'accord. Celle-là, elle coûte 0. Pareil, sa super carte qui est utilisée aussi. 1 de mana, 0. Enfin, vous dites, c'est super ce jeu, ça coûte pas cher à jouer. Oui, et vous allez voir que le système de mana est un petit peu particulier. C'est quoi le nom des ressources en vrai? Les ressources. Trop bien. donc tu m'en veux pas si tu appelles ça du mana. Tu vas appeler ça des mana. Il y a encore beaucoup de gens qui appellent ça mana. Donc, imaginons que je veuille jouer Faiseur de Veuve. En fait, je vais poser Faiseur de Veuve, sauf que je dois payer son coût. Pour payer son coût, attention, on recule. Je vais en fait devoir pitcher une carte de ma main. Donc, parmi les cartes que j'ai en main, je vais en choisir une que je vais poser ici, et en la posant ici, face visible, ça va générer du mana, ou en tout cas des ressources. Donc là, bah, vous pouvez prendre votre petit dé pour dire « Ok, bah, super, ça m'a généré 1 ». Bon, en général, si vous avez généré 1 et que vous avez besoin de 1, hein, mettez pas un dé, juste c'est bon, vous avez payé. Sauf que les cartes ont une autre particularité. En haut de cette carte, vous voyez en haut à gauche, il y a 3 cercles, et il y a une ligne rouge. En fait, ça indique sa valeur de pitch. C'est-à-dire que cette carte, si je l'avais pitchée au lieu de la jouer, elle m'aurait généré 1 de mana. Et en fait, je le sais immédiatement parce qu'il y a une ligne rouge en haut. En fait, les cartes, je vais reprendre le deck pour vous montrer. Je ne sais pas si j'ai Faiseur de Veuve en jaune ou quoi, et peu importe. Mais en fait, il y a plein de cartes qui existent de manière 100% identique, mais avec différentes couleurs. Donc là, en gros, on a 3 couleurs qui existent. On a le rouge, le jaune et le bleu. Une même carte peut exister dans toutes les couleurs. Alors, toutes les cartes n'existent pas dans toutes les couleurs, mais en tout cas, c'est possible. Toutes les cartes rouges vous donnent 1 mana. Toutes les cartes jaunes vous en donnent 2. Toutes les cartes bleues vous en donnent 3. C'est un moyen hyper rapide visuellement de savoir ce que vous allez générer. Mais du coup, bah, tu vas me dire, bah d'accord, je prends que des cartes bleues. À chier de prendre des cartes rouges. Oui, sauf qu'en fait... alors, je vais donner un exemple... Ouais, quand t'as dit 100% identique... Ouais, je vais essayer de vous donner un putain d'exemple. Voilà. Imaginons que cette carte voilà, existe en rouge, en jaune et en bleu. En fait, la diff en général, c'est que la rouge, elle inflige 5 dégâts. La jaune, elle en inflige 4. Et la bleue, elle en inflige 3. Ouais, donc, du coup, tu dis, ok, ça génère plus de mana, mais du coup, ça fait moins de dégâts. Et en fait, c'est là que le jeu est malin. C'est qu'on vous a expliqué tout à l'heure le système de pitch qui consiste à dire... Je vais poser des cartes en fait dans mon pitch, ça va me permettre de générer des ressources. Et en fait, le truc, c'est que les cartes que vous mettez en pitch pour pouvoir jouer les cartes, eh bien en fait, à la fin de votre tour, elles vont pas dans votre défausse, elles vont sous votre deck. Donc ça veut dire qu'elles vont revenir, et elles vont revenir dans l'ordre
dans lequel vous les avez joués. Et effectivement, au début du jeu, vous avez plutôt envie de pitcher des cartes bleues parce que c'est celles qui vous génèrent le plus de mana et qui vous permettent donc de jouer le plus de choses. Et les cartes bleues, en plus, font moins mal. Donc, clairement, t'as plutôt envie de les dégager. Ce qui fait que, à la fin de la partie, tu vas plutôt te retrouver avec beaucoup de cartes bleues. Et en fait, ça représente un peu la fatigue de ton personnage qui, du coup, fait moins mal parce que le mec, ça fait 40 minutes qu'il est en train d'attaquer l'adversaire. Et donc, ça a du sens en termes de gameplay et ça a du sens en termes de logique de jeu. Je trouve ça assez élégant. J'aime beaucoup. Donc, vous allez jouer votre carte pour son coût en mana que vous allez payer en pitchant des cartes. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, comment est-ce qu'on attaque l'adversaire ? Quand on attaque l'adversaire, on va poser une carte ici. Je vais zoomer un petit peu sur le jeu, mais peut-être... Ouais, c'est bon, ça va le faire. Je vais poser une carte ici. Ok. Donc là, j'indique que je vais t'infliger 5 dégâts, parce que c'est ce qui est écrit ici. À ce moment-là, Rofelos peut dire, eh bien, je vais me défendre. Ouais. Pour me défendre, je vais poser une carte en face. Et en fait, quand tu poses cette carte ici, tu joues donc cette carte en défense, tu ne vas regarder que la valeur de défense qui est ici. Tout le reste, on s'en fout. La carte, entre guillemets, n'existe plus. Ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir que tu vas générer 2 défenses. On va défendre avec ça parce qu'il y a 3 de défense. Voilà. Là, tu as 3 de défense. Donc, là, on fait le calcul. 5 moins 3, 2. Tu prendrais 2 dégâts. Mm-hmm. Mais, il y a des cartes dans Flesh and Blood qui s'appellent des réactions d'attaque que tu peux jouer à ce timing-là. Donc, en gros, le timing d'attaque, il est simple. C'est j'attaque, tu défends. Tu peux défendre avec une ou plusieurs cartes. Plusieurs. Attendez, je vais faire pile... Pile 5. Pile 5, comme ça, tu mets rien. Ah, je suis déçu. Hein. Donc, là, rien du tout. Voilà, il met pile 5 de défense. Et en fait, en défense, tu as le droit de jouer plusieurs cartes. Une fois que ce timing-là de défense est fini, on va entrer dans la réaction d'attaque. Donc là, si tu as des cartes sur lesquelles, en bas, la carte s'écrit « réaction d'attaque », alors il se trouve que moi, j'en ai pas. Ou j'en ai peut-être, mais... il faudrait que je les retrouve et ça me fait chier de chercher. Mais bon, en gros, sachez juste qu'en bas, parfois, c'est écrit « réaction d'attaque ». Et bien, à ce moment-là, vous pouvez les jouer, toujours en payant évidemment leur coût de mana. Et du coup, vous allez faire donc une réaction d'attaque qui va en général altérer vos dégâts et augmenter les dégâts que vous allez faire à l'adversaire. À ce moment-là, Rofelos peut dire « Eh ben moi, je vais jouer une réaction de défense !» Puisqu'il y a des cartes qui s'appellent réaction de défense et qui permettent aussi d'augmenter ta défense. Vous allez me dire « Mais quelle est la différence entre l'attaque, la défense, la réaction d'attaque, la réaction de défense ?» C'est juste le timing en fait. C'est que la réaction d'attaque, la réaction de défense vont se faire après que tu aies joué ton attaque et après que l'adversaire ait joué sa défense. Donc c'est vraiment le moment où tu vas dire « Surprise ! En fait, j'avais un truc qui va tout changer et qui va te baiser. » Une fois que vous avez terminé de poser toutes vos réactions d'attaque et réactions de défense, eh bien on va juste compter combien tu as de points de défense, combien j'ai de points d'attaque. La différence, c'est les dégâts que j'inflige à ton héros. Quand on a terminé de faire cette attaque, on va prendre ces cartes-là. Ce bloc-là représente le maillon numéro 1 de la chaîne de combat. La chaîne de combat, c'est vraiment la zone qui est là où on va se taper sur la gueule. Donc on va prendre ces cartes, on va se les mettre là, et ça c'est le maillon numéro 1. S'il me reste des cartes en main, eh bien je peux entamer... on s'en fout. Je peux entamer le maillon numéro 2, je t'attaque, tu défends, réaction d'attaque, réaction défense, fin du maillon numéro 2, etc. etc., etc. Vous allez me dire, putain, mais c'est super, on peut faire 10 000 attaques dans le même tour. Eh bien non, parce qu'en fait, de base, en Flesh and Blood, vous n'avez le droit qu'à... Ouais, ça arrive. Vous n'avez le droit, je suis désolé pour ceux qui ont des pubs, je vous invite évidemment à vous sub pour ne pas en avoir, et sinon, cette vidéo sera sur YouTube. Je disais que vous n'avez de base qu'une seule action pendant votre tour. Donc si je joue... Évidemment, je n'ai pas le même exemple. Si je joue ça, et que sur la carte, ici, je vous montre l'exemple, il y a juste écrit que j'inflige 4 et fin, et ben je joue ça, fin de mon tour. Je peux rien jouer d'autre, j'ai plus d'action. Sauf qu'en fait, sur énormément de cartes de Flesh and Blood, et évidemment sur énormément de cartes qui donnent cet effet dans Flesh and Blood, il y a, encore une fois... Go again encore était... une fois. Hein ? On est d'accord. Alors, hein ? Encore une fois. Voilà. Encore une fois. Et ça, c'est très important, puisqu'à chaque fois qu'à la fin d'une carte, il y a écrit « encore une fois », eh bien, ça veut dire « à la fin de votre action, vous gagnez un point d'action ». Et donc, vous pouvez rejouer. T'allais dire un truc ?
je voulais juste parler de la traduction de Go Again. Donc sur la sur les premiers en anglais, sur la première trad, ça a été ça a pas été traduit. On a juste gardé Go Again, le terme Go Again, comme le terme pitché qui a pas été traduit. On a gardé le terme pitché parce que c'est compliqué à traduire. Pitché en anglais, pour les gens qui jouent au baseball, c'est lancer la balle au baseball, quoi. Mais lancer une carte, ça a pas vraiment de sens pour gagner des ressources. On l'a lancé, ça n'a aucune, ça veut rien dire. Recyclage. Ouais, mais voilà, on s'est posé la question pendant longtemps, mais du coup le consensus c'était que c'était mieux de garder Pitché. Et en revanche, Go Again, ça passait. La plupart des gens étaient OK avec le fait de laisser en anglais aussi. Ouais. Mais ils ont quand même, on a quand même choisi de le traduire par encore une fois, juste pour que il puisse y avoir une sorte de texte générique sur ces cartes-là qui soit entièrement en français, quoi. Comme Pitché, c'est rarement écrit et Go Again, c'est très souvent écrit, on a préféré garder le terme en français, trouver une traduction pour le terme en français. Et du coup, c'est encore une fois. C'est un peu étrange. C'est encore quelque chose qui est en débat dans la communauté française de Flesh and Blood. Ça peut vous rassurer. Ouais. Ça ne. Ça te choque pas qu'on. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Que ce soit la preuve. Encore une fois. La preuve. Je me dis juste, c'est pas très beau. C'est pas. Ça sonne pas très bien. On dirait une. On parlait de poésie tout ça à l'heure. Ça se voit que c'est un jeu qui a pas été fait par un Français. Ouais. Tu vois, un Français n'aurait probablement inventé un mot. Je vois encore. Ou... En vrai, recycler, je crois que c'était le meilleur terme. Non, recycler, c'était le pitché. Oui, pour pitcher. Ah oui, Go Again. J'aurais dit action plus 1, moi. Voilà. Comme ça, on. Ah ouais, c'est moi. Plus 1 action. Voilà. C'était pas très poétique. On s'en branle la poésie. Ah, ça y est, regardez-le. Ça y est, Ça fait une heure qu'on est là, ils s'en foutent de la poésie. Mais. Action plus 1. En termes de poésie, on était très bien, mais c'est vrai qu'au moins, c'était parti en guerre. Bon, encore une fois, ça fonctionne. Bref, tant que vous avez encore une fois sur votre action. Eh bien, vous allez pouvoir rejouer derrière. Ah, donc attention, effectivement, il va falloir gérer l'ordre de vos attaques. D'ailleurs, il s'est fait avoir tout à l'heure, Rof. Il a posé une carte où c'était pas écrit Go Again. Il me fait, ah, j'ai prévu des trucs. Je fais, d'accord. T'as plus d'action, tu fais quoi? Ah, merde. Bon, ça, c'est pas m'autoriser à faire ça avant. Je fais, j'ai fait un petit rollback, voilà. Ça, c'est à cause ça arrive. C'est à cause du encore une fois. C'est le genre de truc que tu fais off-stream. Il s'est marqué plus une action, j'aurais tout de suite pensé. Bien sûr, tout à fait. Bref. Qu'est-ce qu'il me reste à vous expliquer? On arrive du coup à la fin de son tour. Pardon, je vais essayer de faire les choses un tout petit peu proprement pour que ça ait du sens. On arrive à la fin de son tour, on a fait des attaques, il a perdu des points de vie. Évidemment, je sens que je vais gagner la partie puisque je suis bien meilleur. Ouais. Il me reste une carte en main. Je sais pas trop quoi en foutre et puis on est arrivé. Non, je vais même faire mieux comme exemple. Il me reste deux cartes en main. On arrive à la fin de mon tour et je ne sais pas trop quoi en faire. J'ai plus de mana, j'ai pas envie de les sacrifier. Bref. Et bien, à la fin de votre tour, vous pouvez choisir une de vos cartes. Et la mettre face cachée en dessous de votre héros. Ça, c'est la zone d'arsenal. Quand vous mettez la carte ici, en fait, elle est sauvegardée pour un éventuel futur tour où vous aurez envie de jouer la carte. Alors attention, quand vous mettez une carte en arsenal, vous ne pouvez que la jouer. Vous n'allez pas pouvoir la jouer en défense, vous n'allez pas pouvoir la pitcher ou autre, vous devez la jouer. Et tant qu'elle est là, vous ne pouvez pas mettre une autre carte en arsenal. Donc il ne faut pas mettre n'importe quoi, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. Si vous reste une carte en main, vous pouvez la garder. Et du coup, fin de tour, je retourne à 4 cartes dans ma main. C'est au tour de l'adversaire. C'est du refill, effectivement. Ouais, cette capa-là de réserver les cartes, ça rappelle un peu Keyforge. Je termine avec une dernière notion et après, on pourra ouvrir plein de parenthèses sur ces règles. Puisque j'en aurai terminé, en tout cas, pour ce que moi, j'ai à dire. C'est très important de comprendre que vous ne piochez des cartes qu'à la fin de votre tour. Ça veut dire que là, Rof, il a défendu avec deux cartes. Ouais. Ouais. Ah bah il voilà. A plus... Bah maintenant, c'est à lui de jouer. J'ai plus que deux cartes, du coup, dans ma main, puisque ma... mon... Voilà. Et bah, il a plus que deux cartes Regardez. En main. Et du coup, il va devoir m'attaquer avec deux cartes en main. Et moi, je viens de piocher. Donc, pour défendre face à ces deux cartes, j'en ai quatre. Mais derrière, si je fais, j'attaque, il qui défend... Et qui défend, bah, j'en ai plus j'attaque, trois. J'attaque, machin. Donc, il y a vraiment ce côté où... Ce qu'on dépense en défense, on ne peut pas le dépenser en attaque et vice-versa. C'est quand même plutôt pas mal. Bref, n'oubliez pas que vos points de vie, comme dans Magic et n'importe quel autre jeu de cartes, sont une ressource comme une autre. Et que parfois, dire « Putain, dans les mains, j'ai le combo parfait. Vas-y, mets-moi tout dans la gueule. Je vais accepter de perdre 15 points de vie parce que de toute façon, après, j'ai le létal. » Et voilà. Ce qui est bien, c'est que ça va beaucoup dépendre pour le coup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions dans le jeu et c'est vraiment très plaisant. C'est que... Tu joues dans le tour adverse avec tes défenses, mais c'est pas non plus la fête à priorité, machin, tout ça comme à Magic. C'est vraiment, t'as des timings bien précis pour pouvoir jouer, que je sache, pour pouvoir jouer des cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux quand même bluffer avec tes cartes en main de bah, peut-être que je vais me défendre. Peut-être que je vais me défendre. L'autre, il va essayer de faire une petite attaque
en disant ce serait bien qu'ils défendent celle-ci mais pas celle d'après. Il y a vraiment un mind game. Il y a un mind game. Encore un petit truc, quand je disais fin de tour, n'oubliez pas, toutes les cartes que vous avez jouées ici d'action, elles vont dans la défausse, et toutes les cartes que vous avez pitchées, elles vont sous votre deck. Ici, c'est les cartes qui sont bannies, donc elles sont ni pitchées ni dans la défausse, elles sont juste hors du jeu. Est-ce voilà. que j'ai dit de la merde ? T'as pas du tout dit de la merde, et je crois que, de mémoire, c'est une des meilleures explications en 10 minutes, hein. Des règles bon, que j'ai je dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, j'ai trouvé que c'était très efficace et t'as pensé à tout. Le seul truc, t'as dit que ça, on pouvait jouer la carte de l'arsenal, on pouvait uniquement la jouer si c'était une attaque. Tu peux la jouer si c'est une réaction de défense aussi. Ah oui. Il faut la payer, évidemment. Parfois, il y a des réactions de défense qui coûtent zéro, donc c'est full value parce que t'as une carte que tu vas jouer de ton arsenal, donc c'est vraiment incroyable parce que tu vas garder une full main pour avoir plein d'options pendant ton tour et tu vas juste défendre avec une carte de ton arsenal. En gros, c'est ce que j'appelle un peu jouer, c'est ça. C'est des trucs que tu vas mettre ici, mais juste t'as pas le droit de la mettre en défense. Voilà. T'as le droit aux réactions de défense. Après, voilà, il y a maintenant on peut jouer avec deux slots d'arsenal. C'est des cartes qui sont, enfin, c'est des decks qui sont hyper forts évidemment. Le deck le plus fort du moment, il joue avec un équipement qui lui permet d'avoir un deuxième slot d'arsenal. Donc évidemment, tu t'en. Pas quand je pourrais avoir deux flèches. Jouez. Non mais c'est ça. Et puis vous jouez à des jeux de cartes tous les deux, donc vous savez que le card advantage c'est essentiel. Et du coup, avoir une carte de plus dans un jeu où tu pioches, enfin où t'as quatre cartes en main de manière quasiment. Alors, je me suis posé. Avoir une carte en plus, c'est énorme. Il y a des héros qui ont plus que 4 cartes en main ? Tu peux... Non, alors de base, non, il n'y a aucun héros qui a plus de 4 d'intellect. Il y a un héros même qui a 3, c'est vraiment injouable évidemment, mais c'est un héros plus même qu'un héros compétitif. Il est sorti juste pour la blague, c'est un androïde en gros. Elle s'appelle Poupée Androïde et c'est un robot, mais elle a que 3 d'intellect. Elle a une capa qui est censée compenser ça, mais comme c'est un héros de Blitz, en général elle meurt avant. Bref. Okay. Pauvre. Mais c'est un héros hyper drôle à jouer. C'est un héros très fun à jouer. Mais oui, le principe, c'est que tu vas toujours partir avec 4 d'intellect de base, mais il y a des cartes qui peuvent te donner jusqu'à la fin de ton tour plus 1 d'intellect. C'est rarement plus longtemps que ça, parce que si tu te retrouves avec 5 d'intellect pendant toute la partie, t'as un avantage vraiment énorme. En fait, il y a des choses que tu revois dans certains jeux. J'ai l'impression, hein, j'ai joué avec 2-3 decks préconstruits, ça se trouve, j'ai de la merde. Le principe de tuto. Ouais. Tu m'as dit qu'il y avait quand même un gars qui le faisait, mais de manière générale, à Magic, quasiment tous les... À Yu-Gi-Oh! C'est encore pire. Ouais. Tous les decks vont tuto dans la bibliothèque. C'est une mécanique qui est propre à certains decks spécifiques. Mais de manière générale, on est plutôt là sur... On va juste piocher des cartes comme elles viennent. On va mettre en dessous. Et du coup, quand on va récupérer le moment où on a mis en dessous, bien du coup, ça va être plus simple pour nous. Et pareil, au niveau de piocher des cartes, j'ai l'impression que, comme de toute façon, il y a une sorte de refill. C'est pas vraiment la même chose. C'est vrai que le principe de l'arsenal est bien, puisque ça permet de faire du card advantage. J'en ai que tu vas retirer une carte, mais que tu possèdes encore quelque part. Et du coup, tu vas pouvoir te refill comme tu veux. Ouais. Donc c'est la gestion de l'arsenal, c'est un truc hyper important. Si tu te retrouves à vouloir bourriner, à taper ton adversaire avec tes 4 cartes en main systématiquement et que tu temporises jamais en mettant une carte dans ton arsenal, du coup tu perds une carte avec toi. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, il y a pas mal de choses. Donc c'est quand même, encore je le disais, très différent d'un jeu comme Magic. Pour autant, il y a quand même des préceptes. Quand tu joues un minimum, soit des jeux de deck building, soit des jeux de cartes. Je dis ok, là j'ai l'impression que faire ça me paraît absolument. Ça me paraît quand même plutôt fort, etc. etc. Ne pas trop gâcher ses cartes, pas trop gâcher son mana, essayer de se curver en disant bah tiens, j'ai précisément dépensé le mana les ressources que j'avais à ce tour-là, toujours ça va t'apporter un avantage. Le principe, je veux dire que le principe des équipements, au début je trouvais pas ça très. J'adore moi. Moi j'aime bien le mot élégant. Je trouvais ça pas trop élégant parce que pour moi il y avait trop de trucs, tu vois ce que je veux dire. Le début de partie. Dans une partie de Magic normale, c'est t'as rien en jeu. Mm-hmm. Dans un commander, tu vas déjà avoir ton général. Là, le fait de dire, ok, je commence, j'ai un héros, j'ai deux armes, j'ai 4 équipements, et encore, je pense qu'il y en a qui peut-être en avoir plus, j'en sais rien. T'es en mode, je trouve que ça fait beaucoup d'informations d'un coup pour commencer, et je trouve que ça, en tout cas pour les premières parties, ça manque un petit peu de simplicité. Je sais pas si... Les tout premiers decks d'initiation, normalement, c'est des decks avec un héros qui s'appelle Ira, c'est une ninja. La même classe que Katsu et que Benji qui est là. Et en fait, il n'y a pas d'équipement dedans. Il y a juste une arme. Et voilà. Pour apprendre le jeu, quand on apprend le jeu à des gens qui débutent complètement et qui n'ont pas l'habitude des jeux de cartes,
tu leur as ouais, d'accord, c'est pas ce truc-là. Ça reste un petit parce peu parce que ça rajoute un truc, ouais. Ça rajoute une dimension un peu complexe. Surtout et surtout, ça fait plein de trucs. Enfin, il faut que tu aies toujours ces trucs-là en tête, en plus de tout le reste, tu vois. En plus de l'arsenal, en plus de ton pitch stack, en plus de. Tu découvres le nouveau perso, tu le poses et tu fais alors attends. Ouais. Mais je t'avoue que moi. Tu vois que moi qui joue depuis longtemps, on en parlait tout à l'heure, je suis un vieux monsieur et je joue à des jeux de cartes depuis longtemps, c'est ce qui m'a intéressé dès le début, c'est de me dire, tu pars déjà le fait de pouvoir partir dès le début, tu vois que ce soit profond, et puis surtout que ton premier tour, ça peut être ton meilleur tour en fait. Il est possible que le premier tour de Flesh and Blood, ce soit le meilleur tour de ta partie. Parce que tu vas commencer à faire ça. Ça n'existe dans aucun autre jeu de cartes, tu vois. Normalement, tu temporises un peu, tu t'installes, tu mets tes ressources, tu montes en puissance, et après tu fais des trucs énormes. Et ça arrive hyper rarement en fait que ton premier tour ce soit le tour où tu vas avoir la combo parfaite. Alors ça, chacun le voit comme il le veut. J'aime beaucoup le principe quand même, notamment dans Magic, de progression. Ah oui, carrément. De dire bah tour 1, je fais quasiment rien, tour 2, etc. Ouais. Mais le par contre, et je l'avais déjà eu sur Epic à l'époque, le principe de dire dès le tour 1, faut que je sois focus, tu peux tout faire. Ouais. Parce que le mec en fait, il peut très bien effectivement tout me balancer. Ça peut être ça peut être vraiment très cool. Et un truc aussi que j'ai bien aimé pour le jeu, je ne sais pas si du coup toi après plusieurs parties tu vas pouvoir corroborer ce que je dis, mais il y a toujours une grosse différence, Magic c'est infâme, Yu-Gi-Oh c'est encore pire, entre le premier joueur et le deuxième joueur. Celui qui gagne le toss est très avantagé. Là, il y a ce principe de, on pourrait croire que je vais être avantagé en tant que, comme je commence, mais il y a une règle un peu particulière qui dit que quand on va refaire ça, quand donc le joueur défenseur, le deuxième joueur, récupère son premier tour, fait son premier tour, eh bien, il se refile comme si c'était... Est-ce que du coup ça fait en sorte que lisse un peu les parties? La première attaque du premier joueur compte un peu pour du beurre. Quoi. Ouais. Mais elle est importante parce que effectivement tu vas être du coup le deuxième joueur, celui qui commence pas va être le premier à attaquer son adversaire sans que son adversaire puisse refaire sa main. Ouais. Là, ton adversaire il refait pas sa main lui quand t'attaques et que t'es deuxième joueur. Par contre le premier joueur lui c'est le premier à pouvoir attaquer avec un arsenal. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avoir un arsenal, c'est déterminant. Tu t'attaques avec 5 cartes. Tu joues potentiellement avec 5 cartes, tu vois. Si c'est une carte d'action, tu vas pouvoir l'utiliser. Donc, tu as quand même cet avantage-là. Donc, ça reste un avantage de commencer. Non, c'est pas un avantage parce qu'il y a des héros qui préfèrent ne pas commencer. Ça dépend vraiment du héros. Et en gros, quand tu as le toss, tu vas, en fonction du héros que tu vas avoir, tu vas. Et surtout du match-up aussi. Tu vois, ça dépend du match-up. Contre Azalea, t'as jamais envie. Azalea, on peut en parler en deux secondes, mais t'as jamais envie de la laisser commencer. Parce que le problème d'Azalea, c'est qu'elle peut, sur son premier tour, te faire une attaque Dominate. Dominate, c'est un mot-clé du jeu qui dit que ton adversaire a le droit de défendre qu'avec une carte. Donc si t'arrives à faire une énorme flèche, tu peux la booster. Il aime bien faire des grosses flèches. Dans le jeu qui te permettent d'attaquer avec une grosse flèche. Si elle a Dominate, ton adversaire est obligé de bloquer avec une seule carte. Et donc, sur ce tour qu'on appelle le tour 0, en gros, parce que c'est le tour où tu n'es pas censé faire de dégâts, tu prends quand même des dégâts. Là, c'est chiant. Ah, c'était beau tout à l'heure. J'ai fait une grosse attaque. Et là, il fait eh ben, je défends avec ça. Il fait Dominate. Tu défends avec ça. Allez, nique ta mère. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un grand plaisir. Quoi. Bien sûr. Évidemment. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait quoi du coup 2-3 games depuis un jour ou deux là. Et à chaque fois, ça s'est joué. Genre. On a fait peut-être à 1 ou 2 points. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est quand même. C'est un bénéfice secondaire. Enfin, c'est un bénéfice un peu. Je sais pas s'il l'a designé comme ça, le jeu. Mais ça se finit toujours comme ça. C'est toujours serré. C'est fou, quoi. C'est agréable. C'est trop bien. C'est hyper agréable. Mais ça reflète aussi le sens de la partie. C'est-à-dire que parfois, évidemment, t'as beau finir à un point de vide plus que ton adversaire, t'étais quand même largement devant. Ouais. Mais souvent, c'est serré quand même. Et souvent, tu sens que ça peut basculer. Mmh. Tu te dis jamais, je pourrais jamais gagner cette partie. Et même à l'inverse, moi j'étais à un point de vie tout à l'heure. Il était en mode, bah, c'est bon, du coup, je 4 cartes, j'ai gagné. J'ai réussi à me défendre à peu près avec carrément. Tout. Et ça a relancé un petit peu l'intérêt. Donc, au début, tu vas souvent, j'ai l'impression, essayer de garder tes cartes pour pouvoir dire, vas-y, je prends tout dans la gueule. De toute façon, j'ai des points de vie, c'est des ressources. Et je vais moi aussi te mettre dans la gueule. Et en fait, tu dis, putain, d'accord, j'ai perdu, je sais pas, 6-7 points de vie en un seul tour. Mmh. Bon, bah, dans 3 tours, c'est fini, quoi. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu commences à être à 2-3 points de vie, t'es en mode bon, on va se défendre. Flesh and Blood est vraiment. Ça m'est arrivé sur quelques jeux, mais sur celui-ci tout particulièrement, où je découvre le jeu, je déteste. Enfin, je déteste. J'aime pas dedans. Trop. Je suis pas dedans, je suis en mode, je vois pas ce qu'on lui trouve. Puis, j'y rejoue plus tard, dans d'autres conditions, avec d'autres personnes, où j'ai mieux lu un truc, où j'ai eu le tilt, et là, je suis en mode, Et typiquement, cette mécanique de dire quand je me défends, j'ai moins de cartes pour attaquer, ça me faisait super chier.
que maintenant que j'ai compris comment fonctionne le jeu, en fait, maintenant que j'ai assimilé le fait que les points de vie, c'est une ressource et qu'il faut accepter d'en perdre des fois, ah bah ça se passe mieux. Ouais, ça se passe beaucoup mieux. Et donc voilà. Bon, on n'a pas parlé des armes. Jeu, hein. Ouais, pardon. Juste, on n'a pas parlé des armes, mais là, en l'occurrence, tu vois Azalea qui a pas une arme qui attaque, mais parfois, t'attaques juste avec ton arme et avoir une seule carte en main, c'est pas forcément un problème parce que t'as une arme qui peut être très puissante et qui va faire beaucoup de dégâts à elle toute seule. Et c'est une manière aussi, les decks fatiguent. Il y a des decks qui jouent là-dessus. Ils vont attaquer uniquement avec leur arme et ils vont forcer les adversaires à défendre avec des cartes de leur main. Ouais. Quand tu attaques avec une arme, tu la pitches, donc la carte retourne sous ton deck. Par contre, ton adversaire, quand il défend une attaque d'arme, il utilise une carte de sa main qu'il a perdue puisqu'elle est défaussée à la fin du tour. Donc au bout d'un moment... Excuse-moi, t'as dit un truc. Tu pitches quoi? Tu pitches pour attaquer avec ton arme. Elle a un coût. Elle a un coût. En ressources pour attaquer. Pitch, c'est-à-dire tu payes le coup. Tu payes le coup, ouais. Ouais, parce que tu l'as dit, tu pitches ton arme, donc il est en mode. Hop. Tu pitches pour attaquer avec ton arme. On l'a pas fait ça, ouais, si c'était pas clair. Voilà. Tu pitches pour attaquer avec ton arme, du coup, mais toutes les ressources que tu utilises pour attaquer avec ton arme, tu les récupères. Tu les fous en dessous, et du coup. Bien sûr. Et il y a des decks, les decks les plus contrôle du jeu, ils vont jouer là-dessus. Ils vont uniquement attaquer avec leur arme, et ils vont garder que les cartes qu'ils ont envie de pitch stacker. Au bout d'un moment, tu vas avoir le deck idéal. Ouais, ok, et l'autre et tu vas pouvoir bourrer ton adversaire en fin de partie, ce que normalement, t'es pas censé faire, parce que comme tu le disais à juste titre, Max, tout à l'heure. Ton héros, il a tendance à se fatiguer. Mais il y a des héros qui sont mieux en fin de partie, qui ont envie de se fatiguer, qui sont des marathoniens. Voilà, c'est ça. Une partie dure un peu. Donc là, on joue en blitz. Je crois que. Alors, on va évidemment expliquer, etc. J'ai l'impression qu'en 10-15 minutes, ça peut se faire. Ouais, c'est 20 minutes en moyenne, les parties de blitz. Il y a des decks plus contrôle qui sont plus lents. Et quand les parties sont serrées, évidemment, ça peut... Mais justement, longtemps. J'allais dire, en compétition sur du non-blitz, donc c'est construit... Comment ça s'appelle construit? En classique constructible, mais on dit CC. CC, les parties, pour que ce soit du BO1, j'imagine que ça va durer 40, 50 minutes, quelque chose comme ça, c'est ça? Ça peut descendre à 30 minutes, mais c'est plus souvent entre 40 et 50 minutes. C'est le temps des rondes en compétition, c'est 50 minutes. Et je comprends, du coup, en réalité, que le blitz, c'est du succès, parce que j'ai l'impression que si moi, je devais créer un jeu de cartes aujourd'hui, je suis une salope si les games durent 50 minutes. Ok, c'est bon. C'est assez rare qu'elle dure tout le temps 50 minutes. T'as des héros en plus qui ont envie de finir la partie plus vite et du coup, si la partie dure plus longtemps, ils savent qu'ils ont perdu. Donc ça n'a pas de sens d'aller beaucoup plus loin. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue. Mais c'est pas designé pour durer 50 minutes, tu vois. Presque c'est sociologique. On est en 2023, personne n'a envie de faire une game de 50 minutes, tu vois ce que je veux dire. En tournoi, c'est plus simple. Quand ta journée, c'est d'aller faire un tournoi qui a 8 rondes et qui dure toutes 50 minutes, c'est timé comme ça, et tu le fais, t'en profites, tu prends ton temps pour réfléchir à ton play, tu t'en profites vraiment, quoi. Le fait que... Ah, mais si t'as pas de chat, tu le subis à fond. Ouais. Alors qu'un BO3, tu fais, c'est pas grave, on va refaire. Alors, là où je suis un petit peu... Là où ça me va, en fait, ça me va s'il n'y a pas de chat qui rentre en compte. Ouais, alors, non, il y a toujours la chat. Par contre, le fait de dire... Les parties sont assez longues. Et du coup, tu as le temps de lisser. À Magic, si tu as une mauvaise main et que tu as fait tes mégas et machin, en fait, ça peut être une partie. En fait. Donc, tu fais du BO3 pour éviter les non-parties, de dire là, j'ai juste pas eu de chat et basta. Quand tu as un jeu qui est plus sur la longueur, oui, tu vas avoir des cartes, des mains un peu nazes, mais c'est pas grave, la main d'après va être goldée. Donc, tu vas pouvoir lisser ça. Et le fait de dire que celui qui commence peut avoir un petit avantage généralement, mais il y a des héros qui peuvent contrebalancer ça. Bref, c'est pas gagné, quoi. Fait que du coup, tu as peut-être moins de frustration de dire je fais qu'une game. Et en réalité, faire une grosse game qui est intéressante. Ça suffit pour dire ok, on a joué. Et puis de toute façon, ce n'était qu'une réflexion de ma part. Si ça fonctionne, que les gens jouent et qu'ils n'ont pas râlé et que ça n'a pas changé depuis tout ce temps, c'est que ça marche. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'en boutique, tu vois, par exemple, les tournois hebdomadaires, on a des tournois hebdomadaires qu'on appelle les armories. Le blitz, ça marche plutôt bien parce que tu peux les faire en fin de journée. Tu fais 3-4 rondes de 17h à 20h et ça se passe plutôt bien avec, avec le temps de latence entre les rondes. Ça se passe plutôt bien. Le CC, c'est plus compliqué. Évidemment, tu peux pas faire 4-5 rondes. T'es parti pour son après-midi. Voilà, c'est ça. Donc c'est plus pour des tournois sur des après-midi entières, sur des journées entières. Je pense que... Mayenne, c'est 30 minutes, 40 minutes max une partie, quoi. Ok. Je pense que le mieux, là, en termes de réglage de temps et tout, c'est qu'on fasse une game. Ouais. Comme ça, vous vous rendez compte un petit peu de la physionomie du jeu et tout. Vas-y. Oui, pardon. Je finis le sommaire. Après, je te laisse la parole. On va faire une game. Ça vous permet de voir déjà deux archétypes de perso et de voir un petit peu comment ils se jouent. Derrière, on va vous montrer un petit peu la profondeur de gameplay en vous expliquant un peu les autres types d'archétypes qui
qui existe dans le jeu. Et puis après, je crois qu'on aura déjà fait un beau tour. On pourra terminer en parlant du championnat de France qui a lieu ce week-end. Et on sera pas mal, je crois. Ouais. Je pense qu'on sera prêt pour le championnat de France ou pas. Je pense qu'à partir de cette... Ouais, je pense que je peux vous qualifier d'office. Et puis, allez. Vous jouez, les gars. C'est pas un open, c'est ça? Non, je crois que vous c'est êtes pas un open. Non, c'est... Enfin, par contre, il y a un PTI le dimanche. C'est un Professional Tournament Invite. Donc, tu peux gagner une qualification au championnat du monde. Bah c'est bon, c'est ça. Bah ça dépend, il est où, c'était pas trop mauvais. Il est où, championnat de le championnat de France, il est à Paris, dans le 15e, et le championnat du monde est à Barcelone. Oh, il bon, y a un monde où je vais Let's go. Je les baisse tous. Ouais, je suis pas dispo ce week-end, ils ont de la chance. Ah, tous ces noobs. Voilà, exactement. Attends, non, je voulais juste parce enfants, que... Alors, voilà. Je voulais en parler parce qu'il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a demandé s'il y avait des mécaniques, enfin s'il y avait des cartes qui se jouaient, enfin qui avaient des effets spécifiques quand elles étaient pitchées. Attends, et y en a. Tu sors une carte de dingue là. Bah en fait quand je vois qu'il y avait un top loader là, quand tu mets ouais, ça j'ai enlevé les top loaders pour qu'on les voit un peu mieux. Mais donc le fameux œil de feu dire, attends, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est ces deux cartes un peu mythiques des débuts du jeu. Je suis pas du tout un collectionneur, mais j'ai la chance d'avoir commencé ce jeu un peu au début, au moment où ces cartes étaient plutôt abordables. Okay. Elles le sont beaucoup moins maintenant. Donc c'est le Heart of Fiendal et l'Eye of Ophidia, qui sont deux cartes vraiment emblématiques. L'Eye d'Ophidia, c'est dans ces cartes-là hyper rares, c'est la plus jouable. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de valeur. Elle est jouée dans beaucoup de decks, notamment les decks Wizard. Il y a un deck Azalea qui la joue aussi, qui est très marrant, très intéressant à jouer. Hop. Mais voilà, et c'est des cartes, quand tu les pitches, elles ont des effets en l'occurrence. Donc c'est des gemmes dans le jeu. Tu vois, on voit en ça bas. Ça rappelle un peu les mox, hein, ouais, c'est un peu l'équivalent. Ouais. Les mox, il y a un peu cet esprit-là. Et quand tu les pitches, elles ont un effet. Par exemple, le cœur de Fiendal, si tu as moins de points de vie que ton adversaire quand tu pitches avec, tu gagnes un point de vie. Et ça paraît négligeable un point de vie, mais vous l'avez dit tout à l'heure, parfois les parties se finissent à un point de vie. Donc c'est énorme un point de vie. Et surtout, dans la mesure où c'est une carte qui uniquement se pitch, dans les parties longues, on la revoit plusieurs fois. Évidemment. Donc il y a des decks qui ont envie d'avoir ça. Et l'œil d'Ophidia, c'est un effet assez unique. Enfin, c'est pas unique dans ce jeu-là, mais c'est assez rare dans Flesh and Blood de pouvoir faire cet effet-là juste en pitchant. C'est quand tu la pitch, tu vas opt 2, donc tu vas regarder deux cartes du dessus de ton deck et les mettre au-dessus ou en dessous de ton deck. Un petit peu le regard à Magic, ouais. Et du coup ça te permet de comment dire, de creuser un petit peu ta pioche, et c'est évidemment très fort. À combien tu les as eues à peu près, et à combien elles cotent actuellement? Alors c'est un peu dérisoire, parce que je les ai achetées à une époque où ça valait moins, le cœur je l'ai payé 150, okay. Aujourd'hui ça coûte 450, ça continue à grimper parce que le set est out of print maintenant, donc c'est difficile de le trouver dans cette édition-là. Parce qu'il est en foil? Parce qu'il est dans cette édition Unlimited. Voilà. Tu peux avoir... Le cœur en alpha, il coûte des milliers de dollars. Hein. Je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter 10 000 dollars. Ok, d'accord. Ça a explosé ces dernières années parce que c'est hyper, hyper rare en alpha. Là, c'est en Unlim. D'accord, ok. Et il a été réédité dans History Pack 1. Il est peut-être à 400 en History Pack 1, mais il est pas en foil. D'accord. Il est sorti en non-foil en français. Il y a plusieurs types de foils en plus pour ceux qui s'intéressent aux raretés. J'ai cru voir qu'il y avait en gros la carte de base, la carte foil où il y a juste l'illustration qui est foil, et il y a ce qu'on appelle le cold foil où en fait l'illustration est foil mais aussi les bordures. Et en général sur les cold foil aussi, le fond du texte est un peu plus transparent, ce qui fait que ça ressemble un peu plus à une full art. D'accord. Donc il y a un peu ce côté, voilà, l'art cold foil et tout, et c'est en général celles qui ont le plus de valeur. Si vous avez une cold foil, je vais vous montrer une cold foil. Tu peux la laisser dans le top loader. Non, non, mais tu la verras mieux comme ça, tu verras mieux le foiling comme ça. Ça, c'est un bouclier. C'est très léger le foil, hein, quand même, Là, mais tu vois, sur le bord... Moi, j'aime bien que ce soit pas explosif. Moi, j'aime bien que ça soit qu'il y en ait partout. Bah ouais, ça manque un peu Dragon Ball, tu vois. Ah, merci. Mais ça se voit plus sur certaines cartes, tu vois. Ça, c'est une des dernières promos du jeu. C'est un personnage qui s'appelle Prism. Et le foiling, là, ça aussi, c'est Le foil. Voilà, ça pète un peu, là. Bah voilà. Bah, ça y est, ça vous va, monsieur. On a rien à foutre, putain. Monsieur Maxildan. Bah ouais, mais moi, je suis un kikoulol. C'est une illustration de Livia Prima, en plus, que les joueurs de cartes. Pas mal, hein, les illustrateurs, en vrai. Ouais, les illustrateurs sont incroyables.
Moi, je on est plus sur du Magic Tier que sur du Yu-Gi-Oh! Quoi. Ah non, c'est, je suis un joueur qui achète des skins dans League of Legends, tu vois c'est ce que vrai, je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. On est pareil. Moi je, peux, moi, je suis prêt à lâcher de l'argent juste pour avoir un art alternatif sur ma carte. Moi, je suis un joueur qui détruit toutes ses cartes foil à Hearthstone pour pouvoir m'en acheter plus en non foil. Moi, je te déteste. Non, mais en physique, je trouve que ça a un peu de valeur. Et c'est vrai que moi, je me suis un peu pris au jeu et mon deck fétiche. Je l'ai un peu foilé. Ouais, bah évidemment. C'est un truc que je fais dans aucun autre jeu, mais j'ai eu envie de le faire. Les cartes sont hyper belles, quoi. Ouais, non, non, c'est joli. C'est joli, c'est propre. C'est bien que dès le départ, les cartes aient été plutôt soignées. Magic, au départ, il y a quand même bien, bien caca. Hein. Mais soyons honnêtes, il y a des cartes aussi moches à flèche. Ok, tout n'est pas parfait. Ça rassure. On pourra peut-être en voir un peu plus tard, mais dans les derniers sets, c'est assez flawless. Mais sur les premiers, il y a eu quelques ratés, tu vois. Ouais, ça arrive. Ça fait partie de l'histoire un peu du truc. Il y a aussi des cartes qui sont pas très belles. Ça peut te plaire aussi. Mais qui, comme elles sont très iconiques, très jouées, du coup, elles vont être kiffantes. C'est vrai que c'est des versions Marvel full art en cold foil. Donc de l'autre côté, elle est en normal. Ouais, pour avoir l'effet quand même. Mais bon, en vrai, quand tu joues assez. Ah ouais. Ah bah attends, de l'autre côté, elle est cold foil quand même. Elle est cold foil, oui, mais elle est full art sur le ah, côté. Ah, ça, c'est cool quand même. Hein. Ça, j'aime ça, c'est ça te plaît, ça. Hein. Et alors, ça, c'est assez cool. Ça, c'est assez cool. Ils l'ont sorti. Mais bon, quand c'est sorti au jeu, tu lis plus le texte. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est sorti avec History Pack 1 pour la sortie en français. Comme on a eu le jeu un peu plus tard que tout le monde, enfin français, italien, allemand et espagnol, hein, bien sûr. Ils ont sorti des versions exclusives et donc c'est full art, c'est full art foil, cold foil. C'est sorti exclusivement dans la version localisée. Ouais, pas mal, pas mal. Donc il y a évidemment les quatre langages. La troisième édition Bord Noir à Magic. Ouais. Ok. Bon, on a fait le petit point collectionnite. Ouais, mais bon, ça s'appelle un jeu de cartes à collectionner. Donc à un moment donné, il faut passer par là. Je n'aime pas ce nom. Jeu de cartes à collectionner. De TCG, ouais. Même Trading Card Game, je trouve que on l'utilise parce que on voit de quoi on parle. J'aimerais appeler ça un. Un jeu de stratégie évolutif. Un JCS, un jeu de cartes stratégique. Ouais, mais non, parce que jeu de cartes stratégique, on ne prend pas en compte le côté justement où il y aura une extension tous les. Tu vois. Un JDC ? Un jeu de duel de cartes ? Un jeu de duel. Non, parce que c'est pas forcément de duel. Il doit y avoir un nom, mais. Ouais, ça peut. Non, mais ça, ce genre de discussion, ça peut durer 8 heures. Ça peut durer longtemps. On va jouer, hein. On va jouer, je crois que les gens sont. Quelqu'un dit j'en pouvais plus. Comme toi. En vrai, un petit sondage. Compétitif card game ? Intéressant. CCJ, ça m'intéresse. un petit sondage pour savoir si vous êtes plus de la team Rof ou de la team Max concernant les cartes. À savoir, est-ce que vous êtes plus dans une optique de ce qui m'intéresse, c'est le texte un peu OSEF de la carte, c'est quand même mieux si elle est jolie, mais en gros un peu OSEF, ou si tout l'aspect esthétique est quelque chose d'important pour vous dans un jeu de cartes, ça m'intéresse. Bah allez-y, répondez. Mettez Team Rof, Team Max. Il y a du Rof. Avec un sondage, un truc, il y a bien un modo. Monsieur, vrai si, sondage. Si on a un modo qui est dans le coin, bah du coup, je veux bien un petit sondage. Sinon, dites-moi, je le ferai. Mais, en attendant, on peut répondre à Handful of Stars. Demande comment ça marche le booster draft avec ce système de héros. C'est vrai ça. Eh ben, ça dépend en fait de l'extension. Là, par exemple, le dernier set draftable, c'était Outsiders et il y avait deux héros de chaque classe. Donc, c'était évidemment des archétypes différents et en fonction de ce que tu draftais, après, tu t'orientais sur ton héros. Mais c'est pas fondamentalement différent de ce que tu fais quand tu draftes à Magic. C'est-à-dire qu'assez rapidement, tu vas savoir quel archétype tu as envie de jouer et tu vas drafter des cartes qui vont dans ce sens-là. Et c'est un peu pareil à Flesh and Blood. Parfois, il y a que 4 héros, 3 héros. Ça dépend vraiment de l'extension. Mais en gros, il faut essayer de te fixer. Il faut pas rester open trop longtemps à Flesh and Blood parce que sinon, tu peux te retrouver avec très peu de cartes jouables pour ton héros. Était vraiment foutu, mais c'est un format hyper équilibré et en fait la plupart des sets sont prévus pour le draft. Très bien. Les sets qui sont draftables sont envisagés et pensés pour le draft, donc les formats sont hyper équilibrés. Alors là, vous allez vous dire, parce que vous nous connaissez bien, ouais, je pense savoir. Comment ça se fait que ces cartes sont pas sleevées ? C'est vrai. Enfin, on est où là ? C'est vrai. Bon, vous avez raison, c'est simplement qu'on était à se dire, bon là c'est du deck préconstruit, on sait pas encore trop où on va. En général, nous ce qu'on fait, c'est qu'on... Quand on découvre un jeu, on ne le sleeve pas. Oh là 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 là.
Et pour la prochaine fois, voilà, quand, vous irez, quand vous aurez envie d'aller gagner des tournois, vous alors, pourrez le faire avec des sleeves de l'œil de Phidias. C'est Dragon Shield, c'est Dragon Shield, comment on appelle ça, custom, c'est ça? Ouais. Ouais, sauf que chez nous, ce sera Game Genie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que j'ai enlevé le truc. Nous avons, alors c'est très bien d'avoir regardé des sleeves, comment dire, perso. Nous, on a un partenaire. Qu'on adore. Ouais. Après, tu peux bosser avec Game Genic. Mais c'est vrai que, évidemment, que les cartes sont un de taille standard, sinon, on n'aurait pas fait cette émission. Oui. Et deux, moi, j'aime beaucoup quand elles ont un. J'aime pas en fait le bord noir. J'aime bien quand il y a le bord noir. J'aime bien quand il y a le bord noir et devant et derrière. Ça permet, quand tu les tiens comme ça, de pas dire ah bah tiens, j'ai cette carte là. Oui. Je vais un peu dans ton sens et un peu dans le mien. Vas-y. Bord noir, évidemment, sauf. Pour les cartes qui ne vont pas dans le deck. Pas. À partir du moment où tu les mélanges pas, tu t'en fous. Allez, d'accord. Tu peux me laisser du foulard sur mon plateau, non ? J'ai du foulard sur ton plateau. C'est bon, d'accord. Très bien. Je vais essayer de prendre ma revanche en tant que Benji le vent persan. Tu vas reperdre, tu m'as ouvert tout à l'heure. Alors, il y a un truc qui est hyper important avec Benji, et c'est pas forcément très simple. Commence pas à l'aider, hein. Non, mais c'est pas forcément très simple à appréhender quand tu débutes à faire Fan Mode. Dis-moi. C'est que c'est un perso qui joue vraiment bien sur la défensive et il faut essayer de profiter au maximum de ses armes qui sont incroyables. Ouais. Qui est probablement la meilleure arme du jeu. Moi, je joue pas du tout ninja, mais j'adore. Pourtant, on dirait pas comme ça. Hein. C'est un truc qui dit pour un, tu peux mettre une attaque. Mais en fait, les ninjas, c'est ça. C'est Death by a Thousand Cuts. C'est que tu mets plein de petits coups de canif à ton adversaire et tu vas finir par l'épuiser. Et pendant ce temps, toi, tu défends. Mais à chaque tour, il va se dire ah ouais, tu m'attaques à un. J'ai pas envie de bloquer avec une carte qui bloque à 3, un truc qui attaque à 1, tu vois. Mais au bout d'un moment, si tu le fais pas, bah, tu perds 3 à 4 points de vie par tour, tu vois. En plus, Benji, sa capacité, tu vois, on va expliquer. Ouais, les cartes, bah, effectivement, on va d'abord expliquer un peu nos persos. Donc, Benji, le vent persan. Les cartes d'action d'attaque, on est d'accord qu'action d'attaque, ça ne fonctionne pas avec eux. Parce que ça, c'est des armes. Ouais. Ouais, c'est des armes. Donc, les cartes action d'attaque que vous contrôlez avec 2 de force ou moins ne peuvent pas. Ouais, je suis à pas être dans ton sens, mais tu vas l'idée en fait. Puis je la lise. Voilà, allez, on peut le faire. Bon, c'est la même arme. Donc, je la lis, mais tu l'expliques. On fait ça comme ça ? Allez, on fait ça. Allons-y. Benji, le vent persan, effectivement. Les cartes action d'attaque que vous contrôlez avec 2 d'attaque ou moins ne peuvent pas être défendues par des cartes de la main. La première fois qu'une carte d'action d'attaque que vous contrôlez touche à chaque tour, votre prochaine attaque gagne plus 1. Donc en gros, t'as envie de faire. Mais c'est vrai que c'est des petits. En fait, je le prends par rapport à. J'ai bien aimé, moi, j'avais joué Dash. Pourquoi j'ai voulu reprendre celui-ci ? Je ne sais plus. Oui, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des équipements chez l'autre qui étaient un peu inutiles. Naze, ouais. Alors que là, au moins, tout peut un peu servir. Tu sais, il y a le truc qui dit tu préviens sur les dégâts. Ouais, c'est pour équilibrer. Ouais, c'est pour équilibrer parce que, en fait, comme tu es censé jouer avec, tout le set de deck. Et qu'il y a des héros comme Viscerai et comme Kano dedans qui font des dégâts d'arcane, il n'y a pas d'équipement de side, donc tu mets de base des équipements qui vont te permettre de défendre les dégâts d'arcane, mais il n'y en a pas assez pour défendre complètement les dégâts d'arcane, ce qui équilibre un peu le. D'accord. Petite explication là, du coup. Ouais. Ne peuvent pas défendre avec les cartes de la main. Bah du coup on défend avec quoi ? Tu peux défendre avec des cartes de l'arsenal si t'as des réactions de défense ou avec des équipements. Oui, une question pardon. Tu m'as bien eu, je suis en mode enfin mec il est con. En plus il l'a fait il y a 2 heures. Il sait très bien. Voilà, donc tu peux défendre avec des équipements, tu peux défendre avec des cartes de ton arsenal si t'as des réactions de défense. Okay. Et tu peux également c'est le seul truc avec lequel tu peux défendre, mais notons-le. Les cartes d'équipement, tu peux la plupart du temps les utiliser qu'une fois pour défendre. Donc c'est hyper limité. Les défenses contre Benji. Mais ici, par exemple, tu vas pouvoir défendre le premier, deuxième tour. Voilà. Donc c'est hyper limité et c'est aussi toute la menace de Benji, c'est qu'il peut t'attaquer à l'infini sans que tu puisses rien faire. Mais c'est vrai que je suis en mode je gratte quoi. Alors que lui, il met des pains dans la gueule. Il met des pains. J'arrive. Et il a sa petite épée là qui ne peut attaquer qu'une seule fois par tour. Ça lui coûte 1 de ressources pour faire cette attaque. Si vous avez une carte dans votre zone de pitch avec un coût de 0, le Kodachi harmonisé a encore une fois. Donc en gros, mais ça c'est intéressant. Tu l'as fait à chaque fois ? Toujours. Sure. La tête bravo, de ma fille. Non, effectivement, il y a énormément de cartes à 0 dans ce deck. Ouais, bah c'est le principe. Donc en fait, tu utilises tes cartes, enfin tes mana, ton mana. Tu utilises surtout pour pouvoir faire ce truc-là.
Mais, de base, t'as pitché un truc à zéro. Oui, t'as en fait, oui, c'est ça. T'as forcément pitché pour pouvoir faire l'attaque et t'as juste pitché un truc à zéro. C'est bon, je me doute que tu l'as fait. Bref, voilà, si t'as pas Gauguin, eh ben, tu fais que ça et puis. Tu fais que ça, donc c'est pas forcément très bien. Au niveau des équipements, vas-y. Comme ça, je finis avec mon perso et puis après, tu vas sur le tien. On a cette carte-là qui est plutôt pas mal, que j'ai dû me défendre avec. C'est un masque aux aspects changeants, en l'occurrence. Ton équipement de tête, il a réaction d'attaque, donc. Pendant la phase de réaction. Pendant la phase de réaction. Détruisez le masque aux aspects changeants à chaque fois qu'une dague touche ce tour-ci. Il se trouve que ça, ce sont des dagues. Voilà. Eh bien, excuse-moi, j'ai perdu ma ligne. Vous pouvez mettre une carte de votre main au-dessous de votre deck. Si vous le faites, piochez une carte. Donc, ça te permet de cycler. De cycler un petit peu. Creuser ton deck pour aller chercher tes cartes de combo. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de cartes, le gameplay de mon perso notamment, est de jouer des cartes avec la capacité combo. Et la capacité combo, alors je t'avoue qu'on a bugué, putain, on a bugué au début quand on a la carte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est normalement quand t'as. Tu voulais savoir ce que ça voulait dire. En fait, normalement, quand t'as une carte, qui se nomme elle-même, elle dit le double coup de poing attaque, fais ça, d'accord. Très souvent, ça redit la carte, tu vois. Et là, en fait. Au début, on lit, on fait « Mais attends, je comprends pas du coup, tu la joues à quel putain de moment, machin ?» Mais non, en fait, là, ça parle pas de la carte en question. Ça parle d'une autre carte de mon deck qui s'appellerait du coup « Coup au visage ». Voilà. Donc le principe est de dire « Si j'ai fait coup au visage, très bien, c'est très, 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 très facile à voir. Ça, du coup, je peux rejouer derrière. Et si je joue, eh bien du coup, celle-ci, alors je vais avoir un bonus. Et pour le coup, je pourrais pas rejouer puisque de base, elle n'a pas encore une fois. C'est vraiment, je fais des petits coups de poing et après, boum, je mets une grosse attaque qui va… pouvoir profiter et si jamais vous n'avez pas comme moi la chance d'avoir les cartes pile qu'il faut dans votre main, eh bien il y a quand même des cartes, j'en ai parlé vraiment tout à l'heure, où tu vas avoir l'eau, un truc comme ça, voilà, le truc de l'eau là, tu vas pouvoir tricher un petit peu avec les règles, voilà, soit comme l'eau, référence à Bruce Lee, mais impeccable, je ne l'ai pas, mais aucun souci, qui dit que quand elle touche, je peux payer en gros une ressource supplémentaire pour pouvoir eh bien, la nommer différemment. Et bah, du coup, ça me permet de trigger ce genre de truc. Donc, il y a un petit côté un peu combo qui est assez plaisant. C'est très light dans cette version-là. Il y a des decks qui sont full combo et qui sont incroyables, où tu peux faire des chaînes de combat avec 5, 6, 7 attaques. C'est monstrueux. D'ailleurs, je profite de ça pour faire une petite parenthèse. Je vous disais tout à l'heure que chaque attaque est un maillon de la chaîne de combat. Et en fait, ça a son importance parce que certaines attaques, par exemple, vont vous dire... Si cette attaque est le deuxième maillon de la chaîne, alors il se passe X. Il faut bien garder ces maillons faits. Le J en soi, détruisez le J en soi, la prochaine carte, action d'attaque que vous jouez ce tour-ci à moins 1 de d'attaque, m'écoute une ressource de moins à jouer. À savoir que du coup, là, c'est instantané. La plupart des cartes, en fait, c'est plutôt des actions. Des actions, c'est ça. Le principe de l'instantané, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir une action pour jouer, c'est ça. Ça te consomme pas ton point d'action, gros. D'accord. Est-ce que ça veut dire aussi que est-ce qu'il y a un principe de temporalité comme les éphémères à Magic, je peux les jouer à n'importe quel moment. Ok. C'est cool. T'as vu, je t'ai pas menti. Hein. Tu m'as pas menti. j'ai beaucoup douté. J'ai ensuite alors un équipement que je trouve hors de prix, mais ça peut peut-être m'aider un petit peu. Je dois en réaction d'attaque payer 2, la détruire pour gagner plus 1. C'est un peu le bout de, alors, bout de la bout effectivement. De la terre, d'accord. Ça paraît hyper cher, mais il y a un concept aussi qui est très important à Flesh and Blood, c'est les effets on-hit. C'est-à-dire des effets qui vont être plus puissants si tu touches, juste si tu touches ton adversaire avec un point de dégâts. Ouais, et ce truc-là, c'est une menace permanente de on-hit effect. C'est-à-dire que si ton adversaire bloque pile ton attaque, si tu peux dire à 2, il te bloque à 2, t'as toujours ça en menace, donc il va toujours devoir faire attention à ça. Donc c'est une bonne carte de bluff en disant je garde 2 mana open avant peut-être d'attaquer avec mes Kodachi là pour pouvoir dire attention je peux toucher. Voilà. Okay. Et c'est aussi important quand la partie s'éternise et que ton adversaire est à 2 points de vie ou à 1 point de vie, il est à 2 points de vie, t'attaques avec 1. Ouais, et du coup derrière tu peux dire il est obligé d'overblock. Ouais. Il peut pas bloquer. Du coup ça c'est bien en réaction attaque, ça veut dire une fois qu'il aura fait sa défense. Et enfin je finis avec mes petites sandales, mes petites babouches. Sandales de pied marin, réaction d'attaque, détruisez les sandales de pied marin. L'attaque ciblée avec une attaque de base inférieure ou égale à 1 gagne encore une fois.
Alors j'imagine qu'il y a des cartes qui du coup ont que 1 d'attaque, mais ça ne ouais, pas. Ou par exemple, si elles, ont, si elles sont trop, enfin oui de base, mais tu vois, tu t'en as vu, t'en as ouais, plein qui ont de base. J'ai eu ça 1. Par exemple, ce petit voilà. truc-là qui. En fait, il faut pas. En fait, le truc c'est que là, je commence à voir ça, je fais bah oui, mais ça a déjà encore une fois. Cette carte-là n'a pas encore une fois, donc le c'est fait intéressant de, ouais. de la voir, du coup, ça peut me permettre de faire ça. Donc on est vraiment sur un gameplay petite attaque ouais. Multipliée, ouais. contrairement à. Mon adversaire. Ouais, Flezef hein, qui a bien compris le principe, puisqu'il disait « Ah, mais du coup, avec cette carte, ça veut dire que si j'ai une carte à deux et que derrière, je la booste, bah, en fait, j'ai toujours l'effet de Benji. » Bien sûr. C'est pour ça oui, que... si tu la boostes en réaction d'attaque. Non. En fait, ça, c'est automatique. C'est passif. Alors... Attends. Benji. Les cartes d'attaque que vous contrôlez avec deux de ou force moins. Ou moins ne peuvent pas être défendues par la carte de l'agent. J'y ça... viens. Si je joue un effet, je joue une carte qui dit votre prochaine attaque a plus 2. Mm-hmm. Et qu'après, je joue une attaque qui a donc de base 1, ouais, mais qui en fait 3. A 3 ouais. parce qu'elle a plus 2, alors cet effet ne s'applique pas, puisqu'elle a 3. À l'effet de d'empêcher ouais. ton adversaire de défendre. Ah oui, ouais. je pensais qu'on parlait du plus 1. Ouais, je croyais qu'il me semblait qu'il passait la. Ok. Non, je pense qu'on parlait du. Tu vois, elle est imbloquable. Ouais. Donc on va y parler. Oui, bien en fait, elle est imbloquable. Si tu la fais passer à 3 ou à plus de 2 en tout cas pendant la phase de réaction. Ouais, pendant la phase de réaction. Ok. On est d'accord. Elle est bloquable par contre par une réaction de défense qui viendrait de l'arsenal. C'est d'abord je mets un truc à 2. Du coup, tu ne peux pas le défendre de ta main. Puis, là, si jamais je le booste, bah, par exemple avec ce truc-là, là, tu peux. Là, ok, elle devient bloquable, mais en fait, on a déjà passé la phase de défense, et du coup, t'es en réaction de défense, et tu peux pas jouer. Tu peux la bloquer qu'avec des réactions. Mais il y a des decks qui jouent aucune réaction de défense, ouais, évidemment, parce que c'est des cartes avec lesquelles nous, on n'a pas beaucoup de réactions à attaquer. Bah, les Rangers, c'est très difficile pour eux d'avoir des réactions de défense, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de flèches pour pouvoir attaquer. Oh. Comme leur arme n'attaque pas elle-même, il faut des flèches pour attaquer. Peut pas te permettre de te passer de... Parlons d'Azaleh. Ouais. Alors, je vais vous présenter ce personnage, effectivement. Alors, Azaleh, en gros, comment elle fonctionne je réfléchis à la bonne manière de vous l'expliquer. Je vais pas vous l'expliquer comme ça. Ah, je suis un peu chiant. Je suis un peu disrespect, quand même. Je suis un peu chiant, mais je pense que j'aime bien quand c'est clair pour les gens. Et donc, voilà. Azaleh, elle attaque avec des flèches, d'accord. Les 90% de mon deck, c'est des putains de flèches. Et c'est écrit là... Attaque de flèche. Traduction qui d'ailleurs un peu balbutiante sur certains trucs, parce qu'il y a des cartes où ils disent carte de flèche. Ouais. Et là, c'est attaque de flèche. Absolument. Bon, bref. En tout cas, elle attaque avec des flèches. Et toutes ces flèches ont le texte entre parenthèses ici qui dit les flèches ne peuvent être jouées que depuis l'arsenal. Et seulement si vous contrôlez un arc. Quand cette carte touche, bon, après, elle a un effet quelconque. Mais ce qui est intéressant ici, c'est son effet qui est entre parenthèses. Et du coup, moi, ce que je veux faire quand je joue au jeu, c'est que je... Merde, excusez-moi. Ouais, c'est ça. C'est que je veux, du coup, que cette flèche soit dans mon arsenal. Mais je vous ai dit tout à l'heure, oui, mais la carte, vous la mettez en arsenal. S'il vous reste des cartes en main, à la fin de votre tour. Et là, vous dites, ok, je la mets, face cachée, ici. Eh bien, en fait, c'est là que Azaleh se joue différemment des autres personnages. C'est qu'en gros, elle a... cet arc, qui s'appelle l'arc de naufragé. Et en gros, avec cet arc, je peux, une fois par tour, payer un mana pour mettre une carte flèche de ma main face visible dans l'arsenal. Donc, comme je peux la mettre pendant mon tour face visible dans l'arsenal, bah, du coup, je peux la jouer immédiatement. Et elle a un autre effet qui dit que si j'ai une carte dans mon arsenal face cachée, eh bien, je peux retourner la carte face cachée qui était dans mon arsenal pour la mettre face visible. Et si je le fais, je mets un marqueur visé sur cette carte. Le marqueur visé qui, en général, me permet de booster les dégâts de ma carte. Donc voilà, en gros, c'est soit j'avais déjà une carte dans l'arsenal, je peux la booster. Soit j'avais pas de carte dans l'arsenal et je peux en mettre une. Ça, c'est le pouvoir de mon arc. Et en gros, si t'as pas cet arc-là, tu peux pas faire cet effet. Donc c'est pour ça qu'elle a un gameplay particulier. Tu peux même faire les deux. Si t'as beaucoup de ressources, tu peux mettre la carte. Ouais. En général, ce que t'aimes bien faire, c'est que t'as une carte dans l'arsenal, tu la joues, puis... Enfin, tu la retournes, puis tu la joues, puis t'en remets une, puis... Enfin bref, il y a des trucs à faire. Et Azaleh, du coup, elle profite du fait d'avoir des cartes dans l'arsenal, parce qu'en gros, elle va te dire, pour zéro, une fois par tour, tu vas pouvoir prendre la carte que tu as dans ton arsenal, tu vas la mettre sous ton deck, et à la place de cette carte, tu vas mettre face visible ici, la carte qui était sur le dessus de ton deck.
Bon, il faut que ce soit une flèche. Mais en général, t'as une flèche, quoi. Et puis t'as pas mal de petites cartes qui te permettent de... Cela, Faiseur de veuve, on dirait que c'est une meuf, mais en fait, c'est une flèche. T'as pas mal de cartes aussi qui te permettent de contrôler un peu le dessus de ta pioche. Donc tu vas pouvoir, ouais, j'ai des cartes qui permettent de regarder ce que j'ai sur le dessus et de choisir un petit peu ce que je mets. Donc du coup, évidemment, j'ai un peu ce contrôle-là. Et du coup, une fois qu'elle est ici, face visible sur mon arsenal, et qu'elle l'est via cet effet, eh bien, elle gagne Dominate. Et en gros, comme elle a dominé, eh bien, tu ne peux défendre qu'avec une seule carte. Donc, quand je te mets une Faiseur de veuve, parce qu'elle l'a bien fait chier tout à l'heure, cette carte. Widowmaker. Quand je te mets une Faiseur de veuve qui dit qu'elle a 4, qu'en plus, je l'ai boosté parce que j'ai joué un autre truc avant, donc elle a 6, et qu'en plus, je te dis que si elle est défendue par moins de 2 cartes, elle a plus 3, et qu'en plus, je lui ai mis dominé. Donc, du coup, tu ne peux défendre qu'avec une carte. Et donc, du coup, elle a 9. Et bah, je fais l'avion. Hein. Et bah, bon courage. Ouais. Voilà. Donc, tu mets une carte, et puis tu prends 6 au lieu de 9, et puis tu vas te coucher, quoi. Voilà. Je l'ai vécu. C'est ça qui se passe. Ça, c'est bien elle passé. Elle a fait une veuve, effectivement. Voilà comment ça se joue. Alors, mon arc, mes équipements, ils sont assez basiques, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Ils sont pas super intéressants. En général, ils permettent de bloquer un, voilà. Éventuellement, il y en a un qui me donne du mana quand j'ai plus de cartes en main. Et il y en a un qui, effectivement, peut booster mes cartes si la valeur de pitch, étant, voilà. Ça booste ma carte de X étant 3 moins la valeur de pitch de ma carte. Donc, je tire la carte. Si c'est rouge, bah, c'est moins 1. Si c'est jaune, c'est moins 2. Si c'est bleu, ça booste pas. Voilà comment ça fonctionne. Et mon arc me permet juste de mettre un marqueur. Bon, on a carquois. Me permet de mettre un marqueur visé sur mes flèches. Arsenals qui sont phase visible. Sinon, pas déjà le marqueur. Ça met un petit bonus. Ok. On peut peut-être faire un dernier point sur. Enfin, parce que je trouve ça rigolo. C'est pas déterminant, mais sur les équipements. Les équipements de tête vont toujours jouer sur la gestion de ta main, sur la pioche, sur le fait de manipuler le dessus de ton deck. Un peu intellect, quoi. Les équipements de torse vont toujours jouer sur les ressources, quasiment. D'accord. Toujours, quoi. La plupart du temps, vont jouer sur les ressources, vont t'aider à payer des trucs moins chers ou te faire gagner des ressources. Les équipements de bras vont booster tes attaques. Et les équipements de jambes, vont souvent te donner des points d'action ou te permettre d'avoir du go again ou de récupérer ton attaque. Élégant. C'est élégant. Ça c'est beau. On peut y aller ou alors tu peux décider que je vais gagner de toute façon et du coup on s'arrête là. On commence par le toss parce que c'est très important. Le plus grand. Alors, y a-t-il une application pour compter les points de vie? Il y en a une. Tu veux qu'on la mette? C'est genre une officielle qui est bien, qui est stylée. Non, elle est stylée, mais elle n'est pas officielle. Ça me va tant qu'elle est stylée. Parce que nous, on utilise Life Total en général, qui marche bien. Mais il y en a une avec les portraits des héros. Voilà, c'est ce que je veux. Ça, là, tu me parles. Là, ça, tu me rien, ça sert pas à rien. Ça sert à être dans le jeu. Le flavor, ça. Bon, mais je suis pas dans le jeu, peut-être, là, avec mes cartes. Là. Vas-y. On a foutre, j'aurais pu avoir un des Magic, c'était pareil. Hein. Lance ton dé. Bon, le plus grand. Bah, c'est un des Magic. Hein. Je sais. 11. T'as plus une chance sur 2. Allez. Cassé. Non mais nique ta mère, cassé. 100%. 17 ou 18 ou 19, tu vas faire quoi? C'est un dé de points de vie, de toute façon, il est pas random. Allez. C'est parti, vous noterez que Benji commence avec 17 points de vie. Ouais, déjà ça commence. Parce qu'il peut mettre des dégâts gratos. Donc forcément, s'il avait autant... Ah oui, s'il m'a mis des dégâts dans la gueule. On va bien là. Bon, on va le mettre là, c'est parfait. Ça paraît bien. C'est super, c'est tout ce que j'aime. C'est parfait. Tu vas pas recevoir un sexto Non, je me suis mis sur... J'ai eu peur parce que ça m'arrive évidemment toutes les 5 minutes. Donc je peux pas me permettre. C'est ça. Elles sont inarrêtables. Alors, ce que je propose, c'est que... On joue en expliquant rapidement ce qu'on fait. Et si tu as des précisions à amener, évidemment. Si je vois d'énormes erreurs qui sont game-breaking, j'aimerais, parce que je sais qu'en général, quand les gens savent jouer, ils ont envie de faire ça, j'aimerais que tu nous laisses faire nos erreurs et qu'à la fin de la game, éventuellement, tu puisses nous dire, là, tu vois, t'aurais pu faire ça. Là, je vous dirais juste globalement, si vous avez joué comme il fallait. On a une note à la fin. Bah ouais, évidemment. Évidemment. Donc, je joue en premier, ce qui, spoiler, me convient particulièrement. Alors, par contre, je vous préviens. Désolé pour ceux qui regardent cette émission. Moi, je fais partie des joueurs qui sont un peu lents. Donc, il va falloir être petit peu patient. Ça compense un peu. C'est marrant parce que toi, t'es rapide au jeu de cartes et t'es lent au jeu de société. Ouais, là où moi, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, bref. Allons-y. Je crois que c'est quoi le nom de l'appli pour les points de vie?
Ça s'appelle Fab Life, celle-là. Fab Life. Ok. Oh, ce qui est logique, Fab, Flesh, Flesh and Blood. And Blood. Yeah. Ok, je crois que oui, ça va être ça, t'as gagné, mais je te mets 5 sur 20. Le roughback est interdit, oh, il est toléré, dans notre tour. Ah, on est censé apprendre à jouer, là. Oh. Ça existe depuis 2019. Je réponds aux questions pendant que tu réfléchis. Vas-y, c'est ouais, très bien. Y a pas très bien de problème. De toute façon, on va prendre un peu de temps pour lire nos cartes. Ça existe depuis 2019, mais c'est arrivé en France en gros depuis 2021. C'est facilement trouvable. Moi, j'ai commencé en 2021. Une grande partie des joueurs français s'y sont mis à ce moment-là parce que c'était l'extension, l'extension qui a le plus marché à l'époque, qui s'appelait Monarch. J'ai une question, Greg. Qui est vraiment un détail qui me semble être assez insignifiant, mais je crois que dans certains timings, il n'y a pas de détails dans les règles. Voilà, y a, dans certains timings, ça peut être important. Est-ce qu'on est d'accord que dans Flesh and Blood, on joue son action, puis on pitch pour payer ? Tu ne peux pas pitcher sans avoir d'action à faire. Pourquoi ça ? C'est pour éviter que tu puisses stacker du pitch à l'infini et faire des combos de bâtards. On peut utiliser ce genre de mots. On peut à peu près tout dire. Y a eu des combos, dans l'histoire du jeu, il y a eu des combos un peu broken qui n'étaient jamais liés aux ressources, mais du coup, pour éviter que ce soit trop facilement réalisable, elles ont été tuées dans l'œuf. Impeccable. Je vais jouer scruter la périphérie pour 0 et on va zoomer sur cette attaque pour la vivre ensemble. Hop, je vais donc scruter la périphérie, ça me coûte 0. Je vais regarder la première carte du dessus du deck du héros ciblé, donc je peux regarder la tienne, mais je vais regarder la mienne, c'est ça qui m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. La prochaine carte, action d'attaque que vous jouez depuis l'arsenal ce tour-ci, gagnera plus 3 dégâts. Go again. Je t'écoute pas, j'en ai rien à foutre. D'accord, c'est à moi de. C'est... Non, non, t'as rien à faire. Bon, a priori, tu vas t'en prendre un peu plein la gueule, c'est tout. Ok, mais viens. Là, j'ai scruté à PFP. Ok. Alors, ça, c'est intéressant. C'est une action. C'est pas une action d'attaque. Non. Est-ce qu'elle représente un maillon de la chaîne ? Non, parce que c'est la chaîne d'attaque. Donc là, il l'a mis dans sa défausse direct ? Donc là, elle va direct dans la défausse. Ouais, elle va dans ta défausse maintenant, ouais. À partir du moment où elle est. Ça. Quand tu vas jouer une attaque. Mais... J'aime pas faire ça parce que c'est le genre de truc où je vais oublier de mettre le plus 3. Donc pour moi, je peux vais laisser quand même là la pour laisser garder. Tu peux laisser l'effet là si tu veux pour montrer qu'il est encore actif, mais à partir du moment où l'effet aura été actif, ce qu'on fait en général, c'est que tu mets la valeur d'attaque avec des dés sur ta carte pour représenter combien l'attaque et pour que ton adversaire soit. Tu vois, il y a des rule sharks qui aiment bien ne pas mettre de dés juste pour dire à l'adversaire, bah t'as qu'à savoir combien ça fait et tu défends en fonction de ça quoi. Bon, ils emmerdent ceux-là. T'as pas entendu ce qu'il vient de dire, mais en fait, il était en mode tu mets un dé. Comme ça, ça te permet de voir précisément où est l'attaque. Combien t'attaques et ton adversaire sait à combien il doit défendre. Et bah, attends, pourquoi tu saurais pas ? Parce que justement, tu mets ça en ta putain de défausse et tu dis ok, ma prochaine attaque à 3. Ça permet en fait, avec tous les bonus que tu peux avoir, dire ok, là j'attaque. Ah, t'as même pas besoin de lire la carte quoi. J'attaque avec 6. Et du coup, ça me va très bien. Donc là, il y aura un plus 3. Putain ! Il y en a un plus 3. J'essaie de jouer mon deck comme il faut. Mm-hmm. Donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Je vais donc. Je vais pas faire ça. Je vais faire l'instantané de. Pardon, excusez-moi, je fais des bêtises. Rien là, je vais faire ça. Je vais faire l'instantané de mon arc qui dit que je peux mettre une carte de flèche de ma main face visible dans mon arsenal. Stop ! Max, une prédip sur qui va win la game ? Bah c'est moi, donc il n'y a pas besoin de prédire. Si vous voulez le faire, d'accord. Est-ce qu'il y a un modo ? Modo ! Il y a un modo ? Il n'y a pas de modo ? Dites-moi ! Pas de modo ? Il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Je peux le faire, slash prédit. C'est facile, là, comme ça, à distance. Hein. On est bien. Prédiction. Vas-y, on y va. Allez. Tu vois, en général, ils disent qu'Orpheus va gagner. Ils se trompent, tu vois. C'est moche. En vrai, je fais pas le malin parce qu'il m'a un peu fessé tout à l'heure. Non, mais ça peut avoir des sorties insane aussi à Zalé. Donc il faut faire très attention. Et s'il réussit à faire ce qu'il veut c'est sur parti. Le premier tour, tu peux prendre très cher. C'est ça le problème. Oui. Et tu pars avec un énorme désavantage. Je crois que j'ai mis genre 5 minutes. Fais chier, c'est trop long. Bon. Ouais, ça va, tranquille. Ah non, parce qu'ils vont très vite comprendre à la fin de ce tour que tu vas jouer. Ouais, j'aime bien ça tourne. Voilà, prends ton temps pour expliquer à quel point il va se faire. Ouais, je vais prendre mon temps, effectivement. Je vais donc faire l'effet de mon arc naufragé qui fait que je vais pouvoir mettre une carte de flèche de ma main face visible dans l'arsenal. Pour pouvoir le faire, je dois payer cette ressource. Je vais payer en pitchant
une carte bleue qui me donne donc 3 ressources. Comme t'as payé. Je paye 1, donc il m'en reste 2. On appelle ça des ressources flottantes. Ok. Voilà. Et je vais... Alors, est-ce que tu m'autorises... J'ai révélé cette carte, donc je sais laquelle c'est. Mmh. Juste comme je suis con, j'ai oublié. En fait, je sais laquelle c'est, mais je vais vérifier un truc. Tu sais quoi, si c'est une flèche ? Non, je vais voir si elle a go again ou pas. Ah. Vas-y, vas-y, laisse-la. Les flèches n'ont pas go again en général. Ok. Ce serait broken. Non, j'en ai quelques-unes qui ont go again. Hein. Il y en a. Oui, oui, mais voilà, il y a celle-là. C'est une petite flèche. C'est très récent. Elles font pas de dégâts, c'est vrai, elles font très peu de dégâts. Et il y a un héros actuellement qui s'appelle Lexi, qui est une ranger aussi, qui a des flèches qui ont go again grâce à l'arc. Et c'est. Absolument monstrueux, et les effets sont dévastateurs. On va passer Lexi. Les aléas sont très fortes aussi. Du coup, je vais poser. Alors, attends que je fasse pas de bêtises. Oui. Je vais poser le tir triomphant, atrophiant, pardon, dans mon arsenal. Mais je ne vais pas le jouer. Je vais faire l'effet d'Azalée, qui me dit qu'une fois par tour pour 0, je vais pouvoir mettre ce tir atrophiant sous mon deck et prendre la carte qui est sur le dessus de mon deck pour la mettre face visible. Dans mon arsenal, cette carte a désormais domination, enfin dominé, et cette carte s'appelle Faiseur de Veuve. Ouais, il commence. Commence avec sa combo. Oui, bah, c'est littéralement le meilleur premier tour que je puisse faire, je pense, mais si ce n'était que ça, ce serait pas drôle. Je vais avant ça jouer. Ouais, j'aurais bien aimé faire ça, mais tant pis, je crois, on va pas abuser. Ah, quoique je pourrais la mettre en arsenal à la fin. Qu'est-ce que je préfère ? Je crois que je préfère la mettre en arsenal à la fin. Mmh. N'abusons pas. Donc je vais la garder plutôt que de tout bourrer comme un con. Et donc je vais... Alors là, je pourrais mettre un marqueur. Sauf qu'elle, elle n'a pas d'effet avec le marqueur. Donc j'ai juste overkill en mana cette carte. Tant pis. Très bien, je fais là. Je vais donc jouer... Ah, attends, est-ce que je peux pas le faire avec le brassard de la foi ? La carte pitchée. Si jamais je veux pitcher, par exemple, pendant le tour adverse pour, ouais. Faire une réaction. Est-ce que je la garde jusqu'à la fin de mon prochain tour ou est-ce que à la fin de chaque tour, les cartes pitchées, on les dégage ? Tu perds les ressources. C'est pas la carte pitchée, mais ça revient même. Ouais. En fait, à la fin de chaque tour, que ce soit le tien ou celui de ton adversaire, les cartes qui sont dans la zone de pitch retournent sous ton deck. Je vais tout de suite jouer le brassard de la foi. Comme il l'a dit, parfois le premier tour est le meilleur mais tour. Mais ah, j'y vais. La foi. Vas-y. Le brassard de la foi, voilà ce qu'il fait. Hop là. Ah oui, c'est le. Bon, Tu veux pas le faire à un moment donné où tu sais la carte qui est au-dessus ? Bah, tu l'as fait là, du coup, la carte qui est au-dessus, non ? Non, puisqu'il a. Ah, il a. C'est Widowmaker. T'inquiète, j'ai de la chatte. brassard de la foi. Donc, action, je vais détruire ce brassard de la foi et je vais révéler du coup la première carte du dessus de mon deck. Si vous le faites, la prochaine carte d'action d'attaque que vous jouez ce tour-ci a plus X attaque, X étant 3 moins la valeur de pitch. Bleu. Donc là, si j'ai du bleu, je suis déçu. Si j'ai du jaune, c'est dommage. Si j'ai du rouge, je suis content. Et c'est du bleu. Du rouge, je suis un grand joueur et donc elle est révélée, elle n'est pas défaussée. Donc maintenant je sais que j'ai ce tir au-dessus. Je vais donc détruire et jamais dans la défausse. Non, ouais. Oui, les équipements ils vont dans la défausse, mais de manière générale, on mélange comme tu l'as vu tout à l'heure. Beaucoup de joueurs mettent des top loaders sur leurs cartes d'équipement puisque les équipements souvent c'est des cartes un peu chères. Donc ça, quand tu les mets dans la défausse, ça se voit et ça gêne un peu le truc. Donc c'est accepté que tu les mettes, que tu les retournes. Tu les dégages, d'accord. Ah, okay. Bien joué, c'est voilà. Bien ça. J'aime beaucoup ça. Sinon, tu peux les mettre dans la défausse. Comme là, elles sont pas slivées, donc tu peux aussi les mettre dans la défausse, c'est comme tu veux. On retourne à notre combat. Que je dise pas de bêtises, j'ai donc plus 3, plus 2, donc en fait plus 5. Je vais jouer Faiseur de Veuve. Elle a donc 4 plus 5, 9. Tu ne peux défendre qu'avec une seule carte. Et donc, elle aura plus 12. Enfin, elle aura 12. Eh bien, je vais calmer un petit peu tes ardeurs. Non, non. Oh, non. Je fais une attaque à 12 sur 1. Là, normalement, c'est le moment où tu fais... Bravo. Alors, on a fini. T'es un grand joueur. C'est bien Flesh and Blood. Hein. C'est voilà. Un super jeu. Bah après, ça donne envie, non ? J'ai eu un super premier tour. Hein. Je vais commencer, mon cher Maxime. Même si j'ai mis 3 heures à le faire. À te proposer... double coup de poing en défense. Donc ça veut dire que je vais prévenir 3. Moins 3. Est-ce que j'ai une réaction d'attaque ? Non. Mais non, même pas. Parce que moi, j'ai pas fini de défendre, en fait. Mais non, j'ai domination. Donc t'en mets qu'une. Oui, mais on est d'accord que je peux me mettre des cartes de mon équipement, non ? C'est pas ça ? Ouais. Bon, alors tu te calmes un petit peu. Je vais te... Hein ? Attends. Désolé. Ouais, on en a parlé avant la game, donc il le sait maintenant. Ah, bah tiens, on va mettre le masque aux aspects changeants. Qui prévient que 1, mais qui en fait, du coup, a prévenu 4 en tout, puisque du coup, bah, j'ai effectivement défendu avec 2. Bien joué.
Merci. Tu es une merde. Regardez les déçus. Je suis déçu, j'étais tellement fier. Alors, juste, je le mets comme ça, ça fait un peu. Quand on défend avec des cartes, ouais, on a tendance à les mettre comme ça. Ah, ok. Tu vois, comme ça, tu les mets comme ça et on voit les valeurs de défense. C'est juste pour montrer que, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de. Pour qu'il comme pas ça, tu ne prends pas la carte. Lesquelles, on sait ce qui attaque, on sait ce qui défend, on sait ce qui est réaction d'attaque, réaction de défense, machin. Ça me va. Ça me va. Du coup, je te mets 12 moins 4 moins 3. Ouais. Je le calcule comme ça. Calcule comme ça. Donc 12 moins 7, hein, ça fait chier, hein, ça fait 5. 5. Hein. Pas mal, 5. Quand même, ah non, 5 sur le tour 0, c'est monstrueux. Pas mal déjà, 5. Mais j'allais lui laisser. Je sais que t'es déçu. J'allais lui laisser 12. Comment ça, c'est bien. Déçu, mais normalement, t'es content. J'ai envie de pleurer du sang. Comment ça, c'est bien. J'ai pété un équipement exprès et tout. Mais on en a parlé juste avant. Je vais poser la question avant en plus. Enfin, on a parlé de cette carte là. Bref. Bon, évidemment, je vais mettre en arsenal, du coup, la carte qui restait dans ma main. Donc c'est la fin de mon tour. Je vais faire ça. La carte qui est en pitch va sous mon deck. Puis, je refile ma main de 4 cartes. Et c'est au tour de Rof, qui lui aussi se refile de X cartes. C'est là où quand même, c'est bien. Parce qu'on est à la fin du premier tour, mais ce n'est que pour le premier tour. C'est là où c'est bien quand même que tu aies eu dominé. C'est qu'en fait, là, j'aurais pu me débarrasser de toutes mes cartes. Et là, du coup, j'en ai qu'une à refile. Ouais. Donc, quand même, c'était bien joué, mon cher Max. Juste, je pense que j'ai fait le meilleur tour que je pouvais, même si j'ai mis 1000 ans à le faire. J'étais un peu calme. Non, ça fait un peu chier que... Excuse-moi de proposer un peu de... Ah, tu l'empêches de jouer avec ses cartes, quoi. Et du coup, je me dis, heureusement que j'ai joué le brassard, ça m'aurait encore plus déçu. T'aurais mis. J'aurais mis 3. J'aurais mis 3 au lieu de 10. Tiens. Ça m'aurait détruit. Bien. Alors. Oui, c'est le même écart, mais. Et alors. Alors, laissez-moi réfléchir 2 secondes, parce que du coup, j'ai récupéré une carte qui change absolument tout. Après, j'ai l'impression que. Et ça, tu me le diras à la fin de la partie. Le brassard que j'ai utilisé, je lui disais parce que j'ai gridé et que j'étais en mode. Je vais lui mettre 12, c'est marrant. Mais je pense qu'en fait, tu as plutôt envie de l'utiliser dans une configuration où tu vas mettre genre 2 ou 3 dégâts et tu as envie de mettre 4 ou 5 pour l'obliger à mettre 2 cartes pour se défendre. Hein ? J'y suis, je crois. Je dis rien, mais on en parlera à la fin de la game. Parce que souvent, il y a beaucoup de cartes qui ont 3 de défense. Et du coup, dépasser la valeur de 3 en attaque, ça a beaucoup de valeur. Ça casse les couilles de ouf. Notamment parce qu'il y a des cartes qui ont des effets qui disent « Si vous touchez, alors il se passe ça ». Du coup, tu as très envie de faire des attaques qui font 4. Parce qu'en général, le mec va se défendre à 3. Du coup, tu vas quand même toucher. Et du coup, tu vas appliquer l'effet. Et du coup, tu te régales. Bon, on est au premier tour de jeu. J'ai le double de points de vie de toi. est-ce que je vais faire à bouffer ou tu veux Il est censé. Je rappelle qu'il est censé jouer très vite. T'as 2 secondes FDP là, j'ai joué lentement, mais j'ai parlé tout le long. Le problème, c'est que moi, j'ai des cartes combo, frère, donc il faut que je sélectionne des trucs que toi, je vais récupérer. Toi, t'as joué un deck qui était par là, hein. Moi, j'ai joué un deck qui était par là. Donc, mon deck est plus difficile à jouer, c'est écrit. Je crois que j'ai mon play. Donc, je vais. Tout ce qui est écrit sur les cartes, c'est la vérité. Donc, ça, exactement. Je setup. Ok. Au prochain tour, enfin, à la fin du tour. Ouais, je peux dire déjà, quand j'ai commencé à comprendre le truc de tu dois poser une carte pour l'échanger ensuite derrière, machin, je fais wow. Je suis un joueur de l'Orcana, moi, calmez-vous. Ok. Franck, les cartes comme Ravenous Rabble là, qui révèle la carte du dessus de ton deck et qui a Gauguin et qui te montre la carte qui a moins X. Un petit intérêt. Après, tu peux utiliser Azalea en toute connaissance. Voici mon play, mon cher Maxilan. Je vais pitcher un coup au visage qui est bleu. Tu vas jouer une action. D'abord, tu fais une action et tu la paies. Oh, vous me cassez les couilles. Non, non, non. Et est-ce que tu détapes avant de piocher? Vous me cassez les couilles. C'est à mon tour de te faire chier. Je vais du coup faire l'action. Ah oui, alors. Ouais. Ça marche ou pas? Est-ce que je peux faire ma première action ça avec le Gauguin? Ah ouais. Sachant qu'il y a marqué, si vous avez une carte dans votre zone de pitch avec un coup de 0, il a encore une fois, mais au moment où du coup je fais l'attaque, il peut le gagner après. Gagner après. Ça marche. Si tu l'avais pas, ça pourrait complètement le gagner après. Tu peux bluffer ton adversaire en lui disant ah bah oui, mais là j'ai pas de carte pour le moment, j'ai pas Gauguin. Donc il te dit bon ok, je me le prends pas, et puis tu lui mets une réaction en pitchant avec une carte zéro de coup, et tu donnes Gauguin pendant l'attaque. Ok, ça marche. Il y a plein de moves comme ça avec d'autres héros aussi. Intéressant. Faire le move classique, hein, sera pas mal. j'ai dépensé, j'avais 3 du coup parce que c'est bleu, ça me fait 2 puisque j'ai dépensé ce truc-là pour attaquer. Si vous avez une carte dans votre zone de pitch avec un coup de 0, ce qui est le cas, il a encore une fois. Je vais donc attaquer avec mon Kodachi harmonisé, parce que toi du coup tu fais des plans à 12 là, moi je te propose 1 dégât. Et donc, tu peux le mettre de ton côté. T'es pas obligé de rigoler. C'est ton côté. Quand je te. Non, je rigole pas. Par contre,
Juste, j'explique aux gens. Donc là, le dilemme que j'ai, c'est soit je gâche une des cartes de ma main que je n'aurai donc plus pour ma phase d'attaque. Le problème, c'est que la plupart de mes cartes défendent à 3. Et donc, gâcher 3 de défense pour 1 d'attaque, ça fait chier. Mais en même temps, il a probablement dans son deck des trucs qui disent que si la carte d'avant a touché, alors il se passe X. Donc, son petit 1 de dégâts, j'ai quand même pas envie qu'il me le mette. Donc, je vais prendre un dégât. Voilà, c'est-à-dire, donc je joue mal. On en arrive souvent à ça. Sinon, entre gars. Tu sais, tu peux aussi péter tes... Non, pas maintenant. Ok, j'ai été mis 1, j'ai go again, je recommence. Cette fois-ci, je vais vous proposer, mon cher ami, un truc qui coûte 1. Et qui dit... Quand cette carte touche, votre prochaine attaque de Dax ce tour-ci gagne plus 1. Et elle a encore une fois. Le fait est que... Celle-là, a priori, j'ai envie de la bloquer. Le fait est que, comme j'ai Benji le vent perçant, eh bien, les cartes actions d'attaque que vous contrôlez avec 2 de force ou moins ne peuvent pas être défendues par des cartes de la main. Ça veut dire que ça t'obligerait à péter un de tes équipements. Avant ça, juste un truc à faire. Je vais pour ça juste faire un truc, Max. Tu vas me l'autoriser. Non. Je vais te rendre la tâche encore plus difficile, puisqu'en fait, je vais utiliser mon géant en soi pour faire ça. Donc, ça veut dire que je l'ai détruite en fait, pour faire en sorte que je n'ai pas à payer 2. Puisqu'en fait, donc, la prochaine carte action attaque que vous jouez ce tour-ci a moins 1, donc elle a que 1. Et elle coûte 1 de moins à jouer. Donc, ça me permet en fait de la jouer gratuitement. J'ai perdu ça. Mais elle a moins 1, elle le met que 1. Est-ce que tu veux défendre ? Avec une carte donc, qui n'est pas de la main. Je vais le faire et je vais défendre avec la crête de l'éclaireur. Alors, ouais. Ok, il vaut mieux sacrifier les jambières plutôt que la crête parce qu'il y a un effet dessus. Oh, il a essayé de mal. Oui, sauf que moi je veux l'effet, la crête. L'effet qui dit, quand vous défendez avec machin, regardez la première carte du dessus du deck du héros ciblé. Je veux maintenant ton effet. Bah je crois que je sais pas encore ce qu'elle a. Ok. T'as aucun moyen de l'avoir. Ah, il me semblait que t'as okay. Ouais. Planté sur la carte. Mais mec, t'as très bien joué, frérot. Mal vu. Je veux pas dire de bêtises, mais... Ok. Non. Alors, ou alors... Non. Non. Je vais donc, je regarde la carte. Bon. Bah, je suis content de l'avoir. Non, ouais, c'est bien, c'est bon à savoir. Je vais faire une réaction d'attaque. Ouais. Il y a pas beaucoup dans mon jeu. Et ça me coûte 1. Ça s'appelle courte mais tranchante. Et ça dit l'attaque de Dax ciblée, donc c'est pas le cas. La carte d'action d'attaque ciblée avec une base de force inférieure ou égale à 2 gagne plus 3. Donc en fait, elle, je la fais passer pas. Elle était à 1 de base. Elle était à 2, 4. Moins 1. Je lui remets 3, donc elle est à 4. Il m'a bien baisé. Un peu. Bon, après, j'aurais pu défendre de 2 au lieu d'un. C'était pas non plus. Ça te va ou pas ? De toute façon, j'ai pas le droit de défendre, donc fin. Bon, tu l'as fait, mais tu prends. C'est bugué. Oui, 3, puisque du coup, tu as 4 moins 1. 3. Comme j'ai touché avec ça, c'est donc. Je trigger ça. La première fois qu'une carte d'action d'attaque que vous contrôlez touche à chaque tour, votre prochaine attaque gagne plus 1. Là, ma prochaine attaque a plus 1. Et ta prochaine attaque de dague gagne plus 1 aussi. Parce que t'as attaqué avec la carte, t'as touché avec la carte en question. Avec la carte en question, bien sûr. Tout à fait. Donc ça a été cette chaîne-là. Donc en gros, effectivement, j'ai plus 1. Plus 2, 6. Ouais, plus 1, bien sûr. Et bah ça tombe bien puisqu'il me reste 1. Et donc avec ce 1, voilà. Ouais. Avec ce 1, je vais du coup venir avec cette dague qui du coup a pas 1 mais 3. Donc elle a plus. Alors non, ça c'est quoi ça c'est que sur les actions d'attaque. Ça marche pas sur les armes. Ah merde. Par contre, si t'arrives... Action d'attaque que vous... Imaginons que t'es une carte en main, la dernière carte que t'es en main, c'est une carte à 0. Ouais. Tu peux attaquer à 2 avec ça, et à l'attaque en question, plus 1. Si t'as envie d'attaquer avec. Donc, ici, j'ai plus 1 parce que j'ai ça. Et quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. Et sur l'autre, t'as plus 1 parce que... Et sur l'autre, j'ai plus 1 parce qu'il y aurait Benji qui dit « La première fois qu'une carte d'action d'attaque que vous contrôlez touche à chaque tour, votre prochaine attaque... » La prochaine fois qu'une carte action d'attaque que vous contrôlez touche à chaque tour, la prochaine, non, je crois que c'est elle qui a plus 1. Ah oui, ça marche sur les Kodachi, ok. Ça marche aussi sur la tag. Tu as 3. Il y a 3. Est-ce que tu veux défendre ? En plus, c'est un move de base en scellé. 1.
tu m'as mis 3, et là, tu m'en mets 3, ça veut dire que tu m'infligerais plus. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au cul un peu. Ça fait mal au cul. Un peu mal au cul. Mais et pourtant, merde, avec mes petits coups de cœur. Il attaque avec des cailloux, ce bâtard. Ce Benji. Mes petits canifs. Il met 3. Bon. Le canif qui est bien sûr un petit fien. J'ai oui, un petit fien. On l'a. Est-ce que je vais défendre? La réponse est oui. Allez, Rof, Nicolas, je vais tout donner, Nico, pour toi. J'ai juste besoin d'un tout petit peu de réflexion. Alors, quelqu'un a posé une question. Enfin, c'est une question intéressante. Roftri, je fais gaffe. Donc, effectivement, Max. Oui. Donc là, en gros, tu pouvais pas défendre avec une carte de ta main. Mm-hmm. Puis j'ai ajouté de la force à cette carte-là. Et donc, il pouvait défendre avec une carte de sa main, mais c'était que des réactions de défense. Oui. Donc, on en a parlé en spoiler, j'en ai parlé. On voilà. sait qu'il n'y en a donc, pas dans le deck. Mais vous avez raison. Potentiellement, il pouvait. Le boost, il pouvait. Ouais, c'est vrai. Et là, en l'occurrence, il peut défendre l'attaque de Kodachi parce que c'est pas une action d'attaque. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est les cartes action d'attaque que vous contrôlez avec deux ou moins, de pions ou moins, ne peuvent pas être défendues par les cartes. C'est quoi ce symbole-là? C'est puissance, attaque, le jaune là. On appelle ça attaque. Attaque. Mais tu dis puissance. Ouais, je suis pas me. J'ai envie de faire ça. J'ai quand même envie de faire ça parce que c'est fort. Mais ça... c'est ça la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as besoin de toute ta main là? Est-ce que tu vas pouvoir utiliser ta main et garder un arsenal? Je suis en train de voir ce que je dois jeter. C'est une question compliquée. Donc ça, je pense que c'est bon. Et en même temps, il va me falloir un peu de mana aussi. Hein. Il y a un moment donné où quand tu as que du rouge dans la main, tu fais pas le malin. Et tu vois, c'est ça qui est passionnant dans Flesh and Blood, c'est que dès les premiers tours déjà sont hyper hyper deep. Tu te poses des questions parce que tu as plein d'options alors que tu as 4 cartes en main. T'as beaucoup d'options malgré tout. Décides de jeter une carte à la poubelle. Ouais. Mais de défendre de 3. Défendre de 3. Tu m'as eu, frérot. Je n'ai pas d'effet de plus. Combien? Voilà. Donc, je récupère les cartes qui vont dans ma défausse. Et je vais, moi, mettre cette carte-là en arsenal. Voilà. Toi, tout ça va dans ta défausse. Alors, attends, aussi. Je vais quand même récupérer mes armes. C'est mieux qu'il garde. Tu le veux bien. Ça, je vais mettre du coup en dessous. Ouais. Et ça, dans ma défausse. Voilà. Mets-lui bien le doigt dans l'œil, là. Ok. Je vais. Est-ce que ça fait bien ce que je. Oui, on va faire ça. On est un très grand joueur. Par contre, ça va être technique. Mais en fait, on va falloir qu'on fasse ça. Ça me fait chier, mais je vais devoir le faire. On est type arme. Oh, mais attends. Oui, c'est bon. On va faire ça, puis ça, et ce sera suffisant. Je vais. Faire l'effet de l'arc, pardon, si vous voyez. Ah non, vous voyez pas. Je fais mon effet de l'arc de naufragé qui me dit que je peux retourner une carte de flèche face cachée dans mon arsenal face visible. Si je le fais, je mets un marqueur visé sur elle. Donc, je vais payer. Voilà. Est-ce que c'est pas cher payé juste pour ça? C'est un peu cher payé, hein. Est-ce que c'est pas le bout du monde? Je crois que c'est le bout du monde. Hein. Je crois que cette carte, sa seule volonté, c'est de se faire dégager. Mais pas aujourd'hui. Du coup, je vais juste la jouer pour ce qu'elle est, je crois. Ouais, on va faire ça. Je vais pas faire l'effet de mon arc. Je vais juste jouer ça pour 0. Quoi de beau ? Ah, c'est la bleue. Un Gauguin. C'était la rouge. Ouais. À chier, cette carte, t'as juste envie de la foutre en mana. En fait, cette carte, t'as envie de la mettre en arsenal pour qu'elle se fasse échanger. Mais. Parce que pour moi, je dois mettre en arsenal des flèches. Pour pouvoir les échanger. Et mais quand j'échange, la carte que j'échange doit être une flèche. Ah ouais, mais ce n'est pas mon problème. Ouais, donc je te mets un. Ouais. Je mets un Geo Go Again, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je tank avec ma bouche, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, je réfléchis. D'accord, j'ai déjà cassé mes trucs. Donc là, on n'a pas envie de sacrifier une carte. Tu défends pas. Tu m'as mis j'ai pas de réaction d'attaque, t'as pas de réaction de défense. Allez. C'est prêt. On y va. On le dit quand même, histoire d'eux, mais je vais quand même garder ça pour rappeler que c'est le maillon numéro 1. On enchaîne avec. Du coup, l'effet de mon arc de naufragé qui, cette fois-ci, va me coûter 1 mana où je peux mettre une carte de flèche de ma main face visible dans l'arsenal. Je vais mettre Faiseur de Veuve. Puis... Ouais, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. En fait, je vais pas mettre Faiseur de Veuve, je crois. En fait, il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça pour pouvoir faire ça. Oh, le tour nul.
C'est bon. C'est pas fameux, comme on dit. Ouais, ouais. Bon, en fait, je vais pas mettre mon faiseur de veuve. Je vais plutôt mettre l'aile de faucon. Et ouais, mais c'est chiant parce qu'elle a go again. Je l'utilise pas. C'est décevant. C'est nul. En fait, je voulais utiliser ma tunique. Sauf qu'elle ne marche que si j'ai pas de carte en main. Sauf que une carte en main. Une carte en main. Et non, je suis baisé. J'ai beau réfléchir, je suis baisé. T'as combien de cartes en main, toi? 4. Toujours 4. En fait, je vais faire ma faiseur de veuve. Et je vais dépenser mon putain d'œil de faucon pour payer le coût de ma faiseur de veuve. Du coup, elle a 4. Mm-hmm. Et elle aura 7 si tu mets pas au moins 2 cartes. Elle n'a pas dominé, donc là, je pourrais mettre. Mais elle n'a pas dominé, donc tu peux chier des cartes. Là, ce que je veux, c'est que tu dépenses des cartes. Je veux t'affaiblir. Ou te casser la gueule. Ça reste très intéressant parce qu'aucun de ces deux équipements restants ne peut bloquer. Il n'y a aucune valeur de bloc. Parfois, il y a des valeurs de bloc avec 0, mais tu peux quand même bloquer avec. Là, c'est pas du tout le cas. Ouais. Ah, la valeur de 0, tu peux bloquer avec juste pour dire je mets une carte. Ouais. Ok, j'en ai vu des cartes, j'étais en mode pourquoi. Ouais, bah d'accord. C'est pour ça. Et parfois, il y a des cartes, tu sais, qui ont le mot-clé usure de guerre. C'est-à-dire qu'elles restent en jeu quand elles ont fini de bloquer, même si elles sont à 0, à moins 1 de valeur de bloc. Tu peux quand même continuer à bloquer avec pour ce genre d'effet-là. Ok. Elles bloquent nullement. Ouais, attends, quand elles ont moins 1, moins 1 de ça défense, change rien. Tu augmentes les dégâts que tu prends. T'imagines, ça serait vrai. Je vais défendre avec ces deux cartes-là. Et du coup, je défends 4. Très bien. Fin de tour. Il m'a mis 1, bravo. Pas grave. Il m'a fait perdre 2 cartes. J'ai surtout fait perdre 2 cartes. Ouais, c'est ça. Là, c'est le tempo maintenant. Il faut, c'est un j'avais pas tempo. Le tour idéal. J'ai fait ce que je pouvais faire. Peu près de mieux, même si j'aurais voulu mettre un truc en arsenal. Akadok. Qu'est-ce que. Et mon pitch qui va en dessous. Alors, on met les cartes dans le pitch. Ah, tu peux les mettre, alors c'est important, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Ah, moi je croyais que quand tu. C'est pitchait, moins déterminant. Non, il c'est fallait pas dans cet ordre-là. Les mettre dans le bon choisis. Ordre. Mais après coup, tu peux les retrier. Ah. C'est moins important dans les decks qui pitchent un peu, mais il y a des decks qui ont beaucoup de cartes dans leur zone de pitch. C'est le cas par exemple de Kano. Il a besoin de stacker vraiment son deck pour pouvoir battre certains héros. Et du coup, c'est important l'ordre. Il y a une manière de. Je sais pas, c'est une manière un peu conventionnelle de le faire. En fait, je trouve ça un peu problématique de devoir prendre mon deck. Et des fois, tu sais, dans la manipulation. Ah, que de peut-être révéler le mec, un peu il voit la carte. Ouais, en dessous. C'est à toi de. C'est à moi de faire attention. Pour que, ouais. Après, en général, il les connaît. Hein. Puisque c'est les cartes que t'as pitchées au tour précédent. Si les joueurs bons se souviendront de ton pitch. C'est ça aussi qui est important, c'est que quand tu pitches ton adversaire le sait aussi. Faut être un joueur de poker. Bah, les meilleurs joueurs, ils arrivent à le faire. Moi, je suis incapable de me souvenir de celui de l'adversaire. Déjà que j'ai du mal à me souvenir du mien, mais ouais, tu vois, quand tu sais, quand t'as le dernier champion du Pro Tour qui t'explique qu'il savait qu'il pouvait attaquer à ce moment-là parce qu'il avait compté les cartes de son adversaire et il savait qu'il avait pas de défense-réaction pour contrer son attaque à lui. Tu dis, ah ouais, d'accord. Ouais, ça fait 10 tours qu'il compte toutes les cartes que son adversaire a jouées et combien il en avait dans son deck. Ça récompense. C'est next level. Ça récompense, les génies. Là, les génies. Ouais. Ok, j'y vais. Ah oh bah, je suis. Je vais pitcher coup dame perle. Ça me donne 3. Vous allez me dire, je vais faire un Kodachi Harmonize. On l'a fait. Hein. On a dit le. Ok. Ça me va. Est-ce que tu prends 1? Ça, c'est toujours la question. Ça va être vraiment ça pour moi. De la merde, ton deck, putain. Je suis quand même content de jouer en blitz avec ce jeu-là. Parce que 40 points de vie, est-ce que tu prends 1? Non, mais c'est pas. Bah, lui, déjà, ce héros n'existe pas en CC. D'accord. Donc voilà, la question se pose moins. Mais il y a par exemple Ninja Katsu qui joue aussi les Kodachi. Je prends 1. Il joue beaucoup ce genre de stratégie. D'accord. Et en fait, c'est très efficace sur long terme parce qu'il défend extrêmement bien. C'est un héros qui peut se permettre de beaucoup défendre. Et quand il a la combo en main, il prend tout dans la gueule, il fait sa combo. Et il devient hyper menaçant. Et les Kodachi prennent beaucoup de valeur à partir du moment où ton adversaire descend en point de vie. Quoi. Bon, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais pour 1 faire Tornade Jumelle. Ah, Tornade Jumelle. Il a son combo pas spécialement. Choisissez 1 et Tornade Jumelle ont quand cette carte touche votre prochaine attaque dans cette chaîne de combat gagne plus 1 ou bien. Les tornades jumelles ont plus 1. Je vais mettre plus 1 directement sur les tornades jumelles. Ce qui fait que là, actuellement, j'ai 4. Au début, je me suis posé la question, c'est quoi l'intérêt de ne pas juste mettre plus 1 là-dessus. Okay. En fait, tu peux dire une carte à plus 1, un truc à donc plus là, je vais essayer 1, de bien. Prédire un petit peu ce qui va se passer. Je pense qu'il est dans un bail où la carte qu'il a en arsenal, elle lui coûte 1 de mana et elle augmente ses dégâts en fonction du nombre de cartes qu'on touchait. Donc, je vais faire en sorte que tu ailles te faire foutre.
Et en même temps... Et en même temps, ça fait des cartes en moins. Ouais, c'est quand même sûr de faire un truc quand on a que trois cartes. Ça me fait jeter deux cartes pour prévenir un dégât de plus. Attends, je vérifie quand même. Ok. Petite salope. Ok, je sais ce que je vais faire. Eh ben vas-y. Je sais ce que je vais faire. Aussi tanker que t'as chebou. C'est... Ouais, bien sûr, on va te faire foutre. Je te propose de tanker avec... Ce tir de recouvrement et mes jambières de rouille. Je tanque donc 4. Tu ne me touches pas. À moins que tu aies une réaction d'attaque. Je peux avoir tellement de réactions. Vas-y. Je vais réfléchir. C'est une bonne réaction. Faut toujours réfléchir en réaction. Quelle est ta réaction ? Je n'ai aucune autre réaction qu'à part dire on passe au maillon suivant. Bien joué, tu as réussi à contrer. Ceci, tu vas tourner. Mais je t'en prie, vas-y, joue donc ta carte qui est en fonction des cartes touchées. Ah, dis-moi que je t'ai lu. Reste combien de cartes en main ? 3 ? Ouais, tout va bien. Je suis large. J'en ai besoin que de 2. Peut-être même 1. Pour 0, je vais jouer soit comme l'eau. Ah ! Le combo. Ouais, ah bah non. Du coup, j'ai pas de combo. Qui met 2, et comme elle met que 2, alors tu ne peux pas la défendre avec les cartes de ta main. Et elle a encore une fois. Et j'ai encore une fois. Encore une fois, mais il a plus rien. Ah ouais, le bat. Avec les armes, je fais pas gaffe. Donc, redis-moi, elle a 2. Ouais. Tu vas pas la booster. Non. Juste, je ne peux pas la défendre puisque je peux pas la défendre avec les cartes de ma main. J'ai plus de cartes là. Donc en fait, y a pas de question. Attends que tu. Donc je perds 2. Tu perds 2. Et enfin, pour 1. Je vais attaquer avec le Kodachi et du coup il va être boosté par ça puisque la première carte action d'attaque que vous contrôlez touche à chaque tour, votre prochaine attaque gagne +1, donc elle a +1. Excuse-moi. Oui. C'est dégueulasse. Ah oui non, pour changer le nom du truc il aurait fallu payer. Payer 1, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Donc il te restait 1 pour jouer ça. Et donc tu fais une attaque 2. À 1. 2. Et pourquoi elle met 2, rappelle-moi. Parce que lui il dit que j'ai touché avec ça alors... De Benjamin. On essaie d'utiliser mon perso au maximum. Donc là, c'est est-ce que je nique une carte ou pas ? Oui, parce que tu peux. Parce qu'en fait, comme ça, il faut te dire que tu préserves tes points de vie. Les cartes action d'attaque que vous contrôlez avec au moins, comme ça, c'est pas une carte action attaque, du coup. Bien sûr. Ça, je monte les cartes. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça pour ensuite pouvoir faire ça, mais pour faire ça, il faudrait que j'ai ça, et donc. Là, je suis à poil, hein, donc tu peux y aller, frère. Allez, je prends 2. 11 partout. Ça me va. Je vais mettre ça ici, ça ici, ça dans ma défausse, ça dans ma défausse. Putain, 11 partout, on a joué le même nombre de tours. Fais chier. Et je vais. J'ai plus de cartes dans mon arsenal par contre. Toi, tu n'as plus d'équipement. Ça dégage. Ça, on va le foutre là. Ouais. Ça dégage. Ça se pitch. Et je pioche 4. Vas-y, le ref. Visuellement. J'aime beaucoup retourner les équipements, ouais, parce que même propre. Pour les viewers, c'est hyper compréhensible. Tu vois justement quel équipement reste. Ouais. Bon, même si elles n'étaient pas là, tu verrais aussi, mais c'est quand même plus visible. C'est mieux. C'est plus mieux. Je vais... J'aime beaucoup le principe que chaque micro-décision est importante. Ouais. Je vais jouer ce que tu appelles. Il y a des joueurs tu vois, qui sont hyper méticuleux, qui peuvent passer des 10, 15, 20 minutes sur le moindre play. Je trouve ça hyper passionnant. Quoi. Moi, je n'ai pas cette patience-là. Ouais, mais j'adore voir les joueurs méticuleux qui prennent leur temps pour vraiment bien expliquer que mais en fait à un prêt quand ils t'expliquent ouais, moi j'aime bien c'est vrai que bah, jouer avec Benji il est intéressant parce que le moindre petit point que je peux faire en plus par exemple je voulais en fait garder cette carte là en arsenal, je vois que tu me bloques ton truc, ça me va parce que du coup t'as perdu quand même des cartes tu vois, mais bah du coup je vais la jouer maintenant, ça va me permettre de mettre pile ce qu'il faut pour pouvoir avoir le petit plus 1 sur l'attaque. Non mais et en fait là tu lui as mis 2 points gratos. Tu sais à un moment qu'il a bloqué une fois et qu'il va pas vouloir bloquer une deuxième fois parce qu'il joue à Zalé, parce que s'il a qu'une carte en main, enfin s'il joue avec 2 cartes, il va pas faire grand chose, donc il a besoin de garder 3 cartes. Donc là ce point de vie, voilà, t'as hyper bien joué parce que tu lui as fait un point de dégâts gratos. Et encore une fois, ça fonctionne bien dans le lore du perso, je suis une archère. Ouais. Une archère pour se défendre. Ouais. En slip. Je. En plus, t'avais une bonne main, donc t'as bien fait de pas défendre de toute façon, parce que ça, il fallait que tu le gardes. Mmh. Scruter la périphérie me permet de regarder pour 0 la première carte du dessus de mon deck. Alors, je la regarde, donc je ne te la révèle pas. Je m'en fous, je peux la voir à la caméra, donc tout va bien. Ça m'intéresse, c'est bon, c'est ce qu'on veut. On peut faire mieux, mais c'est bien.
La prochaine carte d'action d'attaque que vous jouez depuis l'arsenal ce tour-ci gagne plus 1 et go again. Donc on a go again, on est content. Ensuite, je vais... C'est là qu'il ne faut pas que je me gourre. C'est là qu'il ne faut pas que je me gourre. Mais je ne vais pas me gourer. Je vais me permettre de regarder la carte quand même que j'ai révélée pour voir si... C'est autorisé par l'arbitre parce qu'on est dans des circonstances de jeu qui sont particulières. Ok. Moi, j'ai aucun souci à ça. J'aime pas les jeux. Bon, tu m'as dit que là, c'était peut-être possible de tout rappeler. J'aime pas trop jouer au memory, moi. J'aime bien me dire, j'ai accès au. Okay. Au comment dire, un truc que j'ai su, je peux le savoir à tout moment. J'aime bien les jeux comme ça. Je vais poser en arsenal une carte de flèche. Ça va me coûter 1 que je paye. Comme ceci. Avec seulement un truc à pitcher à 1. Ok. J'ai eu que des cartes rouges. Un peu dans le cul, et celle-là, j'avais besoin de savoir ce qui se passait. Ah bah, ça je vais prend. Quand même faire l'effet d'Azalée. Parce qu'il sait. Parce qu'il coûte 0 et que je sais. Oh, il sait. Du coup, j'ai. Bah, c'est pas la meilleure que je pouvais avoir, mais bon, on prend. Où sont tes faiseuses de veuves ? Eh bah, elles sont plus là. Elles sont plus là. On peut pas les avoir à tous les tours. J'ai donc un tir de sédation. Qui, s'il avait un marqueur visé, aurait plus 1, sauf que j'ai plus de mana pour faire un marqueur visé, sauf qu'en fait, je peux utiliser Tunique et Limée, car je n'ai plus de carte en main, et que ça me permet donc de gagner un mana, et donc de mettre un marqueur visé. J'ai donc 3... T'es en train de nous dire que t'as plus d'équipement, là. Je suis en train de dire que j'ai plus d'équipement, et sur un tour, je suis en train de te dire qu'en fait, l'équipement, je l'avais prévu... pour attaquer. Ouais, je l'avais prévu, donc je peux pas. Donc en fait, je vais utiliser l'équipement non pas pour mettre le marqueur visé, mais pour m'aider jouer cette carte, qui du coup a 3 plus 1, et quand elle touche... Ah, attends, elle a 3 plus 1 et dominée. Ok. Donc elle a 4 et dominée, ok. Voilà. Et quand elle touche... Donc elle a... On va le faire pour pas oublier. Elle a 4 et dominée, et quand elle touche, je te mets un jeton inertie. Le jeton inertie, que fait-il ? Au début de ta phase de fin, ouais. Détruisez inertie, puis, mettez toutes les cartes de votre main et de votre arsenal au-dessous de votre deck. Tu ne peux pas garder de cartes pour le tour précédent, pour le tour suivant. Tu ne peux pas garder de cartes ni dans ton arsenal ni dans ta main pour le tour suivant. Parce que quoi qu'il, je vais refill ma main, c'est ça ? Quoi qu'il, là, tu vas la défausser. Je force à récupérer 4 nouvelles soit cartes. Soit tu... Et avant de piocher, en fait, avant de piocher, après avoir mis dans l'arsenal, mais avant de piocher, ouais. Je devrais tout me défausser. Ouais. Même ton arsenal. Ça s'appelle comment ton truc ? Inertie. Voilà, bah donne. Je mets 4. Ah oui, pardon, donne, je prends. Ah, tu prends. Super. Ah, il a envie d'attaquer. Alors, Là, il a une main full. Oui, clairement, je vais te défoncer. 1, 2, 3, 4 et inertie. Fin de mon tour. C'était pas mon tour le plus beau. Je fais ce que je fais avec ce que j'ai. Alors. J'ai plus d'équipement, effectivement. À moi. Et là, Romain, qui se dit. Qu'est-ce qu'il joue comme des fions. Pour moi, il n'y a pas eu d'erreur. Hein. À moi. C'est des je vais... choix de jeu, tu vois. Ouais, bah bien sûr. Alors après, je pense que, pour le coup, Flesh and Blood est vraiment un jeu, encore plus que les autres, où tu as un gain phénoménal à connaître quasiment par cœur le jeu de ton adversaire. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un jeu où il faut quasiment tout jouer au moins une fois pour bien comprendre comment fonctionnent tous les persos. Parce que plus tu comprends l'adversaire, plus tu vas jouer correctement. C'est important de connaître tous les decks, de savoir bien les jouer. Et c'est hyper important aussi d'être un spécialiste de ton deck. Donc il faut beaucoup jouer, parce qu'il va falloir beaucoup jouer pour connaître comment jouer ton deck face à tous les match-ups. Et surtout, avoir déjà joué les autres pour savoir ce qu'ils peuvent te faire. Quoi. Ouais. Une réaction d'attaque ne consomme pas de points d'action. Non. Elle consomme toutes les ressources qu'elle coûte, mais sinon, elle ne consomme pas de points d'action. Et là, je regarde ma main et je me dis que j'ai mon play. Il ne reste plus qu'un tour de jeu. Je vais pitcher ça. Mm-hmm. En faisant un truc. Je vais attaquer avec ma Kodachi Harmonize. En vrai, en tournoi, les mecs font ça. Hein. Ouais. J'ai du mal à... Moi, c'est un trigger et tu vois, je commande beaucoup de tournois. Chaque fois que je le vois, je dis, mais est-ce qu'on peut aller demander à un arbitre de l'empêcher de faire ça, tu vois. Ouais. Mais c'est toléré parce que tout le monde le fait, parce que c'est une mécanique... Enfin, c'est tellement classique en fait d'utiliser tes ressources et après de faire l'action. Ouais. Donc tu me mets un. Putain, j'ai pas envie, mais. Si tu peux vraiment le tuer, tu le prends et tu le tues. Hein.
T'es obligé là, t'es en j'ai trollé, j'ai même pas eu le temps de lire mes cartes. Ah, ah je m'en faisais pas une seule seconde. Ouais, t'as pas cru. Hein. Ouais. C'est là qu'on voit que vous connaissez bien. Ouais. Moi, j'ai un peu cru, tu vois. Non, non, non. Et bah, en fait, moi, je suis capable de dire ça à tous les tours. Donc, ça marche plus, si tu veux. Tu sais, quand il a 20 points de vie, je lui fais, eh, malheureusement, c'est fini. Ouais. T'as bien vu pour le vote. Ouais, ouais. T'as même pas pris au loup à chaque tour, comme ça, en général, jamais sur quoi. Il sait même pas compter jusqu'à 3, il est en mode, j'ai gagné. Quand on joue à un jeu de société, tu sais, on prend notre main de départ, on fait, bon, moi, j'ai gagné. Ouais, oui, oui. On est très. Il faut montrer qu'on est très confiant. Je veux te mettre un avec mon Kodachi harmonisé. Ouais, j'ai déjà pris un. T'as déjà pris un ? Ah, t'avais une réaction d'attaque peut-être ? Pas tout de suite. Ouah. Il bluffe ce fils de. T'as rien. Alors. Tu bluffes, Martini. Je vais payer un. Mmh. Je vais donc moi lire mes cartes pendant que tu réfléchis. Et je vais mettre. Je vais essayer de te mettre un avec mon Kodachi harmonisé. Ça, c'est toujours génial quand les joueurs de Ninja réfléchissent et ils disent ok, mon deuxième play, Kodachi. Kodachi pour un. Est-ce que Kodachi pour un. Est-ce que ton mindset a changé entre ces deux cartes ? Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Est-ce que t'es toujours prêt ? Bah, en vrai, le fait que tu c'est joues tout de suite la deuxième, c'est pas la même chose. C'est bien sûr. Allez, mais ah, en fait, crache-moi une petite carte là. Je peux imaginer ce que tu vas faire. Mais même, bon, même. Et craquer un 3 pour 1. Vas-y, sors la grosse Bertha et je vais défendre. La grosse Bertha. Bon, la grosse Bertha, c'est la grosse Bertha. La grosse Bertha, c'est ton truc qui donne plus de. Si je fais 4, c'est déjà le bout du monde. Non, mais par contre, je peux jouer ça. Ah, mais j'ai plus que 9. Je peux jouer ça et je trouve ça plutôt cool. Pour le moment, si tu me mets 2, t'es déjà à égalité, ça fait chier. Tu vois. Ah, mais si tu mets 2, 3. Si tu mets 3, tu passes 3 attaques à 2, tu finis à 3. Hein. Là, pour faire ça, je pense que je comprends beaucoup mieux le principe de jouer ça. Je vais jouer. Alors, attends, du coup, il faut juste que je vois la première carte fois avec une attaque touche. Bon, ok. Donc, je les ai toutes, super, et ça ne m'intéresse pas, super. Ensuite, nanananana. Cette carte-là va toucher, il va se passer un truc. Okay. D'accord. J'ai. Ça, en fait, j'ai envie de faire ça. Et de faire ça. Et ça, j'ai envie de faire ça pour faire ça, pour faire ça. Ça, et ça. Ouah, c'est bout du monde, ça, hein. Ça, c'est bout du monde. C'est bout du monde. Et ça, c'est sans compter le fait qu'il va falloir défendre. Vous voyez pas la fumée là qu'il y a au-dessus du crâne de Rof. Ça réfléchit. C'est bluffant. Ça réfléchit. Non, mais c'est bon, je crois que j'ai le play. C'est trop bien. J'ai 3 cartes à jouer. Il faut que je joue dans le bon ordre. Pour info, t'avais le play il y a 5 minutes, hein. Mais ouais, c'est. Ok, donc dans un premier temps, je vais faire ça. Je vais faire soit comme l'eau. Ouais. Ouais. Première fois qu'une carte attaque dans laquelle vous contrez touche, prochaine carte attaque. Ok, c'est juste que c'est dans l'ordre, c'est pas facile. Ok, soit comme l'eau. Ouais. Donc tu veux être soit comme l'eau et payer un en mana pour avoir quel nom ? Dis-moi. Écoute. Quel nom tu veux ? Comment tu veux t'appeler ? Olivier ? Prophélos ? Je vais faire une tornade jumelle. D'accord. Pour ensuite faire soit comme l'eau. Pour ouais, bien sûr. Et tu payes avec mana, tout ça. Donc, je paye avec 1. Ouais. D'accord. Et je dis, choisissez l'un. Ma prochaine carte va avoir plus 1. Pas de problème. Elle a 2. 2. Donc, comme elle a 2, alors je ne peux pas bloquer, défendre la carte de ta main. 2. Et la prochaine fois qu'une carte d'action que vous contrôlez touche à chaque tour, votre prochaine attaque gagne plus 1. Et là, ça commence à 1. Voilà. Là, donc, c'est-à-dire que la prochaine a plus 2. Non, plus 1. Plus 1, plus 1. Plus 2. Après, je vais jouer. Pourquoi j'ai attaqué avec ça assez vite ? Parce qu'en fait, je vais jouer Exsanguination qui coûte 2. Comment je fais ? Elle coûte X de points de ressources de moins à jouer, c'est le total des dégâts que vous avez infligés avec des dagues dans cette chaîne de combat. On se lève ! Standing Ovation. Putain ! Bien sûr. Les combos ! Donc elle coûte 0. Elle et moi, j'étais là. Oui, comme c'est infernal de Kodachi, mais bien sûr. Mais. Comme ça, elle coûte 4. Enfin, elle met 4 pour 0, mais en fait, elle a plus 1 grâce à ça. Plus 1 grâce à ça, elle est à 6. Jamais de la vie, je laissais passer ça. Je l'ai fait parce que, putain, je connais pas ton deck. Tu vois, ça illustre ce que je viens de dire. Oui, mais en même temps, si tu connais mon deck, je peux faire des attaques dans le vent en te bluffant. Donc, il y a aussi ça, tu vois. C'est pas du mind game. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que ça passe, Exsanguination ? Donc là, tu me mets combien ? Là, j'ai 6 qui viennent vers toi. Et go again. Et go again, ouais. Si t'es à 1 contre un ninja, c'est la fin. Bah ouais. Crash tes cartes, Maxi, de toute façon, elles sont nulles. Ouais.
Tu m'emmerdes. J'avais un play là. En fait, c'était un contre un ninja, c'est fini. Ça veut dire que dans la main, il a probablement un truc qui coûte 0 et qui fait moins de 2 et qui me baise. En fait, je sais pas ce que j'ai. Je peux pas te dire que je suis en main, mais j'ai sur le board quelque chose qui dit les cartes actions d'attaque que vous contrôlez avec 2 ou moins ne peuvent pas être défendues par des cartes de la main. Donc moi, je dirais même à 2, c'est chaud, tu vois. Après, je peux avoir une carte à 3. Mais bon. Quoi qu'il arrive, une carte à 3, c'est hyper dangereux. Il est obligé de bloquer avec une carte de sa main. Donc. Putain, mec. 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 Et ce qui est marrant avec les Rangers, c'est qu'ils bloquent bien, mais uniquement si elles bloquent avec leurs flèches, qui sont aussi leurs meilleures armes offensives. Ouais, oui, forcément. Et toutes les autres attaques... On n'a rien sans rien, ma bonne dame. Ouais, toutes les autres attaques ou les boosts bloquent assez mal. Le jeu a l'air bien complexe et complet et bien étonnant. Bien étonnamment, c'est assez facile à suivre. Après, ils vont super lentement, donc ça aide évidemment. Ouais, bon. On explique bien tous les plays. Ouais, on, vous avez bien expliqué. Je pense que quand au-delà de ça, partie, le jeu est simple à apprendre. À apprendre. Tu comprends deux vite. Cartes. Deux. C'est deux cartes au moins pour attaquer. Pardon. Tu bloques à 5, c'est ça? Non, du coup, tu bloques à 5. Ce qui est pas mal, du coup, tu passes à... Je crois que j'avais pas trop le choix. J'avais pas trop le choix. Puisque dans la main, je possède le soit comme l'eau. Du coup, va te mettre... En plus, je savais que t'avais soit comme l'eau, puisque tu l'as dit, je suis en fils de pute. Qui veut du coup... Oui, mais ça pouvait être un le soit comme l'eau à 3, ou enfin, tu sais pas. Il te met 2, du coup Benji trigger. On est d'accord que la première fois, elle a pas plus 1. Non, c'est que la première fois. T'attaques à 2. Par contre, ça trigger le fait qu'il y a 2, donc tu ne peux pas défendre sur ça et tu prends 2. Ça trigger pas, c'est passif, mais ça revient même. Voilà, j'ai fait un beau petit tour. Et oh merde, je dois tout me défausser alors. Dommage. Hein. Alors, regarde ton autre token qui est le meilleur contre Benji. Si tu me dis je peux jouer qu'une carte par tour, ça va être chiant. Non, c'est pire que ça. C'est que ça donne moins 1 à tes attaques qui viennent de l'arsenal et moins 1 aux attaques de tes armes. Ah ouais. Donc les Kodachi n'attaquent pas. Ça me défonce quoi. Ah, mais ça, il aurait fallu que je le sache avant. Non, t'as pas eu les flèches. Il faut la carte. Il faut avoir les flèches. C'est vrai qu'il faudrait l'avoir. C'est pour ça que je vais pitcher 2 mana. Que je vais mettre tir atrophiant en arsenal. Et que je vais te faire un tir atrophiant qui te mettrait fragilité s'il touchait. Alors il faut que ça touche, c'est ça? Hein, l'histoire est belle, on dirait une émission télé, putain. Ça, c'était stage, cette histoire-là. Ça m'a coûté 2 mana de mettre là et de mettre là. T'as une visée? Non. D'accord, donc elle met 5, c'est ça? Quand elle touche un héros, crée un jeton. Non, bah non, là, j'ai vidé ma main. Juste... Attends, déjà, ça me coûte le bout du monde de pouvoir... Déjà, ça me coûte forcément 2. Si je veux la jouer, ce tour-là, elle me coûte forcément 2. Donc ça va. Vos cartes action d'attaque jouées depuis l'arsenal. Bon, j'en ai pas. Et vos attaques d'armes en moins 1. Ça limite tes armes, options. Ça limite mes options. Je regarde un peu ma main. Hein. Non, mais en fait, moi, je... Ouais, ouais. Non, je vais rien dire. Là, je ferme ma gueule. Voilà. Alors, est-ce que j'ai déjà de quoi là? Ouais, j'ai déjà de quoi arrêter ça. Ça me permet de parer 5. C'est vrai que le côté expert de ton deck marche bien dans le sens où, tu vois, comme je commence à la connaître, Azalée, dans le sens où je sais ce que font mes cartes, et surtout, j'arrête de réfléchir 3 heures pour dire je pose ça, j'échange, machin. Parce que je te jure que mes premières games avec Azalée. C'est hyper complexe. Ouais. J'étais là, mais alors attends, ça le veut timing. Dire que si je paye un mana, je peux payer ça, mais du coup, j'ai plus assez de mana pour. J'étais comme un ouf. Et en fait, c'est pas si compliqué, c'est juste que. Et ça, c'est un truc qui fait que ma femme. Tu vois, ma femme, en gros, elle adore ce jeu parce qu'elle est en mode ah putain, il y a une vraie profondeur, c'est cool. Mm. En fait, elle n'est pas super fan de l'Orcana parce qu'elle trouve que pour le moment c'est trop simple. Donc elle s'ennuie. C'est simple. C'est vrai. Et en fait, elle a un peu le contre-coup de ce qu'elle aime. C'est-à-dire qu'elle dit ah putain, il y a un vrai truc avec des combos et machin. Donc elle adore. Et ce qui l'a fait chier, c'est ah oh, putain, chaque carte, il y a un wall of text écrit tout petit. Je sais, bah ouais, mais si tu veux des effets intéressants. Après, mais c'est vrai que c'est écrit un peu petit. Ouais, bah parce que tu vois, le texte de d'Azalei, si tu l'écris en grand, il faut une grande carte, quoi. Bah, où tu mets un peu moins d'illustres. Ouais, mais c'est le cas sur certaines cartes. Mais en gros, assez rapidement, t'auras même plus besoin de le lire. Mm. Enfin, il est là, mais il est là pour les débutants. T'as même pas besoin, tu vois, on l'a dit tout à l'heure, quand t'as une carte Marvel, elle est full art, tu la mets full art parce qu'elle est plus belle, t'as pas besoin. Je suis 100% d'accord avec toi, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que... Alors après, c'est vraiment notre cas particulier. Je vais dire que ma femme a peu de temps de cerveau disponible. Ouais, non, mais ça... Et quand elle rentre du boulot, qu'elle est fatiguée, que je lui dis on fait une game de Flesh and Blood, on va apprendre toutes les elle cartes. Elle se dit ok, soit je joue un deck que je connais déjà, mais du coup, bah fait chier, je le connais déjà. Mm. Soit j'en prends un nouveau,
Et je suis parti pour, entre guillemets, okay. 10-15 minutes de compréhension plus une game où je vais me dire derrière « Ah, ça y est, j'ai compris ouais. !» Bon, bah, un peu chiant, quoi. Non, non, faut aimer se prendre la tête. J'ai mon play. Je prends 5 dans la gueule. Il tease play. Je pense qu'il sait qu'il me tue au prochain tour. J'ai bien calculé. Ben, ça me va. En fait, c'est ce que j'allais dire et je me suis tué en me disant « Ferme-la ». Soit tu sais que tu me tues au prochain tour et tu prends et tu gardes toutes tes armes et tu me fumes, soit tu sais que ça va être chaud et il faut que tu tankes parce que t'as quand même pas trop envie de prendre le risque. Donc j'ai pris, je suis fragile. On le sait déjà. Ça veut dire donc que les cartes d'action, alors tes cartes d'attaque jouées depuis l'arsenal et vos attaques d'armes ont moins 1. Donc t'as pas d'arsenal, t'as pas d'armes, t'en fous. Pioche et t'as pas d'armes. Et on y va. Est-ce que j'ai besoin de piocher? Bon, et vous notez qu'on vous a pas menti. J'ai démarré à 20, lui à 17. J'ai joué en premier. Pourtant, il y a 4 à 2. Il a pas joué. Est-ce que j'ai le droit de pitcher deux cartes pour prendre deux manas? Oui, tu peux pitcher une carte, d'abord une carte rouge. Si tu as besoin de deux ressources, ouais. Tu pitches d'abord une carte rouge. Tu vas encore avoir besoin de pitcher. Donc tu peux pitcher par exemple une carte bleue comme deuxième carte. Mm. Ça veut dire qu'il va te rester, tu auras tes deux ressources dont tu avais besoin. Ça, et ça il te restera deux ressources flottantes. C'est permissif quoi. Ok, ça marche. Ouais. Mon cher Maxildan. Stacking, ça aide à plein de trucs. Eh ben c'est pas compliqué. Je vais faire un coup d'âme perle, qui est une carte à deux, qui dit que quand cette carte touche, elle gagne encore une fois. Comme elle a deux, tu ne peux pas défendre avec les cartes de ta main. Tu prends deux. Comme j'ai touché avec cette carte-là, eh bien la prochaine carte d'action d'attaque que je contrôle va gagner plus 1. Ah, ça sent le sapin, là. Et donc, je te fais un truc qui te met 1, plus 1, 2. Et que je ne peux pas défendre. Tu ne peux pas défendre. Bravo. Cette poignée de main virile, là, en fin de game, c'est tout ce qu'on aime voir. Hein. Bah ouais, hein. Bah ouais, mais... Un petit GG. Félicitations, merci. Bon, t'as pas mérité, mais c'est pas grave. Il a un héros que tu peux pas bloquer, donc c'est broken, quoi. Ouais, voilà. Ah, j'étais en mode, il a plus d'équipement, il a des cartes. C'est ça, et puis il est plutôt équilibré, tu vois, le héros. Il a 17 points de vie, donc dans l'absolu... Et puis vraiment, là, j'ai quand même... Je crois vraiment que c'est bien qu'on ait fait une petite game avant parce que j'ai pu après savoir où va le jeu. Alors, l'avantage que j'ai eu dans cette game. Un tour monstrueux, hein. Ouais. Le tour avec l'exsanguination. L'avantage que j'ai eu, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, je trouve que les cartes combo sont bah, parfois. Oh excuse-moi, mais les gens m'avaient donné gagnant. Bah, après ton premier tour, ça faisait sens. Enfin, quelqu'un avait dit. J'espère que maintenant les gens ont compris. Ça avait du sens. Quoi qu'il arrive, un PCG. Qu'est-ce que je disais? J'avais une réflexion intéressante. Oh, je suis pas sûr, ça. Oui, que là, en fait, j'ai joué avec aucune carte combo. T'as pas le temps de jouer avec Benji. Ouais, et en fait. C'est plus j'étais le combo un peu frustré de ça. J'étais un peu frustré de ça la première game en me disant. Putain, il y a des cartes qui me disent joue ça et c'est cool et je les ai pas. Et en fait là j'ai joué, je crois vraiment aucune carte était bénéfique en combo. Parce qu'en fait le principe de dire les cartes qui coûtent 2 ou moins tu sont imbloquables. Ah ouais bah c'est trop fort. Mais en fait c'est Katsu qui est lui aussi un ninja et qui lui joue plus avec des combos. Il joue plus avec des combos et surtout il tutore. Ah, il va chercher des cartes. Il va chercher des cartes. En fait, c'est hyper difficile de jouer contre Katsu parce que on va me regarder là. Alors il tuto, mais du coup quand tu tuto tu dois mélanger. Ouais, et donc, comme tu mélanges, ouais. Tu peux pas pitch stack. À chaque fois que tu touches, la première fois que tu touches avec Katsu, on peut la montrer là, et puis on pourra parler des archétypes si vous voulez. La première fois que tu touches avec Katsu, tu peux défausser une carte de ta main. Et il faut que ce soit une carte qui coûte 0, et du coup, tu peux aller chercher dans ton deck une carte avec le mot-clé combo. Tu la bannis et tu peux la jouer. Donc tu la bannis, ça veut dire que tu vas pouvoir la jouer que ce tour-ci. Si tu la bannis et que tu la joues pas ce tour-ci, tu pourras la jouer à aucun autre tour. Donc ça te permet, ça t'empêche de prévoir des combos sur 3-4 tours. Non, mais c'est et ça te permet quand même de l'activer sur ce tour-là. Quoi. Bon, il faut que la carte touche par contre. Il faut que la carte touche, mais tu l'as vu, les ninjas ça attaque 3-4 fois de suite. C'est hyper dur de pas du tout toucher. Non, c'est bien, c'est bien. Tu essaies de faire en sorte que l'attaque qui touche, ce soit idéalement la 3ème, la 4ème attaque, pour qu'il puisse pas faire grand chose derrière. Effectivement, je comprends mieux. Tu vois, le fait que là, j'ai... En fait, le jeu a des cartes combo dedans, ouais. Mais en fait, j'ai rien pour pouvoir... J'ai peut-être une carte, je crois que j'ai un équipement qui dit... bah, c'est celui-là que j'avais utilisé. Ouais. Qui dit, je vais retirer. Et encore, c'est aléatoire. C'est tu vas détruire le masque d'aspect, changeant à chaque fois qu'une dague touche ce tour-ci. Ah, c'est quand même à chaque fois.
Vous pouvez mettre une carte de votre main au-dessous de votre deck. Si vous faites piocher une carte, c'est pas l'inverse qui aurait été plus fort. Ça reste complexe. Le fameux loot à Magic, le piocher défaussé, ouais, est plus fort que le défaussé pioché, où tu sais pas ce que tu vas piocher. Mais donc, effectivement, lui, il a des cartes combo, des fois ça peut bien sortir. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça met un peu la pression à l'autre en disant bah attends, du coup, j'ai envie un peu de calme. S'il a la combo derrière, je suis foutu. Mais clairement, son effet de dire les cartes à deux au moins. Tu peux pas les défendre avec les cartes de ta main. C'est le plus 1 aussi qui est vraiment monumental. Et le petit quoi. Plus 1 qui va aider. Non, qui va aider parce qu'en vrai, ça s'est pas fini à grand chose. Parce que au-delà de ça, les autres cartes, tu pouvais les bloquer en fait. Ouais. Il pouvait les bloquer là. Ah, et puis mettre plus 1 sur un Kodachi, ça a énormément de valeur évidemment. Ouais, bien sûr, ça aide. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler tout à l'heure. Ça avait désormais joué à Flesh and Blood. Ouais, voilà. Mais tu vois, on en parlait tout à l'heure quand tu drafts sur ce format-là, Outsiders, t'as deux options quand tu commences à drafter Ninja. Soit t'as des cartes combo qui vont vraiment bien fonctionner les unes avec les autres, et t'as toutes les lignes de combo qui s'enchaînent parfaitement et tu vas t'orienter vers une draft fondamentalement en 4 sous. Soit t'as des attaques combo mais elles sont pas surpuissantes, t'as surtout les bleus, les attaques combo bleus qui attaquent à 1 ou 2 et tu vas plutôt jouer Benji pour pouvoir te focaliser sur son effet à lui. Du coup en draft, tu dois drafter ton personnage ou est-ce que tu reprends le personnage que tu veux? Tu dois d'abord drafter avec des génériques. D'accord. Le principe, c'est que tu essaies de drafter avec des génériques pour pouvoir rester open le plus longtemps possible. Dès que tu vois ce qui est open autour de toi, enfin, c'est un draft classique. Quoi. Je me suis pas fait comprendre. En gros, ça là, c'est dans un booster. Non, tu draftes pas le héros. D'accord. Tu draftes les cartes dont tu draftes avoir que besoin. Les cartes et tu prends le héros. Et après, tu choisis à la fin de ta draft, de ton draft. J'ai appris que le draft c'était masculin. En fait. Moi, je préfère dire masculin aussi. Moi, j'ai tendance à dire féminin, mais j'essaie de me forcer. C'est bien. Et à la fin de ton draft, tu prends ton héros. Et tu peux complètement changer à n'importe quel moment, mais du coup, tu auras moins de cartes jouables, forcément. C'est là aussi où on voit que ça reste quand même un truc assez, pour les gros joueurs, c'est qu'en fait, il faut, avant de drafter, connaître tous les héros qui existent pour pouvoir se dire « Ok, je vais dans tel ou tel... » La grammaire nazie, mais c'est le ou la comme on veut, c'est un mot anglais. On le féminise ou masculin. Ouais, par défaut, les mots anglais, c'est masculin. Mais chez LSS, on a décidé de le mettre au masculin. Donc ouais, prendre une décision pour quand tu as du texte à écrire, ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas de « Ah, ça... » C'est pas correct. Non, et tu vois la draft au basket par exemple, tu sais, quand ils choisissent des joueurs, on dit la draft. Donc, je crois que... Ouais, bah moi j'ai toujours dit un draft, donc on va dire ça. Tu vois, il y en a une autre qui me choque, c'est. Display. Non, c'est en Formule 1, on dit un team. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Il me semble que la règle c'est les mots anglais de base sont en masculin, je crois. Mais en 2023, fait, déjà, est-ce que ça n'a pas changé? Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on remplace le mot par l'équivalent français. Par exemple, on dit une team parce qu'on dit une équipe. Oui, bien sûr. On dit un deck parce qu'on dit un jeu. Et je trouve ça un peu logique, du coup. Ouais. Et du coup, draft étant une distribution. Une distribution rotative. Ouais. Sélection. Une sélection. Mais... C'est ça, je pense que c'est plus sélection. Qui... Ouais. Bref, faites bien ce que vous voulez. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Donc, il faut connaître un minimum les cartes. Il y a combien de couleurs différentes? En fait, les couleurs, c'est les classes, quoi, quelque part. Ouais. C'est difficile. Enfin, il y a plein de classes. J'ai pas le nombre exact en tête de classes. En tout cas, là, trentaine de héros. Les decks Blitz, il y en a 12. Voilà, t'as 12 decks et t'as que deux classes qui ont deux persos de chaque. T'as ça ferait deux rangers et deux ninjas. Donc ça ferait 10 classes différentes. Il y a plus de classes que ça. D'accord, mais en tout cas, dans les decks préconstruits, il y en a 10 différents. Ouais. Mais par contre, tu disais que, contrairement à Magic, où t'as quasiment le même nombre, à Magic, dans toutes les extensions, peut-être une ou deux qui font exception, mais t'as toujours le même nombre de cartes de chaque couleur. Là, en fait, tu vas avoir des extensions où il n'y aura qu'une seule classe. Et... Là, par exemple, on en parlait tout à l'heure, la prochaine extension qui s'appelle Bright Lights, c'est une extension avec que des mécanologues. Les mécanologues, c'est ça, c'est des inventeurs un peu géniaux qui attaquent avec la technologie qui est à leur disposition. Donc là, dans le prochain set, c'est pour ça que ça va être un set hyper accessible. C'est pas mal qu'on en parle, parce que s'il y a des débutants qui veulent se lancer dans le jeu, c'est vraiment le moment idéal. C'est dans un mois maintenant, les AP, pour Bright Lights, où on joue que mécanologue. Mm-hmm. Donc pour drafter, évidemment, c'est idéal. Il y aura des archétypes différents, hein, mais ce sera... Et on pourra drafter... Enfin, le scellé se déroulera avec 4 boosters au lieu de 6. D'accord. Et le draft sera encore plus intuitif. Et il y aura un nouveau système de scellé où on peut jouer à 3 boosters, un peu à la manière de Jumpstart dans Magic, tu vois, où tu prends 2 boosters, tu prends 3 deck. Là, tu prends 3 boosters, tu fais ton deck. Comme c'est des mécanologues, tu peux faire ton deck de manière assez simple. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul type, entre guillemets, une seule couleur dans l'extension, fait que du coup, c'est plus facile à drafter. Donc aussi, c'est moins cher, parce que du coup, tu vas récupérer les drafts à la fin
enfin des, ouais. des scellés à 4 boosters, ça sera forcément plus abordable. Et le scellé, le mode de jeu scellé en 3 boosters, ça va être vraiment hyper cool pour faire une partie entre potes. Ouais, tu vois, en fin de journée, tu prends juste tes 3 boosters. Et alors, il y a un nouveau, mode de jeu, enfin, c'est pas vraiment un mode de jeu, mais on a développé sur le Discord français le Free Boosters Challenge où on prend tous 3 boosters et on essaie de voir qui a les meilleures cartes dedans. C'est juste un truc de collectionneur. Et il y a une sorte de. Je sais pas comment, de superstition, on va dire, dans le Discord, qui dit que si tu prends que 3 boosters, t'as plus de chances d'avoir des cartes insane. Et je l'ai fait pendant pendant la semaine où j'étais avec mes enfants. J'ai pris 3 boosters et c'est là que j'ai eu la carte Marvel. J'ai eu une Marvel et une légendaire. Donc j'ai eu pour 600-700 balles de cartes en 3 boosters. Donc, à la fois bravo, j'ai essayé. À la fois bravo et à la fois cette stat est ridicule. Absolument. Oui, absolument. Et en plus, elle ne pousse pas les gens à acheter ton produit. Donc c'est pas. Si, en vrai, parce que du coup, tu peux te dire, tu peux les acheter par 3 à chaque fois. Tu les ouvres par 3, mais. Ah, tu les achètes par 18, tu les ouvres que par 3, d'accord. Ou tu les achètes, t'en achètes 18, mais t'en achètes 3 de chaque set, tu vois. Ah ouais. De 6 sets différents. Souvent, il y a le côté où les gars, quand ils sortent d'une boutique, ils font vas-y, je te prends un ou deux boosters. Il vaut mieux en prendre 3. Oh, le market. Il y aura un side event au CF, du coup, où on fera du free booster. Du coup, ça peut être une bonne transition pour parler du championnat de France. Ah, et c'est exactement ce qu'on va faire, parce qu'on arrive un petit peu au début. Il est 19h15, on ne voit pas le temps passer quand on s'amuse. Arroyo, t'avais peut-être des trucs prévus, toi hein. Non, mais je retrouve, des joueurs ce soir, mais il n'y a pas d'urgence. Ok. Merci pour les subs, évidemment. J'espère que vous avez toutes et tous déjà kiffé cette partie, que vous avez compris le gameplay. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, peut-être pas là, parce qu'on ne va pas te répondre à tout de suite, mais dans les commentaires de la vidéo YouTube, évidemment, j'ai acheté un œil, j'ai à répondre. Peut-être que Romain prendra le temps aussi d'aller jeter un œil. Et puis voilà, n'hésitez pas. C'est quoi ton pseudo sur YouTube? Mon pseudo, c'est Romain. Mon pseudo de joueur, c'est Dunk. Parce que j'ai commencé à jouer au jeu de cartes Game of Thrones. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'œuvre de George R.R. Martin, il a une série de romans qui sont des préquels. Les aventures de Dunk et Luff. C'est un de mes personnages de fantasy préférés, Dunk. C'est une sorte de paladin, de chevalier. Je croyais que tu faisais du basket. Ouais. Non, je fais du basket, mais ça fait très longtemps que je ne dunk plus. Ok, du coup, CDF. Le championnat de France, il a lieu le 26-27 août prochain, donc c'est samedi et dimanche prochain. Il sera commenté donc, du coup, sur notre chaîne de l'œil d'Ophidia. Les 96 meilleurs joueurs français, c'est sur Twitch. Okay. Et les 96 meilleurs joueurs français au classement, donc on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un ladder y a un ladder international et un ladder national. Parce que je crois et à chaque fois qu'on gagne un tournoi, tout est numérisé sur Flesh and Blood. Dès que tu joues à quelque chose, tous les tournois, tu reportes en ligne en fait. Ouais. Et dès le niveau armory, c'est-à-dire les armory, c'est les tournois hebdomadaires, on gagne des points d'expérience pour chacune de nos victoires. Donc pour une armory, c'est 3 points d'expérience. À chaque fois qu'on monte d'un palier dans le circuit de jeu organisé, les tournois rapportent plus de points par victoire. Il y a des tournois undomen qui sont des tournois pas hebdomadaires avec une dotation qui n'est pas officielle, mais que les boutiques peuvent organiser un peu à volonté. Et là, on gagne qu'un point d'expérience parce que sinon, ce serait trop facile de les farmer et d'être le meilleur joueur français immédiatement. Et du coup, voilà. Et donc, les 96 meilleurs joueurs français ont été invités à participer à cet événement qui aura lieu donc cette année. C'est à Paris. C'est organisé par Uchronis Games. Ça se passera dans le 15e arrondissement à Porte de Versailles. C'est Thomas. Thomas, d'accord. Ouais. Excuse-moi, mais vous invitez les 96 meilleurs joueurs. Genre, vous les défrayez et tout? Non. Ouais, j'étais en mode. On les invite à passer la porte déjà. On les invite à rentrer. On les autorise. Ils n'ont pas à payer l'inscription. Ok. Voilà. J'ai pas un temps. Toi, tu as dit que c'était où exactement? C'est à Paris. C'est à Porte de Versailles, pardon. Et c'est dans la salle de conférence, dans l'hôtel. Attendez, il faut que je retrouve. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les 96 joueurs, là? Alors, j'ai beaucoup de la dotation en tête, mais il y a un cash prize. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Mais je vais tricher et je vais aller sur internet. On est OK? Bien sûr. Mais non, mais c'est quand même intéressant. En fait, j'ai plein de questions. OK, donc les mecs sont conviés. Ils peuvent quand même repartir avec des thunes. Donc, OK, il y a un vrai truc. Et alors, surtout, ce qui est important à Flesh and Blood, c'est que la dotation, c'est quelque chose. Enfin, l'argent que tu gagnes, le cash prize compte. Mais aussi, dans la dotation, il y a une carte qu'on appelle des gold foils. Donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, des cold foils. Mais sauf que le foiling est doré.
des cartes qui sont quasiment uniques, qui sont extrêmement rares puisqu'on peut les gagner que lors de ces tournois-là, qui sont des tournois de grande envergure et des tournois professionnels entre guillemets quoi. C'est le niveau professionnel pour nous. Et évidemment, les et du coup, ces cartes-là, c'est juste visuel. Ouais. Mais ces cartes-là ont évidemment une valeur énorme qui dépasse largement souvent le cash prize. Comme c'est des cartes aléatoires, on ne sait pas ce qu'on gagne. Une petite enveloppe noire avec dedans une carte random. Aléatoire, mais c'est une légendaire aléatoire. Ah, c'est une légendaire, c'est forcément une légendaire aléatoire. Mais voilà. Ah, mais ouais. Les légendaires, tu t'en doutes, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres. Ouais, mais bon. Ça va sans dire. Et du coup, ah ouais, je ne suis pas connecté à Internet. Vas-y, je vais te connecter si tu veux. Ou sinon. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu veux comme info? On va aller chercher. Vas-y, dis-moi. C'est il y a quoi à gagner? Oh, dis-moi. Ouais, c'est tu fais Fab French Nationals sur Google et tu vas tomber sur la page du site fabtcg.com. J'y suis. France National Championship voilà. 2021. Et à un moment, tu vas avoir la structure. Il y a également le 21. Non, c'est pas bon. Ah non, c'est 2023. Mm-hmm. Ouais, c'est là qu'on voit aussi que ça a pris pas mal d'envergure parce qu'il y a deux ans, on était que 40 joueurs au championnat de France et là, on est déjà à 96. 96, c'est à partir de 96, en gros, les tournois rapportent le héros qui gagne récupère 40 points de Living Legend alors que c'est 10 pour un tournoi inférieur. Donc, voilà. Et tu vois, voilà, le cash prize, c'est 2 400 $, un titre de champion et puis une légendaire gold foil. Okay. Et un titre, enfin une participation, une invitation au championnat du monde qui a vraiment pas mal de valeur. Le finaliste gagne 1 200 et une gold foil légendaire. Okay. Le troisième et le quatrième, 600 et une gold foil également. Et une invitation au World Champion. Il y a une invitation pour le top 8. Ouais. Okay. Et après, c'est 400 $. Et il y a du cash prize jusqu'au 24e joueur. Ok. 225 Donc ça, c'est pour les 96 meilleurs joueurs. C'est pour les 96 et meilleurs pour joueurs. Donc championnat de France. C'est ça. En fait, d'accord, les 96 meilleurs joueurs sont invités. Ouais. Et moi, si je vais faire le championnat de France. Alors, tu peux pas le faire parce que t'es pas invité. Tu d'accord. peux pas participer. C'est que les 96 qui participent. Ah ouais. Par contre, évidemment, sur tout le week-end, il y a énormément de side events qui sont en blitz, en CC. Okay. Et sur le dimanche, il y a un tournoi qui est ouvert à tout le monde, qui est un tournoi à PTI, donc un Professional Tournament Invitation, où tu peux gagner une invitation que tu peux après redeem, que tu peux utiliser pour n'importe quel tournoi de niveau professionnel. Donc ça inclut les championnats du monde, ça inclut le Pro Tour, ça peut inclure tous les gros tournois sur qualification qu'on propose. Quand est-ce qu'on aura en France, peut-être l'année prochaine du coup, quand est-ce qu'on aura en France un championnat de France open? Ah, il n'y a pas de championnat de France. Et tous les championnats de France, tous les championnats nationaux sont sur invitation. On invite uniquement les meilleurs joueurs de chaque pays. Alors après, on augmente en fonction de l'affluence et du nombre de joueurs dans le pays, on augmente la participation. Ça peut être plus que 96. Cette année, c'est 96. Mais si l'explosion est telle qu'on l'imagine pour l'année prochaine, on peut imaginer qu'il y ait plus de joueurs. En fait, je parle de ça parce que je me dis que pour la hype du jeu et en fait pour créer cet événement qui rassemble toute la communauté d'un pays, on l'a vu avec Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Leur championnat de France, c'est n'importe qui vient. Tu t'inscris, ouais, tu joues. Et du coup, ils doivent réserver une salle de 3000 mecs parce qu'il y a toute la France entière qui vient jouer. Évidemment, sur les 3000, il y a 2900 bouffons qui vont se faire atomiser et laisser les autres jouer comme des grands. J'en fais partie. Mais, bouffon, c'est affectueux, évidemment, je me mets dedans. D'ailleurs, je ne sais pas jouer au jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà d'être un événement où tu y vas et évidemment que tu vas perdre, les mecs, ils y vont pour se jauger, pour voir combien ils vont réussir à passer de round. Est-ce qu'ils vont arriver en journée 2? Non, bien sûr. Et puis c'est surtout l'occasion de tous se retrouver, de revoir des mecs que tu vois qu'une fois par an, aux boutiques, de vendre des trucs sur place. Enfin, j'ai l'impression que c'est une grande fête de Yu-Gi-Oh! Ouais. Et qu'au-delà du côté compétitif, ça profite à la communauté. C'est plus ou moins ce qu'on fait, sauf que pour concourir pour le titre, il faut quand même être qualifié. Mais par contre, il y a énormément de side events et ça reste une grande fête autour du jeu. Il y a plein de gens qui se déplacent de toute la France pour venir à l'événement, même s'ils ne sont pas qualifiés. Tu vois ce que tu peux regarder. Tu viens, tu fais tous les side events. Il y a des gros tournois. T'as de la place pour combien de joueurs là ce week-end? Il y a de la place, en gros, il y a 96 tables pour les joueurs invités. Et puis après, il peut y avoir. Je crois qu'ils ont prévu de la place pour l'équivalent en side event. 500. Ça peut être 200, 300, je pense. Ok. Bon, c'est le temps au jeu de grossir bien. Pour information, mon cher Max Hildan, le principe de championnat de France Open est assez rare, en fait, dans les TCG. Ouais, mais je trouve ça bien. Généralement, c'est vrai que je vous dégueule. Et en fait, et en vrai, je pense que ça devrait pas s'appeler un championnat de France. Un championnat, techniquement, si tu reverras par rapport au foot, c'est tu grindes un petit peu ta saison, d'accord. Et à la fin, tu fais ça. Je pense, par contre, il pourrait y avoir une coupe de France.
où là, effectivement, tu fais un gros open. N'importe qui peut participer. Parce que le championnat, tu as raison, devrait y avoir un champion, classement. Champion, il y a un classement, il y a un truc. Et moi, je sais qu'à Magic, à l'époque, il y avait, j'ai participé moi, au championnat de France, où pareil, il fallait être qualifié, etc. Il y avait ce système de qualification qui est bien, parce que du coup, tu sais qu'en fait, les mecs qui sont dans cette salle, c'est des cracks. C'est, en tout cas, c'est que des mecs qui ont joué sérieusement pendant toute l'année qui a précédé. Et donc voilà. Par contre, effectivement, le fait de faire des gros open, généralement, c'est plutôt des grands prix. Enfin, nous, en tout cas, à Magic, on a des grands prix où tu pouvais avoir 2000 mecs. C'était le Grand Prix Paris, où du coup, tous les gens qui étaient à peu près autour y allaient, t'avais des 2000 voire 3000 personnes. Mais là où je te donne raison, c'est que le principe de dire c'est un truc de France, c'est dans l'année, il y en a un, et c'est le truc de France. Ça bien c'est vrai que ça attire. Et effectivement, sur Yu-Gi-Oh! Au début, j'étais en mode championnat de France, du coup, c'est un open, c'est un peu bizarre votre truc. Que je trouve super, c'est que tu vois, lui, il a fait le championnat de France Yu-Gi-Oh! Il a après joué une semaine avant. Ouais, ouais, j'avais vu ça, ces séances de préparation. Je trouve ça cool de pouvoir faire ça. Mais alors, ça tombe bien qu'on en parle parce que y a l'équivalent. Pour nous, des régionaux, des GP, on a donné un autre nom, ça s'appelle des Battle Hardened. Et il y a un Battle Hardened à Toulouse qui va être un gros événement qui va réunir. Alors, il n'y aura pas que des Français, évidemment, puisque c'est sur inscription, mais ça peut être les gens peuvent venir de n'importe où. Mmh. Mais c'est un gros événement qui peut. Je crois que la player capacity, c'est 226 parce que c'est un tournoi sur une journée et on ne peut pas faire plus de rondes sur une journée. Mais du coup, il va y avoir un gros événement comme ça qui est complètement open où n'importe qui peut venir et qui va être le gros événement, enfin, ce sera le plus gros événement en France de l'année, quoi. Okay. Il y aura plus de joueurs de fait qu'au championnat de France puisqu'on est limité à 96. Tout à fait. Okay. Très bien. Merci pour toutes ces réponses. En tout cas, le jeu organisé, il est soutenu. Et Voilà, le principe, c'est de faire un jeu qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'on est, on a envie de faire un jeu qui va perdurer des années. On est tous dans la boîte, mais je le dis sans plaisanter en plus. Enfin, je le dis très sérieusement. Tous les gens qui travaillent chez LSS sont des joueurs de jeux de cartes. Et c'est aussi pour ça qu'on s'en rend compte qu'à chaque fois qu'on prend une décision pour le jeu organisé, qu'on prend une décision avec les boutiques de jeux, c'est toujours fait de bonne intelligence et on le fait, c'est toujours des décisions plutôt de bon sens parce qu'on les fait, parce qu'on est impliqué d'une manière ou d'une autre. Tu peux te planter, mais t'as sincèrement fait de ton mieux. Quoi. On sait, on connaît les exigences des joueurs, on connaît les exigences des boutiques, on connaît les exigences des arbitres, on sait comment tous les acteurs principaux du milieu du jeu de cartes ont besoin d'avancer pour faire un jeu qui est cohérent. Et qui comment on devient arbitre de Flesh and Blood? Est-ce qu'il y a un site sur lequel tu passes des épreuves? Il y a un site qui s'appelle Judge Hub où on peut participer au test et en fonction des résultats du test, on peut être invité à arbitrer après des tournois de niveau 1, niveau 2. J'ai pas du tout envie de devenir arbitre, mais je sais que je l'avais fait à l'époque de Dragon Ball juste pour juger mon niveau de connaissance des règles. C'est intéressant de le faire. Et du coup, je crois que je dois être juste niveau 1. Mais c'est cool. Mais j'étais juste en mode, ok, je connais le jeu. Et c'est des questions de bâtard. Hein. C'est que des trucs en mode, alors en fait, si tu joues ça, mais qu'avant il a joué ça, mais qu'au tour d'après. Et t'es là, ça n'arrive jamais, mais ok. Carrément. J'aime bien, moi, dans les profondeurs du jeu, j'étais aussi arbitre Magic, etc. Et c'est cool. De toute façon, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup basé sur ce que faisait Wizard à l'époque des Pro Tours, à l'époque. Et vraiment, je ressens un petit peu, et c'est pour ça, m'étonne pas que des anciens joueurs de Magic se disent allez, on va plutôt aller du côté de Flesh and Blood, parce que justement, ce côté, ok, c'est plus niché, tu vois, de fait d'avoir un jeu qui est un peu moins accessible, un peu plus tourné compétition, etc., etc. Et en même temps, pour ceux à qui ça plaît, c'est génial. Et le fait de se dire, on n'est pas dans une masse de ah bah oui, mais il faut aussi faire plaisir à ça. Évidemment que tu vas mettre des cartes un peu jolies pour les collectionneurs, évidemment, tu vas. Mais si la priorité numéro 1, c'est le jeu organisé, notamment en boutique. C'est, je pense, quelque chose qui, en tout cas, me ravit. Ouais. Les amis, je crois qu'on arrive un peu au bout de cette émission. Franchement, si vous ne connaissiez pas Flesh and Blood, vous le connaissez maintenant. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. Hein. Je crois que là, vous en savez autant que moi. Je ne peux pas vous dire plus de trucs. Parce qu'on vous a gerbé tout ce que je savais. Donc voilà, j'ai resté malson. Et Romain aussi, merci beaucoup pour ta présence. C'était un plaisir. C'était très cool. On te retrouve du coup ce week-end sur la chaîne L'œil de Fidia pour, sur la chaîne Twitch pour le cast du CDF. On te retrouve aussi sur cette chaîne pour des descriptions de deck. On fait des deck-tech, on fait des lives où Pedro, qui est un joueur beaucoup plus aguerri que moi, m'apprend à jouer les decks les plus complexes du metagame. Par exemple, il m'a appris à jouer un deck Azalea qui est hyper compliqué récemment. Donc on essaie de faire de plus en plus de trucs. Là, on était un peu en stand-by pendant l'été parce que c'était compliqué, mais on va reprendre à la rentrée, Très bien. Ok. On te retrouve quand ou t'avais une question. Ouais, quelqu'un dit je viens d'arriver donc je ne connais toujours pas du coup. Ah effectivement, non. C'est le seul qui peut ce qui arrive maintenant. Mais ça va être dispo. Évidemment, ce sera en rediff soon. Moi les petits amis.
Pendant une semaine, j'étais absent de mon stream. J'avais plein de choses à faire IRL. Et normalement, c'est bon. Ce soir, je rentre. On fait le 22 minuit. Et je game. On parle de cul à la fin. Et, et de minuit à 2h, je pense que je vais tester la nouvelle version de Marvel Snap. Nouvelle version, c'est juste que sur PC, maintenant, il est un petit peu plus joli. Voilà, donc ça ressemble à un jeu. Ça ressemble à un jeu. En vrai, avant, ça ressemblait à un écran mobile qui était streamé. Et maintenant, ça ressemble un peu plus. Ils ont comblé un peu les espaces, quoi. Ça change pas grand-chose, mais il y a une nouvelle carte que j'ai récupérée aujourd'hui même, la carte qui est sortie hier. Donc, on va pouvoir... J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'updates de... Comment on appelle ça? De confort. Du genre, quand tu fais évoluer une carte, maintenant, tu peux la faire évoluer de 5 coups d'un coup. Et je suis là, ah bah merci, enfin. En fait, le jeu a un an, hein, bientôt, ouais. et clairement, tu sens que eux aussi sont un petit peu derrière. C'est vraiment différent. Mais pour boucler sur ce que je disais au tout départ, pourquoi j'aime pas trop le principe de trading card game, c'est que sur les jeux, notamment en ligne, tu peux pas trade. Ouais. Et c'est pourtant l'esprit d'un TCG. Il y a des jeux qui ont proposé de le faire. Il y avait un jeu qui s'appelait Shards... quelque chose, vous l'aurez évidemment dans le chat parce que vous avez toutes les bonnes réponses. Shards of Infinity, non? Alors non, il est derrière toi, mais ça c'est un deck building ça, et non, c'est pas le même. Mais il y avait un truc qui s'appelait Shards quelque chose. Et bref, et eux, ils avaient vraiment dans l'idée de dire, vous allez acheter des boosters en ligne et on va vous créer un marché dans le jeu où vous pouvez échanger des cartes entre vous et vous vous démerdez, c'est-à-dire que vous mettez vous-même la valeur des cartes. Et bon, le jeu n'a pas marché, je saurais pas analyser pourquoi il a pas marché. Mais les mecs avaient vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour dire X Shards of Fate. X Shards of Fate, exactement. Et ils avaient vraiment fait un truc en mode c'est un vrai trading card game. Et du coup, leur communication était sur le fait de dire c'est le seul trading card game. Parce que les autres mentent. Tu peux pas. Là, putain, bien joué. Ouais, voilà. On peut déjà un peu le faire sur le jeu Pokémon, là, la version. Ouais, tu peux échanger, mais bon, c'est. Ça a l'air décevant. Non, je trouve que c'est très cher et tu peux pas vraiment. Elles ont une valeur intrinsèque, quoi. Tu peux pas décider de la valeur de la carte. Ah, bah du coup, c'est pas vraiment du trade. C'est pas vraiment du trade, quoi. C'est une marketplace. C'est une marketplace, exactement. Nous sommes au bout de cette émission. Toi, t'as dit où est-ce qu'on te retrouvait. Ouais. Toi, on a dit où est-ce qu'on te retrouvait aussi. Moi, je serai en live demain à 20h. Voilà, ce soir, c'est jeu de société, mais avec d'autres personnes et en privé, entre amis. Voilà. Parce que vous n'êtes pas mes amis. Du coup, vous pouvez venir sur ma chaîne à 22h. Exactement, ce soir, vous pouvez chez Roche. Chez moi, vous êtes vraiment tout le monde est un ami, gros potes, quoi. Je vous rappelle que donc demain, 20h, alors ce sera peut-être pas soirée potes parce que, apparemment. Il y a du tir au flanc, comme on dit. Ouais, ils ont. Je sais pas, les mecs te disent. Ah, j'ai prévu autre chose. Ah bon, excusez-moi, je croyais que le jeudi. Mais très bien. Plus important que nous. Et par contre, ce week-end, soyez présents. Ouais. Puisque, alors je ne sais pas encore vraiment à partir de quelle heure parce que. Les gens vont arriver un peu comme ils veulent, vont s'installer un peu comme ils veulent ou autre. Mais ce week-end, Roslan, les amis, puisqu'il y a WoW Classic Hardcore qui sera disponible. Et du coup, j'ai invité tout le monde chez moi. On va se réunir, on va brancher les PC, on va faire comme au bon vieux temps. On va faire du WoW comme il y a 15 ans, avec la difficulté de l'époque. Sauf qu'en plus, s'il y en a un de nous qui meurt, tout le monde wipe. Et quand on dit wipe, c'est tu supprimes ton perso, tu recommences. Pas plutôt pour mettre de l'enjeu, si on a un nous qui meurt, il meurt dans la vraie vie. Allez, je mettrai un couteau sur la table. On va partir en mode LAN, interdiction de se doucher. Bien sûr. Encore que... Il y a un jacuzzi. Donc il y a un monde où... C'est pas vraiment comme à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de jacuzzi. Laisse-moi te dire qu'à l'époque... c'est comme à l'époque si vous viviez chez des parents riches. Voilà, mais bon. Exactement. Alors, personne n'a connu ça ici. Bref, voilà, vous connaissez le programme. Je sais que vous êtes nombreux à poser des questions aussi sur « Oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe à la rentrée, machin, le récap Vous verrez. Ça arrive. C'est en cours. C'est plutôt dans la jauge de positif. Non mais oui, évidemment que j'ai fait un truc. Est-ce que vous m'avez déjà vu rien branler? Bah non, ça n'existe pas, donc évidemment, j'arrive. Mais laissez-moi le temps. Voilà, laissez-moi le temps, ça arrive et on fera le bon coup de com' quand il faut. Sur ce... Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. T'as plus tout le monde. Ciao.